J'aurai toujours besoin de votre communication, j'aurai toujours besoin de vous. Il y a un membre de la règle. J'ai oublié les pastèques. Hi. Coucou Sandy, coucou, j'arrive. J'arrive Sandy. Je termine mon plat. Je termine rapidement mon plat. J'aime pas manger en direct. Dieu merci. Le même jour de la soirée, elle fait un accident. C'est-à-dire, c'est comme si les freins ont lâché, la voiture rentre en arrière. Elle a eu beaucoup de signes. Elle a eu beaucoup de. Qui je parle, elle est assise avec toi. Je te fais un gros gros bisou dans ton cœur. Merci à toi. Voilà. Donc, la prochaine fois, quand il y a un événement comme ça, il faut aller dans d'autres associations. Essayer de discuter avec des personnes. Prendre même deux personnes dans la communication, dans le. C'est comme si. On quitte, moi je quitte par exemple, comme je suis à Rouen maintenant. Je quitte Rouen pour venir m'imposer à Paris. Non. Je vais faire tout pour travailler avec les gens de Paris. C'est comme ça. Si toi, peut-être, tu quittes pour venir travailler à Rouen. Bon, Rouen, je ne peux pas dire que Rouen, c'est ma ville. Hein. Je vis à Rouen, mais ce n'est pas vraiment ma ville parce que je n'ai pas d'amis à Rouen. Donc, Rouen, j'ai des sœurs ici à Rouen. Je n'ai pas d'amis à Rouen. Donc, ça veut dire que. Je suis toujours chez moi. Comment tu auras les amis? Je n'ai pas d'amis à Rouen. Tu as créé le désordre. Si il faut faire un événement à Rouen, je suis obligé de voir les autochtones, les personnes de Rouen, pour leur dire voilà, comme si je demandais par exemple une permission. Je peux aller voir deux ou trois personnes, je leur dis voilà, j'ai envie de faire un événement que je veux faire ici. Est-ce que vous pourriez m'aider? Eux, ils savent comment ils vont faire leur communication. Donc, c'est l'erreur que mes. Les femmes de Milama n'ont pas, elles ne connaissent pas, elles n'ont pas l'habitude de faire des soirées. Mais elles se sont pas mal, elles se sont pas mal battues, hein. C'était bien, j'ai trop aimé. Et elles étaient gentilles avec tout le monde, elles étaient accueillantes, c'est l'essentiel, voilà. Donc la soirée était belle. Il y a Mani qui est quittée de la Belgique, Mani 5 étoiles, qui est quittée de la Belgique. Coucou Sandy, coucou, merci d'être là les filles, merci d'être là. Je me suis dit qu'à 7h, tout le monde est presque à la maison. Lolo Gloria, coucou, m'assistou. Tes trucs sont là. Hein. Ta commande est presque là. Donc, tu m'envoies juste les coordonnées. Et puis bon, coucou, Aimé Prisca. Merci déjà, Lolo Gloria. Merci de m'encourager. James Lebron, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Merci, pardon, Idéa, j'ai terminé. Merci. Merci. Coucou, Cindy La Force. Merci, Cindy Force, d'être là. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci Vitorine et Yango. Merci.
qui dans ce mal accuse le pantalon. Larissa. Salut Larissa. Salut Diaspora pourrie. Merci d'être là. Merci, merci beaucoup. Donc, Véronique Amar, je te salue, Sistou. Honorine, merci d'être là, Honorine. Bonjour. Bonjour, Tira Grant. Bonjour, Blanche Aimée. Bonjour. Bonjour, Honorine. Bonjour, Véronique Amars. Aurélie Wako, bonjour, ma petite soeur. Bonjour, Wayam. Mayam. Bonjour, Roselle. Bonjour, Nadia. Bonjour, Nadia. J'espère que tu vas bien. Quand vous avez dit que l'organisation dû lui faire des remontrances. On va écouter, non, on va écouter, on va analyser. Coucou Ella John Dog, ma sister d'amour. Salut, 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 ma soeur. Avec toute la pluie de doigts, la salut. Coucou Marc Larose, coucou. Bonsoir, bon, non, bonjour Madame la vice-présidente. Bonjour, merci d'être dans mon direct. Coucou Rose Sibé, bonjour. Bonjour. D'accord, ok, log là, pas de souci. Salut, salut. Coucou Kouetou, merci d'être là, sister. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai les perruques à ventre que je propose. Merci, Tata Lydie Fauquin. Tata Lydie Fauquin, le salon du 2 novembre. Hey, le salon du 2 novembre. Le salon. Les gens, on ne fait pas trop de bruit. Le tonneau vide par le trou. Coucou Rachel. Salut. Merci Rachel d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai partagé. Oh, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé. Bonjour Rachel, bonjour Fanny. Ah, bonjour maman Fanny. C'est quoi que c'est Fanny? Non, c'est Fanny, c'est pas la maman. Merci Gloria, merci ma fille, ma petite. Voilà. Coucou Albertine, ma petite soeur, j'espère que j'ai salué tout le monde. Coucou Daniel. Alors, je fais ce direct pour qu'on essaie de décrypter la sortie de Ngundial. Vous savez, ces femmes aiment manipuler l'opinion publique. Leur rôle, j'espère que vous allez tous bien d'abord. Je vous salue toutes. J'espère que vous avez débuté la semaine en santé. J'espère que vous allez toutes bien. Donc, elles aiment manipuler l'opinion publique. Coucou Daniel, merci beaucoup Madame la vice-présidente. Coucou Lily, ils aiment manipuler l'opinion publique. Et nous ne devons pas nous taire. Oh, nous ne devons pas nous taire. Donc, en passant, coucou Lydia Naman, coucou ma soeur. Blanche Aimée, ouais, j'oublie, fais-moi l'inbox, non? Fais-moi un message privé, un PN. Coucou Petit Piment, oh ma grande Valérie, coucou ma big, salut. Donc, rêve à les gants que je vous propose, j'ai des boubous, j'ai des perruques et j'ai des boubous. Merci déjà à toutes celles qui m'encouragent. Il y a des gens qui achètent, pas parce qu'elles en ont vraiment besoin, mais elles achètent pour m'encourager. Ah, tu veux que je te ramène ça? Donc, rêve à les boubous. Je vois les gens sortir maintenant, les boubous. C'est pas mauvais. Mais n'oubliez pas que j'ai les boubous, que je... Ouais, c'est ma copine béninoise qui m'a dit qu'on dit boubou. On ne dit pas gang. Coucou Mayaël Damou. Oh, Mayaël, le salon du 2 novembre. Marie-Thérèse, coucou maman. Coucou. Coucou maman. Ok, tata, je te garde ça. J'espère que tu vas bien. Donc, j'ai les boubous que je vous propose. Merci à tous mes clients. Merci à Yael Damou qui m'a pris 3 boubous. Merci à toutes celles qui m'ont pris les boubous. Il y a aussi, je ne sais pas si je dois citer son nom. Merci à Madame Y. Non, Madame J. Qui m'a pris aussi 3 boubous. Je vous remercie vraiment. Vraiment, vous m'encouragez énormément. Coucou Roxane. Coucou. Oh, Moya, il faut que je t'appelle. Fais-moi un message privé. Il faut qu'on cause avec l'homonyme. L'homonyme mérite un beau cadeau. L'homonyme mérite un beau cadeau. Bonjour Roxane, bonjour Liliane, j'espère que tu vas bien. Bonjour Evuna, Vanessa. Bonjour Vénus Germaine. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Gonzi. Oui Coco, c'est le boubou, c'est le jaune, la couleur jaune. Donc, j'ai les boubous à proposer, comme ma copine béninoise a dit, j'ai les boubous à protéger. Merci à tous ceux qui m'encouragent, merci de passer vos commandes, je vous remercie énormément. J'ai aussi des perruques à proposer, si vous avez des perruques, contactez-moi. Vous avez... Oh, parce qu'on va faire les clash. Oh.
n'envoie pas la même personne, non, dis donc, ouais. Mais la même personne, non, met toujours le même nom, même le même nom. Je suis en direct. C'est la même personne, ça ne change pas. Va dans recherche, tu vas voir, recherche. Tu tapes, tu vas voir le numéro, je suis en live. Je suis live. Ville juive. Je sais que ville juive n'est pas loin. Donc, on dit souvent que quand... J'espère que j'ai salué tout le monde. Salut la Tifa, merci Carole Phoenix, merci beaucoup de m'encourager, merci. Donc Carole Phoenix, merci la tigresse, merci d'être là, merci beaucoup. Donc, Carole Phoenix, j'ai les bobos à acheter, hein, à vendre, hein. Donc Grand Man Names, merci d'être là. Donc on va commencer les filles, je ne pourrais pas saluer tout le monde, voilà. Je veux le tissage, Marie Euro, qui veut le tissage? Marie Euro, s'il te plaît, regarde mes pages. Tout à l'heure, je vais encore poster 5 nouvelles vidéos avec 5 perruques différentes. Coucou Blanche, je vais poster 5. Oh, là, vous dépassez de retour. T'as cherché. Dis-nous quand même que tu es rentrée à la maison. On s'est inquiété, ma fille, ma petite soeur. Il y a des signes comme ça, ça veut dire que la fête va être toute bien. Je te fais, c'est après mon direct, s'il te plaît. Qui l'envoie, on va les récupérer. Les Béninois, c'est nous maintenant. Donc, les filles, coucou merveille de Dieu. Lolo vous dépasse de retour. Merci d'être là, ma petite soeur. Marie Euro, s'il te plaît, contacte-moi inbox, s'il te plaît. S'il te plaît. Et Baba, salut. Merci. Dans les filles, cette perruque avant, je vends les boubous. Vous savez, les gens tombent dans la manipulation. Et ils utilisent beaucoup, de plus en plus, la fibre tribale pour vous intimider. Ils utilisent la fibre tribale pour vous intimider. Ils veulent vous intimider. Ne tombez pas dans cette manipulation. Si tu es bamileke, assume d'être bamileke. Si tu es quoi? Quoi veut dire quoi? J'aimerais vous préciser, vous donner la signification du mot quoi. Parce que je me suis rapprochée des personnes, de certaines, dans mon groupe de famille, j'ai posé la question à certaines personnes âgées de mon groupe de famille. Parce qu'il y a une dame qui est entrée dans mon direct qui m'a donné la définition de quoi. Et je suis allée dans mon groupe de famille pour reposer la question à mes grands-pères, à mes oncles qui sont dans le groupe de famille. Coucou ma fauchou, FP ma fauchou, salut. Donc, quoi en bamileke me dit autochtone. Si tu me dis que je suis une grassfield, je ne me plaindrai jamais. Je suis une Gelafis. Une Gelafis, c'est une grasse fille en peut-être en Yaoundé ou en Boulou. Donc, merci d'être la merveille de Dieu. Merci, ma grâce Sylvie Ténier. Quand on dit le quoi veut dire un autochtone. Parce que vous savez tous qu'on a été martyrisé. On a été martyrisé. Le peuple de l'Ouest a été martyrisé. Vous le savez. Et le traumatisme a fait à ce que on déserte nos endroits, nos villages pour venir chez vous. Je m'adresse en quoi? Le peuple de l'Ouest a été traumatisé. Le peuple de l'Ouest a été persécuté. Et certaines personnes qui ont perdu des maris, des oncles, des tantes, ont quitté l'Ouest pour aller ailleurs rechercher un peu de chaleur humaine. Ils sont allés où? Ils sont allés chez les quoi? Les quoi les ont accueillis. C'est quoi le quoi? Le quoi c'est le tonton. Comme je suis autochtone à Kribi. Je suis quoi? Parce que je suis autochtone à Kribi. Je suis Banganté parce que je suis originaire de l'Ouest. Mais je ne suis pas autochtone à l'Ouest. Je ne suis pas une autochtone de Banganté. Je suis originaire de Banganté, mais je suis autochtone à Kribi. Ah, d'accord, Lydienne. Ok, merci beaucoup, ma sistou. Merci de m'envoyer les clients. Merci, Nelly Panza. Merci d'être là. Le perroquet n'est pas là, maman. Je suis dans la joie. Une joie immense.
Je suis dans l'émotion, les animaux libérés. Mais pourquoi ce titre? Merci Mercedes Mbala. Donc je voulais attirer l'attention de tous les Camerounais qui me regardent. Merci Julien Zombi d'être là. Le mot quoi n'est pas une injure. Le mot quoi en Grassfield veut dire autochtone. Autochtone. Les Grassfields ont été persécutés. Ils ont été martyrisés par le colon, par l'impérialiste. Et parmi eux, il y a des gens qui ont perdu toute une famille, qui sont retrouvés dépaysés, dépeuplés. Ils ont décidé de quitter leur village pour aller chez leurs frères du côté du centre, du côté du sud et du côté de l'est ou de nord. C'est à ce moment-là, quand ils arrivent chez les autres, pour les nommer, ils disent les quoi? Le perroquet n'est pas là. Nous sommes libérés, mes soeurs, mes soeurs, là, ne rit pas. Nous sommes libérés. Coucou, Natacha. Merci, maman Adèle. Je suis en vacances, maman Adèle, je suis en vacances. Coucou, Carole Bouen, merci d'être là. Merci, Cindy Frost, elle n'est pas loin, le perroquet n'est pas là. Donc, le peuple de l'Ouest a été, certaines personnes se sont déplacées pour aller vers d'autres frères camerounais. D'où le mot quoi? Quand tu vas appeler ton frère Boulou et que tu vis à Boulou, tu l'appelles quoi? Non, ne mets pas la tête de mon bloc sans faire allusion à lui. Ne mets pas la tête de mon mari. Je peux lire. Je ne suis pas Congo, ça. Je lis, ma chérie. T'inquiète pas. Je lis. Quand je parle, je n'ai pas le temps d'appeler tout le monde, mais je lis. Merci beaucoup, Natacha. Merci, FP Mafouchou. Merci beaucoup, la grâce de Sylvie Tenier. Donc, le quoi n'est pas une injure. Quand le Babileke dit quoi, c'est comme si le Béti disait graphie, graphis, graphis. Donc on arrive à Yaoundé, on arrive à Kribi, on trouve des autochtones, on trouve des Batanga qui sont installés avant nous. On les appelle les quoi? Les autochtones, c'est un signe de respect. Ce n'est pas une injure. Donc j'ai voulu avoir la confirmation. J'ai demandé à certains oncles de ma famille, dans mon groupe familial. Ils m'ont dit oui, ma fille. Ils m'ont dit oui. L'onkwa veut dire l'autochtone. Donc ne vous sentez pas marginalisé. Quand un Bamileke vous appelle quoi? Coucou Jacqueline. Ne vous sentez pas marginalisé. Ne vous sentez pas humilié ou alors insulté. Quand un Bamileke vous appelle quoi? Onkwa veut dire autochtone. Je suis quoi à Kribi, mais je ne suis pas quoi à l'ouest. Je ne suis pas quoi à Bangaté, mais je suis quoi à Kribi, à Mokolo. Je suis quoi? Parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Salut là, non, je ne bloque pas la liste, ça ne me dérange pas. C'est une expression. Et le mot bangaté, comme ma soeur Mami Nyanga a fait de vous dit, on dit non à la soumission. Le bangaté dit non à la soumission. Vous avez entendu que les filles bangatées sont têtues. Ça vient des gènes. Nous n'aimons pas la soumission. C'est rare de voir une fille bangatée soumise. On apprend à se mettre soumise, mais il y a toujours l'instinct rebelle en nous. Merci Lolo Gloria. Merci Massou, je vais bien séquer. C'est ça dont la signification du mot quoi. Je vous invite à mon direct aujourd'hui pour qu'on essaye d'analyser ensemble la sortie de Maléba. Moi, je t'appelle, je cite ton nom, porte ma plainte. Je vais te sortir, je dirais que tu nous as traumatisés. N'aie pas peur de vos plaintes. Écoutez-moi très bien, n'ayez pas peur de vos plaintes. C'est vous qui avez commencé. Et nous, on a les archives. Contrairement à vous, nous, on connaît, on nous garde. Donc, on va décrypter le direct de Maléba. Le quoi ne veut pas dire, ce n'est pas une injure. Le quoi, mes frères, mes chers soeurs et frères, veut dire autochtone. Si je me déplace pour aller vivre à l'ouest, à l'est, je vais trouver les autochtones, je vais les appeler un quoi. Et les gens de l'est vont appeler un graphite. M'appeler graphiste, coucou, merci d'être là, Jeanne Zobo. Vous avez compris. Donc, c'est une petite parenthèse. Elles ont passé leur temps à manipuler l'opinion publique, à vous manipuler, mes chers frères et sœurs, à nous manipuler, parce qu'on n'avait pas la voix. On n'utilisait pas les réseaux sociaux pour donner nos contre-vérités. Je vois celui qu'on appelle Ducamer. J'ai suivi un extrait de son direct. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal que Ducamé parle de tribalisme.
J'ai suivi ton direct, j'ai compris que tu es lâche. Un homme porte les couilles. Un homme porte ses couilles du camel. Je commence par toi. Un homme porte les couilles. Il m'entre dans ma maison. C'est moi qui commande. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Maléba n'est pas là à l'école. Pas parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Parce qu'elle ne voulait pas. Et elle vous veut à ses pieds. Elle vous veut à ses pieds. Soit vous êtes dans une team, soit vous êtes de l'autre côté. J'invite Lolo et Flore à être strictes là-dessus. C'est vous qui donnez le ton. Les abeilles, si vous m'écoutez, c'est vous qui donnez le ton. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Mais pour réanimer quelqu'un, il faut l'électrocuter, il faut le choquer. Électrochoc, poubou, 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 ça te réanime. C'est pour ça que j'aime électrochoquer les gens. Ça te réanime. J'ai appris ça en Allemagne. Tu fais un bac, on te frappe, tu ne recommences plus. Mais pour réanimer, il faut boum boum la personne. Il faut le choquer. Flore et Lolo, c'est vous qui donnez le ton. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Donc, n'allez plus donner la visibilité. Ou alors, ne faites pas comme si vous avez besoin de certaines personnes. Oh, ces gens ont besoin de vous. Ce qui est sûr, c'est ça. Ne dites pas que l'on vous dépasse. C'est pour réanimer quelqu'un, il faut ça. Ce n'est pas vous, vous n'avez pas besoin de ces gens. C'est vrai qu'on a besoin de tout le monde, mais ça dépend de quel domaine. Dans le domaine du blog, vous n'avez pas besoin d'eux. Parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait de vous, tout le temps que vous avez tourné avec eux, rien de bon. Ouais, rien de bon. Ils ne vous ont rien apporté, au contraire, ils vous ont retardé. Et le temps passe, le temps court. C'est la vérité qui choque. Ils vous ont retardé. Vous n'avez pas besoin de... Du Camer, Flo n'a pas besoin de toi. Garde son blog. C'est toi qui as besoin de Flo pour ton blog. Écoute-moi très bien. Du Camer, Flo ne faisait pas encore les directs. Quand toi et moi, on faisait les directs, à l'époque, je ne sais pas si elle faisait les directs, oui, avec le président Goss Albert. Tu as commencé devant nous. On pouvait faire comme toi. Avec Goss Albert, tu te rappelles. Flo n'a pas besoin de toi pour son blog. Mais toi, tu as besoin d'elle. Parce que tu ne peux pas faire un blog sans parler d'elle. On entend rarement parler de toi. Coucou Miguel. On entend rarement parler de toi. Mais dans tous vos blogs, c'est Flo, Lolo, Flo, Lolo. Mais parlez de compresseur. C'est une blogueuse. Si vous voulez être avec compresseur, parlez de compresseur. Développez votre blog avec le nom de compresseur. On verra, ça va payer. Vous savez que là-bas, la terre n'est pas fertile. Vous savez que là-bas, la terre n'est pas fertile. Il faut toujours que vous venez grotter. Vous venez gratter à côté. La terre n'est pas fertile. Merci beaucoup, Carole Bouen. Les abeilles, je vous dis encore une fois, du Camer, tu es un manipulateur. Et vos histoires de dire, j'étais soutenue, elle n'était pas soutenue. Oh, que tu soutiennes ou pas. Si quelqu'un doit s'en sortir dans un problème, il s'en sort. Vos soutiens servent à quoi? J'ai envie de comprendre. Si j'ai un problème, on ne me soutient pas. Je verrai si je n'ai pas ma sortie. Si j'ai un problème sur mes temps, monte sur ma tête, tu marches. Je verrai si je n'ai pas ma sortie. Vous appelez quoi soutien? Si j'ai un problème sur mes temps, monte sur ma tête, tu piétines, tape le tambour sur mon crâne. Je verrai si je n'aurai pas ma sortie. Vous appelez quoi soutien? Soutien hypocrite. Une gueule, le coucou Anis. Là, j'étais soutenue quand j'étais au Cameroun. Elle n'avait pas besoin. Parce que les autorités camerounaises lisent le droit. Ils ne regardent pas vos directs. À aucun moment, on ne lui a dit, montre-moi un direct Facebook. À aucun moment, on ne lui a dit que, montre-moi le direct du Camer. Qu'est-ce qu'il a dit? Montre-moi le direct de l'homme au fléché. Qu'est-ce qu'il lui a dit? À aucun moment, l'autorité camerounaise ne lui a posé cette question. Merci Amalia. Merci Alexandre d'être là. Vos soutiens manipulateurs, vos soutiens hypocrites, on n'en a pas besoin. Je répète encore aux abeilles. Du Camer, Flo n'a pas besoin de toi pour son blog parce qu'elle a un nom, elle a une légende, elle a un nom. Elle est une entreprise. Si tu voulais être une entreprise comme Flo, tu pouvais le faire. Mais vous êtes tombé avec l'esprit du quartier. Vous n'avez pas su profiter de votre blog. Tu n'avais plus à ce niveau, tu n'avais plus à ce niveau. Tu ne devais plus être à ce niveau. Ben, tu as commencé au même moment que les Flores. Denis Dunion, merci d'être là. Merci Larissa. C'est toi qui as besoin de Flores.
Et sur ce cas-ci, tu as tort. Ne joue pas comme tu veux caresser Flore. Tu blesses, tu caresses, tu brises, tu caresses. Non. Parce que quand elle a commencé avec Tiama Fort, elle n'avait aucun problème avec toi. Tu l'as aidé à quel niveau? Tu l'as aidé à quel niveau? Toute la molestation que tu manges sur ta page, on voit à peine quand tu découpes les directs de Moussa. Oh, montre-moi les directs de Moussa que tu découpes. Je veux compter le nombre de directs de Moussa. Et on voit les vues quand tu postes Moussa. On voit les vues quand tu postes Flore. Vous êtes des égoïstes. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes mal à la limite. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Détachez-vous de ce genre de personnes. Flore, détachez-vous. Comme était-je au téléphone. Détachez-vous complètement. Merci Léa d'être là. Merci ma grande soeur. Merci d'être là. La grande soeur José, détachez-vous. Va faire le récapitulatif. Va faire la comptabilité sur ta page. Tu me dis combien de vues tu as quand tu postes la vidéo de Flore sur ta page. Vous mangez derrière Flore. Vous mangez derrière Loulou. Et vous voulez ouvrir vos gueules pour gueuler. Vous voulez ouvrir vos bouches pour parler. Vous voulez ouvrir vos grosses bouches pour parler. Que je suis. Tu es quoi? Tu es quoi? Va regarder ta page où tu es là-bas. Combien de vues tu as quand tu postes Flore? Dès que l'autre termine le direct, elle ne sait même pas à quoi assise pour couper, pour éteindre. Vous avez à couper partout. Qu'on ait mis star, on ne coupe pas sa vidéo. Qu'on ait mis star, on ne coupe pas sa vidéo. On la laisse manger. Je pouvais couper les vidéos de Flore matin, midi, soir. Mais je ne le fais pas. C'est une parenthèse. Hein. Qu'on ait mis star, on ne coupe pas sa vidéo. On la laisse bouffer sa monétisation. Une de procent. 100%. On ne sait pas comme les détracteurs viennent couper la vidéo de la star pour se nourrir encore. Et viennent dire que l'été, tu es là avec quoi? Quand tu m'as dit, va voir sur mon mur, tu comptes le nombre de vidéos de ma soeur que j'ai coupées. Va, va faire un tour, tu reviens. Et patron, vous êtes les petites bâtards. Je te vois souvent attendre, je te dis que tu vas insulter les gens du camer. Je te vois souvent, tu dis que tu vas t'insulter très mal. Mon frère, tu n'as pas pris la bouche que nous. Tu n'as pas passé les gens avec qui tu as besoin, ce sont nos amis. Tu as compris? Les gens avec qui tu es entré ici, là, nous sommes, ce sont mes amis. Il y a encore souvent, tu dis que tu vas t'insulter très mal. Et même si c'était parti intime, moi, si tu as dit mes parties intimes, je n'aurais pas la bouche pour te répondre. Hein? Regarde mon mur, tu me dis combien de vidéos de Lolo j'ai coupé. Dis-moi combien de vidéos de ma soeur j'ai coupé. Combien de vidéos de Flore j'ai coupé. Quand on est mis star, on ne coupe pas sa vidéo. Elle ment sa monétisation 100% parce qu'on veut son évolution. Oh, ma faute, je t'aime. Mais vous coupez. Dès qu'elle a fini, elle n'a même pas encore fermé les fesses. Vous avez à couper. Dès qu'elle veut tourner, vous avez à couper. Et vous voulez dire que vous l'aimez. Vous l'aimez avec quoi? En mangeant derrière elle. Vous l'aimez avec quoi? En mangeant derrière elle. Vous l'aimez avec quoi? C'est-à-dire que dès qu'elle a fini la vidéo, vous avez à couper, vous avez à poser sur vos murs. La monétisation tombe dans votre compte bancaire. Et tu veux crier que j'aime. Tu l'aimes avec quoi? You are not stupid. Nous ne sommes pas fous. Merci beaucoup la vice-présidente. Merci ma Flore. Nous ne sommes pas fous. Tu l'aimes avec quoi? Dès qu'elle finit là, tu as à couper. Est-ce que la monétisation à la fin du mois, tu dis que ma faute? Oh, ma grande Satana est là. Coucou Satana. Oh, merci ma grande soeur. Tu as dit ma faute d'être là. Je t'envoie même 200 euros parce que grâce à toi, j'ai eu 700 euros de monétisation. Voilà 200 euros. Jamais. Et t'es soutenu. On ne soutient plus. Les appels doivent sécher ton mur pour vous montrer que vous vivez sur le bloc camerounais grâce à ces deux femmes. Elles doivent vous sévrer. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes méchant. Merci beaucoup, Jojo. Merci, Annick. Vous êtes méchant. Les abeilles doivent vous sévrer comme on sèvre un bébé. C'est toi qui coupes. Dès qu'elle a fini, tu coupes. Elle finit, tu coupes. Elle finit, vous coupez partout. Elle-même, elle a combien sur la monétisation. Quand elle veut parler, il faut être soutenu. Oh, allez loin, vous voyez. Avec vos soutiens innombrables. Allez loin avec ça. Quand tu as un problème sur Meta, au trop deux semaines, ça bolait. Quand tu as un problème sur Meta, au trop deux, au lieu que j'ai mon problème, prends le tambour, tu tapes sur ma terre, je suis tranquille. Hein. Oh, je n'aurai jamais de. Oh, je suis tranquille. Le problème qui va m'affecter, c'est moi qui décide si un problème m'affecte ou pas.
C'est moi seule qui décide si un problème peut m'affecter ou pas. Je suis, c'est pas quelqu'un d'autre. Quand je dis que ça, tu ne m'affecteras pas, mon frère, quand il met ma porte ici, ça ne me touchera pas. Vous êtes des hypocrites. Tu lances un direct du Cameroun. Je m'adresse à toi d'abord avant de tomber sur Moussa. Tu oses dire que Flo a fait trop de mal aux gens. Tu oublies que toi-même tu as fait du mal. Et qu'il faut demander à pardon. Demander pardon à qui? Flo a fait la paix avec Lolo. Elle a fait la paix avec une personne, Lolo. J'ai fait la paix avec Lolo. D'accord? Les autres ont fait leur paix secondaire. La paix principale, c'était Lolo et Flo qui étaient en guerre. Elles ont fait leur paix. Si Lolo demande les excuses à Flore, ou Flore demande les excuses à Lolo, ça passera par toi. Elle s'appelle au téléphone. Parce que la guerre ne venait pas d'elle. La guerre venait de gens comme vous. Comme vous, elle casse la chicotte. Et les veuves joyeuses, la droguée, le surène, c'était vous. La guerre ne venait pas d'elle. Les deux dames ne discutaient rien. Elles n'avaient aucun problème à la base. C'était vous les manipulateurs. La preuve, elles ont fait la paix. Vous avez tout. Vous êtes tous. Déçus. Vous êtes tous déçus. Donc, il aurait dû se mettre en dire pour dire que faisons la paix. Faisons la paix. Je demande pardon parce que Ducamé appelle. Tu es qui? Tu t'es levé ici un jour. Tu as même vu ta morphologie, Ducamé. Et tu m'insultes et t'insultes. Pourquoi? Je n'ai pas peur de toi. Oh, je ne suis pas dans ça. Je n'ai pas peur. Et tu es sur mes parties intimes. Mais dans mon live, j'écoute comment on est. Tu es sur mes parties intimes. Je ne me gêne pas. Tu t'es levé ici un jour pour dire comment Lolo s'est déshabillé devant toi. Tu t'es regardé. Tu t'es regardé. Parce que vous, les hommes qui aiment dire que les femmes me draguent, c'est vous qu'on ne drague jamais. Les hommes qui aiment prétendre être aimés par les femmes, c'est généralement les hommes que les femmes ne regardent pas. Les hommes qui aiment prétendre, j'ai sorti avec tel, tel m'a appelé, tel m'a. Vous savez qu'on sort, vous n'avez pas envie que vous nous touchiez. Parce qu'on connaît votre état d'esprit, on connaît votre moralité. Quand on sort un endroit public avec vous, on évite que vous nous frôlez. Parce que vous n'avez pas de moralité. Vous n'avez pas de personnalité. Vous viendrez demain nous dire que j'avais touché la peau de rêve. Elle m'a laissé l'entrelacer. Elle m'a laissé la tripoter. C'est pour ça qu'on ne se permet pas. Oh, on vous tient à distance. Oh, on vous tient à distance. Oh, salut, moi, ça va. Point barre. Il n'y a pas de cœur rêve. Il ne me touche pas. Il ne me touche pas. Parce qu'on vous connaît. Celles qui se laissent tripoter par vous, c'est parce qu'elles ne respectent même pas leur propre corps. Les gens comme vous, ça distance. Ça va bien, mais s'il était là, point final. Tu veux toucher ma peau, mon frère. Tu me touches. Ça a commencé. Bon, laisse-moi aller. Dégage tes doigts sur ma corps. Dégage tes doigts sur mon corps. Tu as compris? Dégage-moi tes maigres doigts de mon. Tu ne me touches pas. C'est pour ça que quand on sort en public avec vous, on ne veut pas. Quand on se retrouve à un deuil, à une fête, à n'importe quoi, on évite de s'approcher à vous. Parce qu'on sait ce qu'on viendrait dire. Des petites personnes. Vous êtes des petites personnes. Les vrais hommes ne diront jamais que j'ai pensé avec rêve. Sa peau était comme ça. Emma, les vrais hommes ne le feront jamais. Ce sont des petites personnes. Aux couilles petites qui le font. Des petites couilles. C'est vous. C'est ça qu'on vous évite. Tu t'es levé une fois et c'est pour dire que l'homme a montré son corps. Eux est amoureuse de moi, on regarde l'autre, on cherche l'homme, on ne voit pas. On cherche l'homme que l'on a montré le corps, on ne voit pas. Oh, elle m'a montré le corps parce que tu fantasmes sur la personne. Tu fantasmes sur la personne. Tu viens, tu cours à mon dos vision, dis que cette personne t'a montré son corps et t'es amoureuse de moi. Tu fantasmes. Vous êtes des méchantes personnes. Votre blog, ton blog du canet vit grâce à Flore. Je ne dirais pas Lolo parce que tu es beaucoup plus avec Flo. Tu le dois pour ça. Tu lui dois un minimum de respect. Pour ça, tu lui dois un minimum de respect. Cache-moi, je te vois, merci d'être là. Tu lui dois un minimum de respect. Parce que le problème de Tiana Fok et Flo ne te concernait à rien. Tu ne pouvais pas lui apporter ton soutien. Oh, tu ne pouvais pas monter dans son live. Oh, tu ne pouvais pas partager ses lives. Parce que tout est découpage. Tu dis que j'ai eu 700 euros. Va regarder les photos. Qu'est-ce qui t'a donné 700 euros? Ce sont les directs. Ce sont les découpages de Flore. Les découpages de Lolo. C'est ça qui te donne 700 euros le mois. Ce n'est pas les découpages de Tiama Fok. Ce n'est pas Tiama Le qui te donne 700 euros. Ce sont les découpages de Flore. Le minimum voudrait quand même que tu lui donnes un peu cette reconnaissance.
en évitant d'aller où on insulte sa maman. Oh, c'est toi qui as enterré ma mère. Et toi qui as su le cercueil de ma mère, merci Diane d'être là, Aminata. Et toi qui as su le cercueil de ma mère, la présence physique dépasse tout. Se déplacer, venir t'assister à un moment de deuil, dépasse même l'argent. Parce qu'après, tu as fait une enveloppe. I'm sure. On connaît le personnage. On peut dire tout d'elle, mais assistance, elle le fait. Je suis sûre qu'après, tu as donné une enveloppe. Ne parle pas pour fleur. Hein, parce que je vous dis tout que j'aime être honnête avec moi-même. Je suis sûr qu'en sortant de là, elle t'a fait une enveloppe. Et tous ces gens qui sont venus derrière Flo. Don't forget it. N'oublie pas ça. Que tous ces gens qui sont venus, c'était la team de Flo. Si Flo n'y allait pas, il ne venait pas. Donc si tu as 50 euros multipliés par 4, c'est grâce à Flo. D'accord? Coucou Yakuba. D'accord? Arrêtez la méchanceté sur les réseaux sociaux. Je demande aux abeilles de vous sévrer. Vous allez vous dire qui fait le bloc. Pour montrer la puissance d'une team sans vous sévrant. Tu coupes les vidéos et signal. Vous savez ma page est totalement restreinte. Vous payez pourquoi? Toutes nos pages sont restreintes. Si elle commence à demander le droit sur les vidéos que vous coupez d'elle là, tous les joueurs publics, Flo ne signale même pas vos pages parce qu'elle n'a pas ce temps. Non, non plus. Moi, je la fille de bien, elle ne signale pas vos pages. Mais elle décide de m'asseoir sur vous. Mais on gâte tout. N'ayez pas peur. Mais on gâte tout. Elle ne m'attache pas au blog comme vous. Mais on gâte tout. Parce que tout ce que vous savez faire sur le métal, je sais le faire. Il n'y a rien de trop compliqué. Hein? Tu peux t'asseoir sur une plage avec une femme qui insulte la maman de Flore. Flore est gentil avec vous. Si ma mère vit, si ma mère vivait, tu l'insultes comme ça, la mère à côté de moi, comme je suis assise là. J'invite les Camerounais, on s'assoit, on mange le quoi coucou, on écoute comment tu la laves. Elle donne ton nom, comment blesse va du quand même. Elle s'appelle, elle donne ton nom complet. Elle s'appelle Chama Fok, elle écoute comment tu la laves. Ça fait quoi? Ça change quoi? À l'insulter une maman qui a fait sa vie. Elle a vu ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Vous croyez vraiment que ça peut faire quoi? Si elle vous dit qu'elle a mal, c'est juste parce qu'elle est humaine. Moi, la place de Flore, je lance un direct. Je remets le replay de ce que vous faites. Je mets ma main à côté. On mange, on boit de l'eau. On écoute comment vous la lavez. Vous n'aurez plus jamais le courage de le faire. C'est parce qu'on vous laisse. Je publie mes enfants sur les réseaux sociaux comme je veux, quand je veux. Personne ne peut toucher mon enfant. Tu touches mon enfant, tu meurs avec tous tes enfants. Je know who I am. Je sais qui je suis. Je publie mes enfants tous les jours que je veux sur les réseaux sociaux. Rien ne peut. Que 1000 tombent à son côté, 10 000, ils ne seront jamais atteints. Ce sont les anges qui vont leur porter comme ça. Pour que leurs pieds ne touchent aucune pierre. Matin, midi, soir, je l'ai publié. Essaye. Tu manges ta mère avant de partir. Essaye. Je sais où je vais. On est tous soumis, ta mère ne sont pas pareils. Tu vas prendre ta mère, tu vas dans ta bouche, tu vas lécher avant de tailler. On va dire que ne mange plus ta mère. Tu vas dire que non, c'est trop sucré. Ma mère, de si c'est sucré, tu vas lécher avant de mourir. N'essaye pas. On a fait ça à ma mère. On ne fera jamais ça à mon enfant. Vous avez compris quoi? Vous avez compris quoi? On a fait ça à ma mère. Ça ne touchera jamais mon enfant. Mon enfant n'est pas le biscuit du diable. Mon enfant n'est pas le mouton de sacrifice de quelqu'un. Tu tentes. Tes enfants seront mes 5 moutons de sacrifice. Mon enfant n'est pas le poulailler dans le poulailler. Le poussin dans le poulailler de quelqu'un. Mon enfant est le poussin dans mon poulailler. C'est chez moi qu'il est le poussin. Il n'est pas le poussin chez toi. Tu tentes, tu m'aides tout le temps. Ça m'énerve, mais prends ta mère à côté. Je suis le lion quand il s'agit de ma personne. Il n'y a pas un village qui peut dépasser où j'entre. Les gens où j'entre est trop rouge. Tu ne peux pas. Tu vas die. Donc, du camel, tu es méchant. Tu es méchant. Et je demande aux abeilles de te sévrer. Que Gondial fasse ton blog. Quand tu vas nous montrer que Flo a fait trop de mal sur les réseaux sociaux, plus que qui? Tu as humilié Lolo, une femme qui vivait avec un homme. Tu as dit qu'elle t'a montré sa poitrine. Ça n'est pas ce que Flo a fait à qui? L'autre avait fait quoi? Rien. C'est Flo qui avait allé clasher à son nom. Regardez-moi un gaillard qui dit que je suis allé clasher parce que Flo m'a envoyé. Vous me prenez pour qui?
Pourquoi on a le poids chiche dans nos cerveaux? Vous nous prenez pour des idiots? Donc c'est flou. Donc même ma soeur ne peut pas m'envoyer clasher, man. Oh, même ma soeur ne peut pas. Quand elle dit non, c'est non. Je go avec mon... C'est moi-même qui décide. Je suis le maître de ma vie, de mon destin. Il y a les clashs que je vois, j'ignore. Pourquoi je suis bête? J'ignore, c'est un clash. Je ne suis pas bête. Parce que mon esprit me demande rêve, n'y va pas. Ça te concerne à rien. Tu dis que Flo t'a envoyé clasher, tu es un bébé, tu oses dire que Flo a utilisé la petite fille comme Bunkela. Bunkela a plus de 40 ans. Bunkela a plus de 40 ans, elle n'est pas un enfant. Elle a traversé le désert. Elle a traversé le désert. On ne sait pas le mal que... Peut-être elle a même poigné quelqu'un là-bas qui sait où nous. Peut-être elle a même Kilam dans le désert, Kilam qui est avec elle. Il n'y a pas d'enfant sur l'état. Fulka, Flo. Vous êtes méchants. Elle était entourée de serpents. Et c'est ces serpents-là qui voulaient qu'elle mange sa yam sœur. Elle croyait qu'elle était entourée des humains. Non, Flo était entourée de serpents. Merci Esther. Flo était entourée de serpents. Elle croyait qu'elle avait des humains auprès d'elle. Merci l'eau vous dépasse. C'était des serpents. Et vous étiez ensemble pour avaler sa yam sœur. Flo n'a pas tué quelqu'un du Cameroun. Tu n'as pas fait moins que Flo. Coucou Priscilla, clame, merci d'être la maman. Je demande aux abeilles de te sévrer. On verra le bloc de qui paye sur les réseaux sociaux. On en a marre de votre, de vous. Des ingrats. On en a marre de votre ingratitude. Tu as dit que tu avais Gondjian. Comme Gondjian enflamme ton blog. Qu'elle enflamme ton blog. Qu'elle enflamme ton blog, on voit. Oh non, compresseur a subi. Le loi a subi pendant 3 ans. Tu étais contre elle. Parce que tu savais que les abeilles produisaient un miel pur. Les abeilles produisaient un miel pur. Tu as choisi le côté de Flore. Tout le monde était contre Lolo. Mais elle a tenu. On te malasse pendant 2 mois. Tu veux mourir. Oh, monsieur, on a supporté 3 ans. Nous sommes restés debout. Tchaka. Vous êtes clashés. Donc tu es un peureux. Tu es un poltron. On a clashé nos 2 ans et demi. 11 teams contre elle seule. 11 teams. Si mes comptes sont exacts. 11 teams contre elle seule. Tu l'as vu? Elle reste toujours rayonnante. Parce que l'intérieur est pur. Parce que l'intérieur est pur. Moi-même, 11 teams sur moi, je serais toujours comme je suis là. Parce que mon fond est pur. Mais 11 teams contre Reven Bia, je vais te montrer que je suis la fille du prophète Méric. Mais 11, tu te mets au défi. Tomber sur moi. Essayez. Le cœur est pu. Tu veux jeter fort la vendue populaire du Camer avec tout ce qu'elle a fait de ton blanc? Ce sont les abeilles qui étaient versées chez toi. Merci Priscille la classe. Ce sont les abeilles qui étaient versées sur toi, chez toi. Quand tu acculais les autres blogueurs, quand tu acculais Lolo. Et quand tu terminais le blog, tu découpes les vidéos de Flore, tu mets sur ta page, tu te fais de l'argent. Petit ingrat. Vous voulez tuer les femmes là pourquoi? Mais créer des concepts. Tu dis que le blog c'est le concept. Quel est le concept que tu as créé, ce qui a tenu? Quel concept as-tu créé, ça a tenu? Tu dis que le blog c'est le concept. Faut créer ces concepts. Il faut créer ces concepts malgré les bâtons dans les roues. C'est parce qu'elle n'est pas jusqu'au boutiste. Ça, on lui reproche ça tout le temps. Parce que moi, on me donne son concept. Vous n'allez pas me détourner. Oui. Vous n'allez pas me détourner. Vous savez à qui vous faites vos conneries là? Vous savez à qui? Moi, je suis une tête de mule. Je suis d'abord têtu comme l'âne. Avec les gens têtus comme vous, je suis têtu. Flo, c'est elle qui a enflammé ton blog du Camer. Sois au moins reconnaissant. Maintenant, tu fais l'apologie de compresseur du Camer. Tu fais l'apologie de compresseur qui a failli mettre Madame Messant sous terre pour rien. On t'a vu ici, soit dans ce côté, Monsieur Messant, soit dans tu n'as pas eu de papin. On t'a dit qu'il nous a donné quoi? Vous voulez qu'on vous donne tout le temps? Vous voulez qu'on vous donne tout le temps? Monsieur Messant a fait des petits cadeaux, you know? Demain, tu reviendras encore qu'il y aura un problème pour dire que tu soutiens Messant. Il va arriver là-bas chez lui, personnellement. Il va dire, grand frère, tu m'arrêtes le direct ici. Aucun soutien du Camer dorénavant. Je vais prendre Tatana, on va aller chez lui. On lui dit, grand frère, c'est non catégorique. On va vous apprendre à être des hommes. On va vous apprendre à être des hommes. On va vous apprendre sur Meta à
fait des choix. La vie, c'est des concessions. Ne venez pas nous tromper que non, tu as fait trop de mal à tel, j'étais avec toi demain, je ne suis plus avec toi parce que, oh, c'est terminé l'époque là. Vous allez devoir choisir. Oui. Parce que j'ai plus peur des gens que vous, que des abeilles ici qui m'insultent. J'ai plus peur des gens que les abeilles. Parce que les abeilles ne m'aimaient pas parce que je préfère encore ces gens. Marion, merci d'être là. Je les préfère encore que les gens qui font semblant. Vous allez devoir choisir. Quand tu fais tchaka, on te sèvre. On voit s'il était caché. Qui te donne les vues? Qui te donne? Qui te lève? Je te demande à cause abeille de vous sévrer. Ta sortie que tu as fait. Tu as voulu jeter fin à la verdure populaire. Tu es méchant. Tu es ingrat du canin. Si tu le faisais à l'eau, ça n'est pas me gêner. Pensez que tu ne l'aimes pas. Je sais que tu fais semblant. Je lui ai dit que ce garçon ne t'aime pas. Il fait semblant avec toi. Et tu as confirmé à Flore que tu ne l'aimais pas intérêt. Tu ne l'aimais pas intérêt. Si tu faisais ça à Flore, elle n'avait même pas fait une sortie. Mais pour moi, c'est normal. Mais Flore, c'est choquant. C'est choquant. Tu fais monter les gens à ton direct qui parlent de Flore. Ces gens t'apportent quoi dans ton blog du Cameroun? Tu dis qu'on a fait le direct pour demander pardon, pour dire ce qu'on a fait. Raja Mélanine, et laisse. Flore t'avait appelé pour aller insulter. Flore t'avait appelé pour insulter Diana Mélanine. Flore t'avait appelé. Est-ce que tu as téléphoné pour demander ton soutien face à Raja Mélanine? Non. Tu as dit que tu vas appeler Raja Mélanine pour te donner les vues. Parce que tu avais la sympathie des abeilles. Tu avais les MoneyGram, les PayPal, les Orange Money, les PayLib des abeilles. Tu avais le ciment des abeilles. Ce n'est pas Flo qui t'a appelé. Tu as décidé de la soutenir parce que les abeilles avaient du bon miel. C'est tout. Le mari ne donne plus comme avant. Hein. Ils ont vissé. Et le mari ont vissé. Ils étaient avant là, c'est qu'ils versent les étoiles. C'est mort. Parce qu'on est en face de nous, on regarde à gauche un grand, on regarde à droite un grand, on regarde devant un grand, on regarde derrière un grand, mais on ferme le robinet. Si on me fait un cadeau, on t'appelle, alors donne-moi ton papa, on te bise, on te papa, point bas. Terminé. Vous êtes des ingrats, vous êtes des méchants. Vous êtes des ingrats. Tu es méchant. Tout ton blog du Cameroun, c'est Flore qui l'a fait. Elle entend de direct pour montrer aux abeilles que je suis mon petit frère. Merci la lionne d'être là. Merci à Simone. Elle rentre dans ton direct avec Lolo, deux grosses blogueuses. Entre dans ton direct. Ce jour, j'étais choquée qu'elle les ait vues dans ton direct. Surtout Lolo. Je te le dis, je n'ai pas peur de toi. Quand tu envoyais ta vidéo à l'émission de Lolo, j'ai dit que ça ne passait pas. Je lui ai dit que c'est qu'un manque de respect. Oh, tu es devant. Ici, c'est la télé des stars. Ici, c'est la télé des stars. Parce qu'elle veut jouer avec les sentiments avec vous. Oh, dans le business, il n'y a pas de sentiment. Dans le business, il n'y a pas de sentiment. Vous ne pouvez pas voir Donald Trump en train de rigoler avec ces gens. Comment il rigole? Quand vous voyez Donald Trump là, il rigole. Mais il les aime. Ça va passer venir lancer le direct. Du camère, que tu vas croire que je t'aime. Non. Je peux être dur, mais je t'aime plus que celui qui rigole avec toi tous les jours. C'est pas ça qui prouve qu'on t'aime. Quand tu as vu ta fameuse vidéo pour la télé de loger, que ça ne passait pas. Il dit, mais c'est quoi ça? Il veut poser une question. Il marche, alors oui, tu te crois à la cour, tu te crois où là? Et le haut, barrez-moi ça. Je ne sais pas si tu étais passé, confie-moi s'il était passé. Mais moi, je savais que tu ne passais pas. Si tu es passé, c'est dommage. C'est dommage. C'est vous qui aimez salir, rabaisser les trucs. Au contraire, d'embellir l'émission, tu t'assois, tu te poses un homme, tu poses une question. Tu commences à marcher, oui, on dit que c'est le jeu. On dirait que c'est le jeu. Ça veut dire que tu n'apprécies même pas. Tu ne veux même pas soutenir la personne. Il y a des petits gestes qui ne trompent pas. On n'a pas besoin de dire. Quelqu'un qui t'aime, quand il va envoyer une question à ton émission, se pose bien. Parce qu'il veut ton émission sérieuse. Il veut ton émission sérieuse. Il y a la sagesse de la vie et l'intelligence de l'école. L'intelligence de l'école ne sera jamais la sagesse de la vie. L'intelligence de l'école ne sera jamais la sagesse de la vie. C'est deux choses opposées. Celui qui veut le bien de ton émission ne t'envoie pas une vidéo pareille. Tu la fous à la poubelle. On n'est pas à la cour
de Ngoussa ici là. On n'est pas à Niamchakal. Tu fous ça la poubelle, t'appelles, tu ne commences pas à passer parce que va revoir. Si t'appelles que ça veut dire le pote, ma vidéo n'est pas passée, tu vas revoir ta vidéo. Tu l'invites à aller revoir sa vidéo. Tu ne t'inscris pas. C'est ça que le professeur faisait. Mais monsieur, pourquoi? Il dit, va relire ton test. Quand toi-même tu relis, tu ne reviens plus vers lui. Tu relis, tu as la réponse à ta question. Point bas. Mal vêtu, mal rasé, mal positionné, qui va passer à la télé. Tu sais qu'en passant seulement cette émission, une seconde, ça t'apporte combien d'abonnés? Ça t'amène quelle renommée? Seulement le fait de passer en flashé à son émission, mon chéri, c'est un avantage pour toi. Hein, la lionne? Seulement de passer à l'émission, qu'on dit que Ducamère a posé une question, une émission qui était attendue par le monde entier. Lui, que tu passes Ducamère ici, pourquoi? Mais non, ce sont les blogueurs, et alors? Ce sont les blogueurs, et alors? Ce blogueur ne t'aime pas. Tu ne l'aimes pas, tu fais semblant de l'aimer. Et on a confirmé que tu aimais Flo par intérêt. Maintenant, c'est une histoire de Bamileke. Maintenant, c'est une histoire de Bamileke. Merci d'être là, merci Santa. Maintenant, c'est une histoire de Bamileke. Tu parles de tribalisme quand ça vous arrange. Les deux sœurs Bamileke étaient en guerre. Il n'y a que les filles comme les nos sœurs et Kangla qui ont dit non. Mais toutes là, vous étiez d'accord pour cette guerre. Maintenant, les deux Bamileke font la paix. Quand Ngoussaï avait sa belle-sœur, la droguée de Surène, on ne parle pas de tribalisme. Tu as vu Ngoussaï, sa belle-sœur là-bas, non? On a parlé de tribalisme. Pourquoi quand les Bamileke se mettent ensemble, ça dérange? Vous allez nous supporter. On n'a pas peur de vos mots là. C'était avant. C'est terminé. L'époque du maquis est finie. Le Cameroun est uni et un. Quand les deux sœurs se tuaient sur les réseaux sociaux, aucun moment vous n'avez parlé de tribalisme. Priscilla, la classe est Bamileke, non? Elle est avec Fleur de Lille, non? Elle n'est pas parentée, on se plaint. Lydie Fokene Tchao, elle a signé que je suis avec un bien, la terre est finie. On a parlé de quoi? On a dit tribalisme de Bamileke. Mais qu'on a fait là, on a dit qu'on prend un salon le 2 novembre. L'événement chic. Où les femmes seront belles, propres, clamoureuses. Quand Flore va faire son ventre, ça sera la totale. Ça sera le gâté. Pour Lolo, ça sera la mort. L'événement de l'année. Imitez le bon exemple. J'ai entendu Gossa dire qu'elle va faire un événement. Fais l'événement. Sortez du Congo, ça. Imitez le bon exemple. Voilà pourquoi je salue Flore. J'aime les femmes comme ça. Quand tu fais, on imite. Sans complexe. Il n'y a pas de honte à imiter. Ce n'est pas Flo qui a créé l'événementiel. Ce n'est pas Flo qui a créé l'événementiel. Flo a triché de quelqu'un d'autre. Si toi tu peux tricher, il n'y a pas de problème. Mais fais le bien. Comment il le fait si bien? Merci Talita Cotes d'être là. Merci Vonvon Smith. Comment il le fait si bien? Triche la bonne chose. Je ne vais pas t'asseoir pour raconter que wow, c'est pas les montées, rêve bien est descendu. Je vends les gants ce matin. Je vends le Pérou. Petit à petit, je vais évoluer. Personne ne pourra me déconcentrer. N'essaye même pas, tu perds ton temps. Ben, il a appris ça à l'école. N'essaye même pas, tu perds ton temps. Que tu vas vouloir me déconcentrer. Quand, n'essaye même pas. N'essaye pas, tu perds ton temps. Ben, quand il dit que je signe sur une chose, je signe. Je suis le cancer. Je suis Nakribi. Je suis Bamante Basamba. La fille les plus têtues de l'Ouest. Un côté Tonga. C'est la magie, c'est la tête du test terrible. Donc n'essaye pas. Imitez le bon exemple. Tu n'as jamais aimé Lolo. Je le dis et je le redis. J'avais mal de la voir te faire passer un moment aussi prestigieux que la réouverture de Tata Lolo TV avec la présence sublimissime de Fleur de Lille. Oh, Fleur de Lille assis avec Lolo. On te fait passer du camé, c'est beaucoup d'amour. Fleur de Lille assis avec Lolo, et les a vu arriver en boîte de nuit. J'étais dû venir voir. J'étais les stars de la boîte de nuit. C'est ça que vous appelez votre boîte de nuit là. Quand elles sont entrées, en affiche les 30, les 30, le grand écran, l'écran, le comment dire ça? Le grand home TV là, c'était leur photo. Partout, c'était là. Tout le monde savait que Fleur est entrée avec Lolo. Et le présent a moitié. On prend un court type de 1m50. On met au pose, qu'on va aussi t'honorer. Va chez eux, ne reviens plus.
Oh, comme tu es parti là, ne reviens plus. Vous êtes ingrat, ce n'est plus bon. Je suis prêt au clash avec toi. Hein. Je n'ai pas peur de toi. Tu sais. Je ne suis pas le Niamaya là que tu fais des espoirs. Tu sais qu'elle n'est pas peur de toi. Elle n'est pas venue chez les parties intimes. On fait le vrai clash. N'entre dans les parties intimes. Père Tanga ne pourra jamais voir ce que j'ai. Faisons le vrai clash. Vous êtes des ingrats. On va vous sévrer. On va vous montrer que comme vous dites que le tribalisme, là, c'est le côté qui gagne. Ça ne gagne pas le travail. Ça ne gagne pas la vérité. Ça ne gagne pas la compétence. Reste avec eux. Ne reviens plus. Et le merci de Frère Lolo. Quand je les ai vus sur ton mur, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qui j'avais appelé, dit que donne-moi ça. Elles vont faire quoi là? Vous allez voir. Ça n'a même pas fait 2 mois. Ça n'a même pas fait 2 mois que rêve, tu avais raison. J'ai même dit ça à Fleur de Lille. Faites attention. Vous n'avez plus besoin de ça. C'est vrai que vous les soutenir, mais ils ne sont pas reconnaissants. Parce que tu avais vu tes JVC à propos de mes sangs. Et tu avais déjà vu comment tu lançais les pics à monsieur Messan pour rien. Tu attendais quoi? Il t'avait payé le soutenir. Moi seul, Nadem Bappa, on soutient Messan contre vous. Tu n'es pas sûr. Nadem Bappa et moi seulement, on se met derrière Messan, vous ne touchez pas. Nous deux seulement, vous ne touchez pas. Si on décide, Nadem Bappa et moi, qu'on se met le mur de Berlin, vous ne touchez pas Messan. Il t'avait appelé. Tu as commencé à lancer les pics à mes sangs. J'ai vu Flo et le rocher pour elle, que ça ne va pas durer. Vous allez voir. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison. Donc, si tu n'es pas passé la tête à ta le jour là, sache que c'est moi. Rêve bien avec que tu ne passes pas. Si tu n'es pas passé le jour là, c'est que c'est moi. Si tu es passé, c'est qu'elle ne m'a pas écouté. Chut. Tu as beaucoup de chance. Si le jour là, tu n'es pas passé, sache que c'était moi. J'avais calé ça. Ben, tu étais irrespectueux. Tu n'étais pas présentable. C'était moche. C'est quand même 2 grandes stars. C'était 2 grandes stars. C'était la revêture d'une télé. Même si c'est une télé, et ce pas les adjectifs que vous donnez, c'était la revêture d'une télé. Et cette émission était attendue. Merci Esther. Pas des gens et des gens. Tu vas venir pointer ton nez dans cet état d'insalubrité. Tu n'étais pas coiffé. Tu étais mal vêtu. Tu étais débraillé. Donc, si tu étais passé, je ne me rappelle pas. Si tu es passé, si tu n'es pas passé, c'était moi. Je te le dis en vrai. J'avais refusé. Dès que j'ai vu ton image, c'est quoi ça? Tu te prends pour qui? Donc, laisse ton affaire de fibre tribale. Que non, c'est le tribalisme. Quand Flo est en guerre avec Lolo, vous n'avez pas parlé de tribalisme. Il dit qu'il a supporté. Donc, mais ça va t'acheter les papins. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous parlez de tribalisme. On aura peur du mot là. On va vous pousser à parler du tribalisme plus que ça. Parce que les vrais Ekam, les vrais Boulou, les vrais Camerounais qui ne sont pas bamiléqués, savent que vous mentez. Savent que vous êtes dans la manipulation. Celles qui me regardent maintenant ne sont pas des bamiléqués. Elles savent que vous êtes dans la manipulation. On a vu une casse ici, là. Appelez Mafo à gauche, Mafo à droite. C'est elle qui est partie maintenant derrière Ngondjal parce que Mafo a fait la paix avec sa soeur. Qui est tribaliste? Tous ceux qui étaient avec Flor, 80% ont quitté Flor pour aller là-bas parce que tribaliste. Ngondjal n'avait plus de team. Parce qu'elle a fait la paix avec une Bamiléké. Dès qu'elle s'est séparée de la Bamiléké, toute la team est revenue, même s'ils ne donnent pas de l'argent. Qui est tribaliste? Quel est le boulot ou le camp qui m'a laissé parce qu'on a fait la paix avec Flore? Personne. Mercedes Mbala est là. Les Lomayas sont là. Personne n'a bougé. Qui est tribaliste? Vous n'allez pas manipuler les gens. Dégagez, allez travailler. Mouf. Créez des concepts. Vous êtes nuls. Vous n'allez pas retirer Flo dans le clash. Flo ne sort pas. Concentre-toi de nouveau. Nous sommes en août. Août, septembre, octobre. Tu n'as que 2-3 mois pour travailler. Adrien est là. Coucou Adrien, merci d'être là. Tu n'as que 3 mois pour travailler. Ne te mets pas la caméra pour répondre à Ducamé. Il n'en vaut pas la peine.
tu n'en vaux pas la peine. Tu pouvais dire à Tiama Fok que tu peux tout faire. Mais n'insulte pas la mère de Flo. Tu oses dire qu'on a insulté la mère de Bumkena. Tu sais ce que la mère de Bumkena dit de ma mère? Tu sais ce que la mère de Bumkena dit de mon nom? Elle allait filmer, elle voulait filmer ma tante dans son intimité. Elle voulait filmer la mère de Bumkena dans toutes ses positions. Mais je ne l'ai jamais fait. Elle habitait chez nous. Pendant à peu près 6 mois, je savais où elle était. Mais comme si maman, j'ai respecté. Coucou Raï Kapo, je n'ai jamais parlé. Coucou Dani, je savais bon que là, sa mère était depuis le premier jour. Je ne vous ai jamais dit ça. Tu devais dire à Tiama Fok ainsi pour la mère de Flo. Flo, si tu m'écoutes, même maman Anne assise, tu nous lances le direct. On écoute comment la lave, nous on verse les étoiles. Fais ça 1, 2, 3 fois. Tu me diras s'ils auront encore le cœur de le faire. Fais ça. Ta mère est en santé. Il y a les femmes de son âge qui sont alitées, ne bougent même plus. Il y a les femmes de son âge qui n'arrivent même plus à parler. Ta mère est en santé. Parce que le diabète, même les enfants ont le diabète. Personne n'est pas né de la maladie. Vous savez qu'on prie, on prie tous les jours que Seigneur, nous sommes faibles. Ta mère vit ses enfants. Elle a vu l'Europe. Elle a vu ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'on peut bien dire de ta mère encore? Mais tu mets le direct, tu la poses à côté, on écoute comment Tiama Fok la lave. Comme j'ai fait avec Louise Annie, ça me fait quoi? Tiama Fok, en passant, si tu ne laves plus Louise Annie, prends son frère. Lave son frère correctement, bien. Il y a quoi? Lave son frère, ne t'arrête pas. Hein? Lave son fils, appelle Ivaël. Lave-le, amène son nom où tu veux. Je verrai si sa tête va bouger. Vous avez peur de ça, pourquoi? La mère de Flo est une maman qui a fait son temps. Elle a fait ses enfants. Elle a assise chez sa fille en Europe. Je ne peux pas être jalouse de ça. Parce que Dieu a pris ma mère. Si ma mère vivait, elle devait être ici. J'ai le chaos, le poussa. Et le super, dès que j'entrais, 3 mois après l'entrée, l'Allemagne donne le chaos aux mamans. Dès que tu montres le bulletin de paye, ta mère a le chaos. C'est le seul pays qui donne le chaos aux mamans facilement. C'est l'Allemagne. Toutes les femmes qui ont en Allemagne la possibilité de faire venir leur mère, que tu travailles ou pas, on donne le visa à ta mère. Chez nous, ce n'est pas un luxe de faire venir sa mère en Allemagne. Ce n'est pas un luxe. Si tu as 4 000 euros dans ton compte, à l'époque, c'était 3 000 euros. Tu déposes le mifetra, tu reposes tes fesses chez Ongen. Tu déposes, ta mère entre. Elle entre en Allemagne. Ce n'est pas que ça, elle entre. Depuis venir ici en Allemagne, 3 mois après, elle appelle. Que madame, fait un bagage, elle entrait. Donc la mère de Flo a fait ce qu'elle avait fait. Elle a combattu le bon combat. Et elle est encore en train de combattre le bon combat. Elle est encore en train de combattre le bon combat. Donc ce que Tiama Fok raconte là, n'engage qu'elle. Tu devais t'offusquer seulement pour ça. Mais tu n'as pas fait du camé. Tu oses dire qu'on a aussi insulté les autres mamans. Et alors? Les autres mamans ne sont pas les mamans de tes amis. Flo était ton ami. C'est ta personne. Si on insulte ma mère, Dieu, je ne suis pas ton ami. On insulte ma mère, n'a aucune compassion. Mais elle a compassion qu'on insulte la mère de Flo qui est ton ami. D'accord? On insulte ma maman, ajoute même ta part. Parce que je ne suis pas ton ami. Mais si on insulte la mère de Flo, elle au moins c'est un peu de compassion. Vous allez dire quoi de cette mère? Vous allez dire quoi? Que j'insulte la mère de Flo, je suis trop forte. Je suis la mère de Flo, je suis trop forte avec quoi? Tu es nul. Tu es nul. D'accord? Donc c'est en passant. Donc les abeilles, vous abeilles, vous avez dit à le sévrer. Sévrez-le. Tu étais déchu parce qu'on t'a voté. On t'a voté ou alors tu étais nominé. Donc à tout moment, on peut te bâcler. Ils t'ont bâclé. Tu n'es plus président des blogueurs. Sois président de la TK Chine. Tu travailles au service de compresseur. Comme la droguée de Suren est au service de compresseur. Ouais. Mais nous, là, on ne sera jamais à son service. Écoute-moi très bien. Nous, là, jamais. Il ne ferait jamais l'apologie de Maléba. C'est Maléba qui fera l'apologie de Rêve Biaï. Jamais il ne ferait l'apologie de Maléba. C'est elle qui fera ou rien.
Donc, va te mettre au service de compresseur, comme la veuve droguée s'est mise à son service. Plus jamais avec les abeilles. Bon, on va tomber maintenant sur le direct de Ngondial, qui a fait une sortie aujourd'hui. On va analyser son direct. Parce qu'elle a aussi parlé du tribalisme. Parce que moi, le show maintenant, c'est le tribalisme. Oh, le tribalisme. Oh, les Bamilékés ont fait que... Oh, les Bamilékés ont dit que les Bamilékés sont montés. Moins de choses, c'est le tribalisme. Quand ça vous dépasse. C'est quand ça vous arrange. On va l'écouter, les filles. Et vous pouvez monter comme quand vous voulez. Vous pouvez monter. Coucou, Aïcha. Coucou, Hibiscus. Coucou, Jenny Dignon. Elle nous montre les cadeaux. Imaginez, c'est autrement les cadeaux qu'on reçoit. On ne va pas arriver. Hein. N'allez pas travailler, vous attendez les cadeaux. Coucou, Coulignon. On va écouter. Ensemble. Elle dit que la cité cassée, ils vont faire une soirée l'année prochaine. Voilà. Elles feront l'année prochaine une soirée. Elles feront une soirée. Pour ça, ne vous dérangez pas. Ce n'est pas mauvais d'imiter le bon exemple. Elle a décidé de faire comme Flore. Se lancer dans l'événement. C'est lui qui l'avait nommé. Présent des blogueurs, ça n'empêche pas qu'elle le retire. Merci, je lui dis, il faut qu'elle... Salut, Jolie Paul. Ouais, le haut-parleur, c'est francophone. Donc, elle va faire comme Flore, dorénavant, l'année prochaine, elle vous annonce qu'elle fera une soirée caritative. D'accord? Voilà. Elle fera une soirée caritative comme... Ouais, Seigneur, quand c'est bon, dites que c'est bon. Hein. Maintenant, ils vont faire une soirée. Vous insultez, mais vous imitez. Vous insultez, mais vous imitez. Vous insultez, mais vous imitez. La jalousie des femmes. Abonnez-vous pour que j'atteigne le nombre pour pouvoir aussi même monétiser cette page. Quand je sais que quand j'ai une page qui est monétisée. Vous avez vu, non? Elle se plaint que leurs pages sont signalées. La page de Ngosa n'est pas signalée. Elle a réservé cette page au show. Elle a mis cette page au show. Pour vous faire, pour que vous abonniez à sa nouvelle page, afin qu'elle puisse avoir le nombre d'abonnés pour la monétiser. C'est ce qu'elle vous dit. Donc sa page n'a aucun problème. Elle veut le nombre d'abonnés pour la monétiser. Vous avez tous compris. C'est eux qui signalent nos pages, pas nous. Ma page est restreinte, mais je suis faible. Parce que vous dites que nous ne sommes pas des blogueurs, on ne s'abonne pas. Vous qui êtes là depuis plus d'une décennie, vous n'avez pas fait 10 000 abonnés depuis. Vous ne montez pas à 4 000. C'est pour vous dire que ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Écoutez. Vous n'embêtez pas avec les commandes de moi. Je n'ai pas fait déjà saboter sa blouse à soirée. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Quand ma page est monétisée, j'ai quand même mon salaire à la fin du mois. Là, toutes mes pages sont au rouge. Toutes mes pages. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez partager. Ok, Jenny Dignon. J'ai les nouvelles pages là. Vous pouvez y aller à Perpétue Maliba. Coucou, maman Linda. Coucou. Perpétue Maliba officiel. Coucou, Marion. Coucou, André. Vous vous abonnez. Les enfants de maman Perpé aussi, eux au rouge. Donc, abonnez-vous que j'atteigne le nombre, s'il vous plaît. L'autre page a disparu comme ça. On a envie de faire des démarches, mais je n'ai plus trop espoir. Vous voyez la manipulation. Vous avez entendu Flore venir vous mentir à Mondo Vision ou Lolo que sa page a disparu. Elle dit qu'elle n'a plus espoir. Abonnez-vous parce que vous n'avez pas de concept. Où est ton concept, mon handicap, ton combat?
Mon handicap, mon combat est où? Mon handicap, mon combat est où comme concept? Maintenant, ce n'est plus handicap, mon combat. C'est maintenant, soyez caritative. Coucou, maman Malise. Malise, c'est une chose, c'est elle. Ce n'est plus caritatif. Ce n'est plus mon handicap. Maintenant, c'est caritatif. On a compris, madame. Comme Sarah le dit, depuis le début, que tu voulais les abonner. Tu voulais les abonner. Les gens, vous ne captivez pas les gens. Parce que les gens sont fatigués de la même chose. Des mêmes versets bibliques, des mêmes refrains de cantiques, les mêmes choses. Les gens sont fatigués. Créez du nouveau. Flo a créé du nouveau. Événement. L'année dernière, cette année encore. Créer du nouveau. Les gens, vous savez comment vous ne pouvez même plus faire le direct. Elle a dit que boum, qu'elle est montée, je ne parle pas d'elle. Parce que j'ai appris qu'il y a l'autre qui a rencontré Boumkina. Si je rencontre une femme comme Boumkina, je te mets le piment au visage. Je ne discute pas avec toi. Crée du truc. Bon, là, on continue. Tendu notre soeur l'autre jour. C'était hier. J'ai écouté ça chez Cameroun Afrique, Jacob là-bas. Ça m'a fendu le cœur. J'ai eu très mal. Je l'ai contacté hier. J'ai eu très très mal d'entendre. Franchement, est-ce que nous sommes. C'est vrai que moi je suis, j'ai dit toujours moi je suis moi. Hein. Mais est-ce que nous, quand vous. On me ça ne donne pas l'argent. Est-ce que vous, êtes, vous avez un cœur Une femme qui a des enfants, qui a un mari invalide, qui est jeune, qui se bat, vous escroquez son argent. Et vous partez encore jusqu'à signaler ses pages. Vous la mettez encore mal à l'aise. La page n'est pas supprimée, Natacha. Est-ce que vous avez un cœur? Merci, Lydie. Merci d'être là. Est-ce que vous avez pensé à ses enfants? Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, on va décrypter. Est-ce que vous avez pensé un seul instant à ses enfants? Vous, alors qui avez les cœurs sur la main, là. Mais vous n'avez pas pensé à ça. Vous harcelez cette fille tous les jours parce qu'elle vous réclame quelque chose qui est pour elle, qui l'appartient. Hein? Vous l'intimidez. Achetez la perruque. Vous êtes content, vous êtes fier de voir qu'elle pleure. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait comme ça? Étant déjà grandi, on peut aimer la publicité de la personne. Vous savez comme je viens maintenant là? Comme je suis venu maintenant là? Vous avez vu encore mon genre sans. Vous savez, laver les écouteurs aux oreilles où j'ai mis ça à l'envers. J'ai mis. Bon, elle avait les écouteurs. Il y a quelqu'un qui lui parlait. Bloque-t-elle. J'ai mis la fibre, c'est fâcheron. Donc, elle demande que, est-ce que nous avons un cœur? Nous, soi-disant, à qui avons escroqué Clarisse? Elle demande si on a un cœur, parce que nous avons escroqué Clarisse. Maléba perpétue. Si tu aimes Clarisse, poste ses produits sur ta page. C'est le aide-moi de tes séquelles. Oh, Coulignon est là. Merci, ma soeur, d'être là. Merci, Coulignon, Yona. C'est le aide-moi de tes séquelles qui a tué Clarisse. Et maintenant, on m'éveille. Si tu aimes Clarisse, m'allez pas perpétue. Poste ses gelules sur ta page. Vends ses gelules. Si tu as pitié d'elle, hein, avec un mari handicapé, vends ses gelules sans commission. Le aide-moi détesté a tué Clarisse. Tu as compris? Si tu aimes vraiment Clarisse, commence par vendre ses gelules. Parce que celui qui m'aime, m'aide avec mon business. Celui qui m'aime, ne m'aide pas avec le blablabla. Je veux des gens factuels. Si tu aimes Clarisse, aide-la avec ses gelules. Vends ses gelules sans commission. Fais la publicité de ces genoux sur ta page. Si tu as le cœur sur la main, comme tu le dis, personne.
personne a escroqué Clarisse. Tu as compris? Tu as compris? C'est tout. C'est tout, j'ai dit, non, c'est tout au trait. Hein? Dans ce jour. Clarisse Enyimba, qui est en train de pleurer sur la toile. Qui est en train de pleurer. Personne ne fait rien. Oui, personne. Personne ne dit rien. Parle. Je n'ai vu personne faire un live. J'ai vu ici, on dit que vous êtes les number uno, tout le monde est les number uno. Vous êtes les plus grands influenceurs et les influenceuses sur la toile. Et il y a notre frère qui est décédé là-bas, dernièrement, au truc là. Il y a le Somonza, là, on va m'en bloquer. Elle est suivie, elle est au téléphone et on dit bloc. Il y a telle personne qui a écrit la bloc. Elle a les oreillettes. Nelly Panza. Elle parle, elle est au téléphone. La caméra s'adresse à qui? Tu dois voir qui? Toi, tu t'es alors quoi? Parle du commun. Parle des gelules! Maléva, parle des gelules! Claudia, non. Parle des gelules, ma soeur. Vends les gelules de Clarisse. Coucou, Kala. Donc, moi, j'ai dit la dernière fois à Clarisse. Salut, Mistouille. J'ai dit à Clarisse Enyimba. Salut Loris. Parfum Angèle, salut. Nelingono. Devant les plus hautes autorités. Qu'elle aille s'asseoir là-bas. Mm-hmm. Qu'elle prenne ses enfants et son mari. Eh? Qu'elle aille là-bas. On va nous dire si elle n'est pas camerounaise. Mm-hmm. Contacte-moi une box, non, ma soeur Noël, s'il te plaît. Qu'elle prenne son mari et ses enfants. Qu'elle appelle les chaînes de télé. Elle part avec son mari et ses enfants, elle pleure. On va voir s'il n'y a pas de justice au Cameroun. Ok. On va voir s'il n'y a pas une justice au Cameroun. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Qu'elle porte son mari. Ah, d'accord, la caméra. Alvin, salut. Et ses enfants. Ok. Elle part là-bas. Elle s'assoit par terre avec ses enfants. Elle demande si venir travailler avec des influenceuses, c'est un péché. Au point où on a mangé son argent, quand elle veut réclamer son argent, écris-moi une box, s'il te plaît. Parce qu'il y a des teams, on signe à ses pages, on l'appelle, on l'insulte, on lui traite de tous les noms. Elle a dit qu'elle remettait l'affaire entre les mains de la justice. Et comme les gens ont leur gars là-bas, qui sont avec les gens de la présidence. Regardez-moi les shots ici. J'ai entendu une fois, je ne peux plus parler d'elle parce que je ne vais pas. Bref, regardez-moi les shots ici. Regardez-moi une petite jalouse frustrée. Une petite, comme tu dis vraiment ma soeur, Loria, la bêtise insiste. Regardez-moi une petite idiote. On dit que les autorités camerounaises écoutent vos conneries. On dit qu'on porte plein de gens sans preuve. Quand tu vas au ministère de la Défense, je suis allé là-bas. Tu trouves plein d'hommes en tenue assis là-bas avec le brancard même, les béquilles, les chaises roulantes. Ils sont pleins là-bas au ministère de la Défense. Elle ne sera pas la seule. Tu as compris? Comme tu as souhaité l'eau, elle est en prison. Et j'entends les gens dire qu'on s'acharne sur toi. Je reprends la guerre avec toi. Oui, on va chopper les dos aussi avec ta guerre. Oh, mais c'est la défense, je suis allé là-bas une fois ou deux. Ils sont pleins là-bas, on les chassait même. Quand on porte plainte, ça avait les preuves. Clarisse est une menteuse. Clarisse est une menteuse. Et quand je vais commencer à prier, je mets Clarisse dans ma prière. Et peur de l'ennemi. Prenez des dispositions quand vous avez en face de vous un ennemi à qui vous n'avez rien fait. Tu lèves tes mains devant Dieu, tu dis que c'est bien, mais même s'ils sont propres.
Soit c'est ma main, soit c'est ta main. Prenez des dispositions quand vous avez affaire en face de vous, aux aigris, aux jaloux. Clarisse est une dangereuse. Je parle à mon nom, pas au nom de Lolo. Clarisse, tu es une dangereuse. Arrêtez d'appeler le nom de Dieu tous les jours. Ayez peur de Dieu. Ayez peur de votre créateur. Tu m'as accusé d'avoir volé tes gélules. Pourtant, je n'ai jamais volé tes gélules. Dans ton propre intérieur, tu sais. Dans ton fort intérieur, tu sais que Rose Rêve n'a pas volé tes gélules. Ni moi, ni l'eau, ni personne. Ni mon petit frère. Tu le sais très bien. Tu es une dangereuse. Tu as perdu ton combat parce que tu as menti. Ce n'est pas avec la compassion. Ce n'est pas en appelant la compassion des gens que tu vendras tes gélules. Ma chérie, active tes techniques commerciales pour vendre tes gélules. Ce n'est pas dans le clash que tu vendras tes gélules. Ce n'est pas dans le mensonge que tu vendras tes gélules. Oh, ma grâce, la Rosita Inongoy là. Ce n'est pas dans le mensonge que tu vendras tes gélules. Tu as dit ici à Mondo Vision que je t'ai demandé de payer la pension d'un de mes enfants au Cameroun. Pourtant, tu mentais. Je t'ai envoyé ton agent des gélules. Je t'ai dit, Clarisse, je n'ai pas envie de faire deux envois. Parce que deux envois me font deux frais d'envoi. Je vais t'envoyer l'argent là une fois avec la partie de répétition de mon cousin. Parce que je paye ses répétitions. Tu vas donner cet argent pour les répétitions de mon cousin. Tu as dit oui. Tu es venu dire à Mondo Vision que Rêve Biaï allait qu'elle paye la pension de son enfant. Je n'ai aucun enfant au Cameroun. À l'époque, mon enfant ne fréquentait pas au Cameroun. Peut-être l'année prochaine, mon enfant risque d'être au Cameroun pour l'école. Une prestigieuse école. Je tiens à le signaler. Une prestigieuse école. Parce qu'il y a école, école au Cameroun. Et ça, je l'assume. Je l'assume. Il risque d'être au Cameroun dans une prestigieuse école. Je veux me battre pour ça. Je n'ai pas peur de le dire, j'assume ça. Il s'agit de mon enfant et de son avenir. Donc, tu m'as dit que Rêve Mbiaï a dit que je paye l'école de son enfant au Cameroun. Pourtant, c'était faux. Pourtant, je vais avoir l'argent de tes gélules et plus l'argent des 3 mois de répétition de mon neveu. Tu viens à mon dos, ils ont pleuré en mentant sur Lolo. Lolo ne te doit rien. Et tu le sais. Tu as dit au monde entier ici que tu n'as pas touché l'argent qu'elle t'a envoyé. Pourtant, tu avais touché cet argent. On avait des preuves. On avait des preuves que tu as touché cet argent. Mais tu as dit au monde entier qu'elle n'a pas touché l'argent. Que tu n'as pas touché l'argent. Ben, tu as vu Lolo au Cameroun. C'est son pays, il est libre d'y aller. Vous ne pouvez pas empêcher Lolo d'aller au Cameroun. Vous n'avez pas l'empêcher de s'exprimer. De se divertir, de vivre. Oh, partout est bon, que ça te salue. Parce que soi-disant, elle te doit. Tu es menteuse, Clarisse. Je te le dis, droit dans les yeux, que tu es une petite manipulatrice. Tu es une menteuse. Tu fais peur. C'est pour ça que Deronava te mène à ma prière. Parce qu'on vous connaît. Tu as dit que tu n'as pas touché l'argent de Monogram. Pourtant, tu as déchargé l'argent. 3 signatures. Une fois, 2 fois, 3 fois. On a compté, on a mis entre tes mains. Tu as mis dans ta poche. Coucou le général de Lolo. Coucou Esther. Coucou Emma. Mais tu as lancé le direct pour dire aux gens que tu n'as pas touché l'argent. Quand Compressor t'appelle, Clarisse, demande-lui que Compressor fait la pub de mes gélules. Ce n'est pas en parlant de l'eau matin, midi, soir. On n'écoute pas Gondjal. Gondjal, c'est une malheureuse. C'est une idiote qui refuse de travailler, qui refuse de s'intégrer. On n'écoute pas Gondjal. Sa voix ne porte pas. Est-ce que tu as compris? Parce que les Camerounais ne sont pas dupes. Merci beaucoup, Mindy. Merci, Djal. Merci, Vassia. Thank you. Les Camerounais ne sont pas dupes. Mes pages sont signalées, mon général. J'ai eu du mal à m'enregistrer, à me mettre en live. Parce que toutes nos pages sont signalées. Vous n'êtes pas les seuls. Et c'est la type de compresseur qui nous signale. Il y a une dame qui faisait partie de leur groupe, qui est sortie de groupe, qui m'a envoyé les captures d'écran. Vous nous signalez. C'est la type de Gondjal qui nous signale. Et nous, on fait pareil. Personne ne calcule tes pages, Clarisse. On signale tes pages que tu as quoi sur tes pages. Tes jolies, même les filles, elles ne vendent pas. Une
dame s'est plaint ici que Aurore Angoulême, au lieu de lui envoyer tes gélules, envoie d'autres gélules. Elle fait le commerce dans le commerce. Et tu le sais, Clarisse Yenga. Tu sais que Aurore Angoulême fait le commerce dans le commerce. On s'est plaint chez toi. Tu as dit à la dame que oui, vous n'êtes pas la première personne qui me fait cette remarque. Je vais alors faire comment? Tu as peur d'en parler. Tu as peur d'en parler. Dans le commerce que Angoulême vend, elle vend d'autres gélules. Quand on commande tes gélules, elle envoie d'autres gélules. Elle vend les gélules dans les gélules. Et tu le sais. Tu as avoué la capture d'écran. Où tu avoues qu'elle n'est pas la première victime. Mais que tu as trop de problèmes sur les réseaux sociaux. Tu ne peux plus en parler. Quand vous avez affaire aux gens honnêtes comme vous, comme nous, restez avec les gens honnêtes. Je ne me vante pas. Je ne vante pas les enfants de ma mère. Nous sommes honnêtes. Si tu me donnes tes 1 euro, je te remets tes 1 euro. Tu donnes le paquet à mon frère. Que voilà mon paquet que je laisse ici au Cameroun. Fait 10 ans. Tu vas venir trouver ta chose. Personne ne va toucher. Tu laisses 500 francs à mon frère. Fait 10 ans. Il va te remettre tes 500 francs. Je ne me vante pas. C'est comme ça chez nous. Donc Clarisse, quand Gossa t'appelle, demande-lui faveur de faire la publicité de tes gélules. Sinon, c'est voir l'échec. C'est cultiver sans récolter. Tu cultives dans le Congo ça, mais tu ne récoltes rien. Qu'un Gondia t'aide en demandant à sa TK chienne de faire la pub de tes gélules, comme les Olomariens le faisaient à l'époque. Tu es méchante. Mais tu as vu le Lot Cameroun. Donc tu vas empêcher dans le Cameroun, tu t'appelles Clarisse Yenga, tu es malade. Tu es folle. Donc tu t'appelles Clarisse, tu vas empêcher dans le Cameroun. Are you crazy? Tu es malade, peut-être que tu ne dois rien. Moi j'arrive au Cameroun, tu dois même rendez-vous. On se rencontre, tu me dis où je te dois de l'argent. Si j'arrive au Cameroun, je vais t'appeler, que tu es à quel niveau, viens me voir sur Yaoundé. Je vais te dire, tac, montre-moi à quel niveau je te dois. Tu es entré dans le Congo, ça tu pouvais te faire, tu pouvais arranger ce problème avec Lolo. Cette incompréhension, parce qu'il n'y avait pas de dette. Elle aurait conduit. Tu m'avais dit que vous allez vendre les produits de cheveux. Quand tu allais tester les produits de cheveux, tu devais vendre. Tu avais d'autres articles à proposer. Tu as tout perdu. Le mauvais cœur. Quand vous vendez, faites des économies. Vous avez vendu. Ce n'est pas le bébé. Vous avez vendu sur les réseaux sociaux. Quand vous vendez, faites des économies. Ne venez pas accuser les gens. Oh, faisons un gros bisou à la team PDG qui est là. Merci, merci Flo, merci d'être là. Mettez les cœurs pour Mafo Flo de Lille. On a fini avec ton dossier, Mafo. J'ai dit que les abbés et les Romains doivent sévrer du Cameroun. Et qu'on ne veut plus te voir là-bas. On a dit qu'il te reste 3 mois. Tu as du boulot à faire. Tu as du boulot, tu as 3 mois de publicité. 3 mois d'organisation. Donc tu as tellement de choses à faire. Concentre-toi dans ton événement. Mon salon ne souffre de rien. Ne regarde plus derrière toi. Laisse ces gens-là. Ce n'est plus à ton niveau. Dans ton côté, déjà, il te reste seulement 3 mois. On va sévrer du Cameroun. C'est mort. C'est fini. Parce que son dernier live, là, je n'ai pas aimé. Donc, Mafo, on a fini pour toi. Donc, Clarisse, tu es méchante. Tu as vendu ma soeur. Même Flore de Lille a acheté tes gélules pour faire plaisir. Parce qu'on néglige la star, mais il y a des gens. Quand les gens sont stars, il faut avouer qu'ils sont stars. Quand les gens ont la poigne, ont la percée, il faut avouer qu'ils ont la percée. La popularité. Elle a fait la pub de tes gélules. Tous ces blogueuses-là ont fait la pub de tes élus pour soutenir le loup. Toi, tu viens mentir qu'elle te doit de l'argent. Et juste la compresseur, Gondial t'appelle que va te verser au ministère. Va te verser au ministère, tu écartes tes pieds là-bas. Rien ne va arriver à lui. Va te verser au ministère, tu écartes les pieds, roule-toi au sol. Tu fais la vidéo, tu envoies ce film, on va poster. Il n'y aura rien parce qu'elle ne te doit rien. Vends tes gélules. Parle de tes gélules. Sors dans le Congo, ça. Parle de tes gélules.
Fais la pub. Entre dans les immeubles des gens, tu ne supplies pas de tes gélules. Maintenant, tu veux insulter. Tu peux appeler qu'on peut. Et dit que Flo a acheté tes gélules. Pour avoir là, voilà qui écrit. Pour encourager. Elles vous font du bien. Vous leur remettez du mal. Elle entraîne le direct de Ducamer. Pour eux, c'est son direct. Le merci de Ducamer, c'est d'aller où elle insulte sa mère. C'est terminé. Vous allez devoir choisir. Soit vous restez avec Gondjan, elle vous donne la visibilité. Soit vous restez avec Flore, elle vous donne la visibilité. Choisissez. Il n'y a pas de personne hybride que non, je suis ici, je suis là-bas. Et même pas. Non, il n'y a pas de ça. Vous êtes des manipulateurs. Flore n'a pas besoin de toi dans son blog. Mais toi, tu as besoin de Flore pour ton blog. Je l'ai dit. Donc, Clarisse, tu es en train de frapper un coup, il faut repousser à la mauvaise porte. Locotte, va écarter ton nierre là-bas au ministère. Il n'y aura rien. Parce que l'on ne te doit rien. Moi-même, je ne te dois rien. Va même contacter Flore de Lille. Tu dis que ma soeur, pardon. Est-ce que tu peux... Oh, Flore Kunga, merci d'être là, ma soeur chérie. Oh, Flore Kunga, je te remercie. Merci d'être là. Contacte même Flore de Lille. Tu dis, s'il te plaît, Flore, est-ce que tu peux jouer la médiation entre Lolo et toi et moi? Il y a eu malentendu. Hein, je suis un zombie. Il y a eu malentendu. Merci, Marion. Flo, joue la médiation entre Lolo et moi, s'il te plaît. Il y a eu malentendu. Gondia ne vend pas tes yeux. Tu viens t'ouvrir ta bouche, tu parles fort. Tu crois que c'est en pleurant, ça va faire quoi? Tu connais combien de Camerounais pleurent par jour? L'escroquerie qu'ils ont subie. Toi, tu n'as subi aucune escroquerie. Tu veux t'asseoir, tu pleures pour attirer la sympathie des gens. La sympathie sur quoi? Tu as mis l'un des gélules que tu as vendu où? Tu as fait quoi de l'un des gélules que vous avez vendu? Hein? La grâce de Sylvie Tenia, c'était 6 paquets. Elle n'a pas consommé, juste pour faire plaisir à Lolo. Tu as mis l'argent où? Les gens ont acheté des gélules comme ça pour faire plaisir. Tu as mis l'argent où? Tu viens pleurer sur mes temps, tu l'accuses d'avoir volé 10 millions. Tu es sérieuse? Rêve, j'ai acheté, Yael a acheté elle-même les gélules, 500 grammes. Elle a, vous voyez, elle n'a pas envie de lire la suite. Parce qu'on m'a dit que je sabote ton commerce. Personne ne signale tes pages. Tu es une menteuse, Clarisse. Personne ne signale tes pages, Clarisse. Tu es une menteuse. Même les pages de Flore de Lis sont signalées. Les pages de l'eau sont signalées, elle n'est même plus monétisée. Mes pages sont signalées. J'ai eu du mal à me connecter. J'ai plus ou moins 30 minutes pour me connecter. Moi aussi, je fais pareil. Elle me signale, je les signale. Je ne signale pas de compression propre. Mais on gâte tout. Mais on gâte tout. Vous êtes méchants. Ce n'est plus une marche. Maintenant, c'est les événements. Maintenant, c'est le tribalisme. Écoutez. Vous signez le dossier. On me fait dormir le dossier. On va faire en sorte que les médias vont parler de cette histoire de Clarisse Yingasi. Nous, on va aller voir les médias pour qu'on parle de l'histoire de Clarisse Yingasi. Oh, Dieu merci. Oh, je te remercie. Voilà, Nadège, elle a craché 4 gélules. Elle a encore les 4 gélules. Allez parler de ça aux médias. Allez augmenter la popularité de Lolo. Contactez Canal 2, Equinox, STV. Contactez la chaîne de Flore de Lille. Contactez tout le monde. Allez parler de ça à tous les médias camerounais. S'il vous plaît. Hein? Quelle bonne idée. Gondia, tu parles souvent bien. Hein? Non, là, je te donne le... Non, tu as bien fait. Bonne tourine. Gondia, tu as très bien fait. Contacter les médias. Tu n'as même pas honte. La jalousie peut te tuer. Crée des concepts. Maintenant, je fais l'événement comme Flore de Lille. Maintenant, c'est la soirée caritative que tu veux faire. Les TKC, on va faire la soirée caritative. Maintenant, c'est ça. Contactez les médias, vous en supplie. Elle va passer s'exprimer. Elle n'a tué personne. Elle n'a volé personne. Va voir Equinox, STV, Canal 2 International, toutes les chaînes que tu veux. Il n'y a pas de problème. Va aimer la présidence. Tu es à la présidence, non? On va te demander les preuves. Parce que le Cameroun est un pays de droit. Je vous ai dit que les procureurs ne sont pas là à l'école pour vous. Pour vos gens sans et pour vos filtres. Les procureurs ne sont pas là à l'école pour vous.
Ils n'ont pas terni leur image parce que Compresson s'est assise dans un vieux canapé caché du colo acheté. Elle a commencé à bavarder. Ils vont te demander d'abord. Tu sais, sur un vieux canapé caché du colo, quand on a payé la police, on va contacter les médias. Mouf, dégage. Maléba, va te faire foutre. Contacte tous les médias du monde. Tous les médias du monde. On te demande de fabriquer, fabrique dorénavant les Ducamères. Tu es avec eux. Florence s'est débarrassée d'eux. Lily de la Tour, merci d'être maman Lily de la Tour. Elle s'est lavée. Elle a, t'as dit qu'elle était entourée de serpents que vous êtes. C'était la tête de liste. Dieu l'a enlevée dans votre cercle. Elle n'est plus avec vous. Vous n'étiez pas des gens sincères. Donc, on attend à partir de demain les médias que tu as contactés. Si tu parles, ça peut te clasher très mal. Parle des médias que tu as contactés dès demain. Envoie-nous la liste. Quand tu contactes, on va nous demander de contacter. Commence à vendre les jolies de Clarisse. Aide-moi à détester dans zéro. Parce que justice doit être faite pour Clarisse et Linda et ses enfants. Je vais faire le aide-moi à détester avec Flo parce qu'il veut profiter de rien. Du camer. Mieux je fais le aide-moi à détester avec Flore de Lille. Parce que derrière ça, je profite. On fait le aide-moi à détester dans zéro. Gondia peut te donner quoi? Gondia peut t'amener où? Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle met les oreillettes pour qu'on lui dise que bloque tel est bloque. Elle écoute, on l'appelle au téléphone et là on dit que tu as bloqué, elle bloque. Elle peut t'amener où? Flore t'a porté le bloc camer. Maintenant, Claire Seigneur, tu as fait la même erreur. Après l'autre là-bas, à Mougou, maintenant tu veux tomber chez une Gondiane. Tu vas voir Flore, tu essaies de jouer. Quelle est la médiation entre Lolo et toi? Si vous pouvez arranger. Parce que ce que tu fais là, c'est voué à l'échec. Elle ne t'a rien fait. Même dans les eaux, tu ne pourras rien lui faire parce qu'elle ne t'a rien fait. Ses mains sont propres. Tu sais au fond de toi. Voilà. La paix, le bon. Maman Jackie, elle te jure. Elle pleure. On a pris son dossier, on l'a mis à côté. Parce qu'elle n'est pas l'enfant d'eux. Parce que son oncle n'est pas. Merci, Fête Gognamsi. Parce que sa soeur n'est pas. Merci, Clara Nulou. Comme notre prière, que quand tu n'as pas quelqu'un au pouvoir, on te piétine. Si tu ne couches pas avec quelqu'un qui est au pouvoir, on te piétine. Si tu n'es pas avec quelqu'un qui travaille à la présidence, on te piétine. Mais vous m'avez dit que la gassette est à la présidence, non? Vous avez dit qu'elle a le numéro, non? Pourquoi elle n'appelle pas ses numéros? Maintenant, c'est une histoire de si tu n'as pas ton gars. Elle vous a dit qu'elle est un gars au Cameroun. Elle vous a dit qu'elle est un gars au Cameroun. Pourquoi vous dénigrez nos autorités? Pourquoi tu veux piétiner nos procureurs? Pourquoi tu veux piétiner nos autorités camerounaises, nos autorités policières, nos autorités judiciaires? Qui t'a dit qu'il y a ça au Cameroun quand il s'agit d'un petit dossier comme ça? Pourquoi tu veux insulter nos autorités, compresseurs, Maléba? Qui t'a dit que nos autorités au Cameroun, elles s'accrochent? Je dis, c'est même quoi un dossier de combien? 10 millions? Un procureur est venu mentir, salir son honneur, sa réputation pour 10 millions? Hein? Un procureur de la République, un président de tribunal va salir ta réputation, un commissaire pour 10 millions? Qui n'a pas vu? Il n'a pas de preuves? Maintenant, tu parles des histoires de coucher. Je bois du jus, je bois pas de la boisse, je bois pas de la bière, c'est du jus. Tu parles de coucher, je n'aime pas seulement boire, manger devant les gens. Tu parles de coucher avec les hommes, mais ça, c'est devenu ça. Donc quand tu es à la présidence, tu as couché avec quelqu'un. Quand tu es à la présidence, c'est parce que tu avais couché avec quelqu'un. Tu es bête, allez bas. Quand tu es à la présidence, c'est parce que tu avais un show quelque part. Non. Peut-être tu l'as mérité. Peut-être tu l'avais mérité. Qui a parlé de show quand toi tu es à la présidence? On t'a dit que tu avais un show quelque part. Toi tu ne parles que des histoires de sexe qui n'ont pas de sens. Dis à Clarisse et Yenga que les femmes se plaignent que Angoula. Je vais m'expliquer ça à Julien Zombie. Que Angoula vend les gélules dans les gélules. Elle fait le commerce dans le commerce. Elle fait le commerce dans le commerce. Quand tu commandes la gelée de Clarisse, elle t'envoie autre chose. Et elle nie que ce n'est pas ce qu'elle t'a envoyé. Et Clarisse est au courant. C'est pour ça que tu pleures, Clarisse.
Tu pleures parce que tu es tombé entre les mains des margouillards qui utilisent ton commerce pour se faire de l'argent. C'est pour ça que tu pleures. Moi, je n'ai pas de haine contre toi. Nous ne sommes pas des haineuses. La haine ne mène nulle part. Va voir Flor de Lille. Qu'elle appelle sa yam sœur pour arranger le problème. Si elle peut, va encore t'aider. C'est le côté gagnant. C'est le côté gagnant. Parce qu'elles font avec l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté morale. Parce que les gens les aiment. Les gens les aiment. Va la voir. Prends le courage, tu appelles Flor de Lille. C'est la seule personne qui peut calmer sa yam sœur là maintenant. Elle vous fait une conférence à trois. Vous discutez. Parce que partout tu te comportes là, c'est voir l'échec. Elles ne vont que t'utiliser pour assouvir leur haine contre Lolo. Elles n'ont rien à foutre de toi, Clarisse. Elles n'ont rien à foutre de toi. Elles ne veulent que t'utiliser pour voir Lolo en prison. Pour voir Lolo ceci, cela, c'est même pas quoi. Elles s'en foutent. Est-ce qu'elles ont parlé de Julie? Va contacter Flor de Lille. C'est rêve qui te dit, va contacter Flor de Lille. Entre dans son inbox, son WhatsApp est sur sa page. Elle va appeler sa yam sœur. Et le problème sera résolu. Le malentendu. Ben, tu es une grosse manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice. Mais tu oublies que les Camerounais sont très intelligents. Le peuple, l'un des peuples les plus intelligents d'Afrique, le Camerounais. Et que le monde entier t'écoute. Et que tu ne pourras pas manipuler tout le monde. Donc où tu frappes ce compresseur-là, tu es encore en train de patauger dans la boue. Après chez elle, va frapper chez Ducambindo. Après chez lui, va frapper chez la mère d'Aloi. C'est voir le chic. Parce que les Camerounais connaissent la vérité. Oui. Comme c'est comme ça, on a vu une ici qui publie les mamans des gens sans que elle ne fait même pas. Chose, parce qu'elle dit qu'elle était à la présidence, parce qu'elle mange avec la première dame, soi-disant. Elle a le droit de publier les mamans des gens. Regardez-moi la belle idiote ici. Regardez-moi l'idiote de compresseur. Regardez-moi l'idiote. Il dit, es-tu parti porter le bébé de Thierry? Elle dit que la grande soeur qui l'a publié la maman des gens. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas publié la maman de qui? Toi, tu n'as pas publié la mère de qui? La droguée de sirène avec qui tu étais à la soirée, tu n'as pas dit quoi de sa mère? Tu as publié ma mère sur ta page. Pauvre con, illettré, tu as publié ma mère sur ta page. Tu as dit que parce que j'étais à la présidence, tu as publié ma mère sur ta page. Ton élément numéro un, publie mes enfants, celle qu'on appelle Melounou. Elle publie ma fille tous les jours. Je vais même commenter là-bas. Pour moi, ne chauffe pas. Melounou a publié ma fille avant-hier. Tu es au courant. On se plaint. Sois fair play. Tu n'as pas dit quoi de la mère de la droguée de Suren? Insulter sa mère correctement et bien. Tu n'as pas dit quoi de la mère de Flor de Lille? Elle t'a pardonné, non? C'est sur Guylaine que tu vas atterrir. Parce qu'elle est à la présidence. La première personne à publier ma mère sur les réseaux sociaux, c'était toi. Sur ta page. Jusqu'aujourd'hui, j'ai cette capture d'écran. La première personne à publier ma mère sur les réseaux sociaux, c'était toi. Vous avez dit que tu as Alzheimer. Tu as un début d'Alzheimer. Tu oublies tout ce que tu fais. Tu es folle. Va dire à Melounou, elle vient m'insulter. Regarde-moi une petite aigrie. Tu es parti taper poteau. Taper poteau là-bas. Parle de ça, ça te dépasse. Tu veux t'asseoir pour t'asseoir sur Guylaine. Tu as tapé poteau. T'as été cassé, même s'il ne venait pas prendre les tables. Notre Américaine qui est aux États-Unis ne viendra pas, mais elle enverra le rang de sa table. Elle dit, mais qui tu veux? Mais qui tu veux? Je prends une table. Mais qui tu veux sur la table? Est-ce que t'as été cassé de faire? Tu as tapé un gros poteau. Parce que tu n'as personne pour te soutenir. Ceux qui te soutiennent, ce n'est que la haine. Melounou n'est pas venu à la soirée pour t'envoyer l'argent d'une table. Elle pouvait prendre une table, même si elle ne venait pas. Tu as vu ton entrée, et ce n'était pas tes belles sœurs, la droguée et une casse qui allait te soutenir. Quel était cassé qui t'a accompagné? Qui t'ont accueilli? Personne ne t'a accueilli. Il n'y a que les deux femmes là. Qui t'ont accueilli? Où était ta tête cassée? Tu as tapé poteau. Tu as tapé
tapé poteau. Quand c'est le mythe, un gruit de fleur de lune, vous avez parlé, parlé. Tu as tapé un violent poteau. Et c'est pas le premier poteau que tu tapes. Vous savez que ta patronne commence à en avoir marre de toi. Même si elle ne te le dit pas. Tu as tapé poteau. Parle ton poteau. Laisse l'affaire de Jelune. Awa pouvait prendre une table. Elle dit que je ne serai pas là, mais je te prends une table pour te soutenir. Rien. La salle était vide. Il faut que les gens viennent vers toi parce qu'ils ont, pour tes beaux yeux, ils veulent gagner, ma chérie. Ils veulent gagner. Si tu tapes poteau une fois, ils ne reviendront plus. Tu tapes deux fois, ils ne reviendront plus. Parce qu'ils ne sont pas là pour tes beaux yeux. Les beaux yeux, tu n'en as pas. À part le diant sang. Ils sont pas là pour ton beau teint. Les beaux teints, tu n'en as pas. Ils sont pas là pour tes grosses fesses. Tu n'as pas de grosses fesses. Ils sont pas là pour tes seins. Tu n'as pas de seins. Ce sont les seins refaits. Ils sont là pour ce que tu produis. Qu'est-ce que tu nous apportes? Sur la table, qu'est-ce que tu nous apportes? Est-ce que tu es vendable? On n'est pas là pour l'épave que tu représentes. Tu es une épave. Tu as tapé pour toi une fois de plus. Tu as tapé pour toi à l'hôtel avec ta patronne. Tu as tapé pour toi à Douala. La femme la roule en perte. Et tu me parles des gens. Tu as tapé pour toi. Tu tapes pour toi. On m'a offert le mixeur. Elle monte le gros mixeur. On m'a offert. Parce que le gouvernement camerounais donne le pouvoir à certains et certains ne donnent pas le pouvoir. Moi, on va commencer à dénoncer ça maintenant dans les médias. Mouf, dégage, dénonce. Quand tu as la présidence, tu vas parler du gouvernement camerounais. Tu mérites d'aller à la présidence, non? Tu es citoyen camerounais, non? Tu es à la présidence, non? Au jardin. On a parlé du gouvernement camerounais. Est interdit de manquer de respect au gouvernement camerounais. C'est quand ça t'arrange. Est interdit de manquer de respect au gouvernement camerounais. Est interdit d'insulter l'intelligence des procureurs, des présidents de tribunaux, des commissaires du Cameroun. Pourtant, tu n'as même pas le CEP. Et Dieu, fais-moi ta gueule. Est interdit de payer des gens qui ont bac plus. Oh, de partir à l'école, tu partais voler là-bas, en chacal. Tu ouvres ta large bouche pour parler à mon gouvernement camerounais. Les hommes qui sont à l'école, tu as quoi dans ta tête? Tu as fait l'école primaire où? Tu as fait ton lycée où? Pour te permettre de parler des hommes du gouvernement camerounais, du corps judiciaire camerounais. Tu es malade. Tu es allé à l'école où? Je t'interdis de parler du gouvernement camerounais. Tu as payé tes impôts au Cameroun. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu as travaillé au Cameroun. Tu as travaillé au Cameroun pour te permettre d'ouvrir ta large bouche et de manquer de respect, de salir les autorités de mon pays. Tu es folle. Tu es allé à l'école où? Quand on présente sa soie, il nous montre les pistes, comment vous appelez ça? Les armes. Hein? Ils sont ses armes. Il mérite ça où? Hein? Ton présent sort souvent l'arme, il nous montre ça ici, là, non? Tu n'es pas du gouvernement camerounais? Tu te mets dans ton vieux canapé, tu parles des hommes qui ont bac plus 5, tu es folle. Une gars qui n'a même pas le 7. Elle s'assoit derrière son vieux canapé, elle ouvre sa large bouche pour les hommes qui ont bac plus 5. Tu parles de quelle autorité du Cameroun? Tu as payé les impôts au Cameroun? Ton école primaire, c'était où? Tu as fait le CP où? Tu as fait le CP où? Où au Cameroun? Pour venir parler des hommes qui ont bac plus 5, bac plus 10. Le gouvernement camerounais, on va parler de ça. On sera là pour te répondre, pour fermer ta gueule. Nous, on sera là pour te répondre, pour fermer ta gueule. Et un gouvernement camerounais, même tu peux. Tu as quel gouverneur dans ta famille? Tu as quel commissaire dans ta famille? Regardez-moi ça. On va commencer à dénoncer ça dans les médias. La vraie juge, coucou, elle va dénoncer. Hein. Écoutez, hein, tu ne dénonces pas. Hein. Nous sommes ici là. Merci ma fille. Merci ma coco. Elle au téléphone. Ah, tu vois, Vanna, ma elle au téléphone. On lui dit de bloquer. Merci mon bébé. Regarde. On bloque rien. J'ai bloqué, elle dit j'ai bloqué. Elle dit j'ai bloqué. Regardez. Regardez-moi une illettrée qui met les oreillettes. Elle a un téléphone WhatsApp. On lui dit que bloque tel. Elle ouvre sa bouche pour le gouvernement camerounais. Elle parle des autorités de mon pays. Ce n'est pas 100% bon. Hein.
mais reconnaissant qu'ils sont là à l'école. Et tu vas te poser le CV des procureurs de justice, des procureurs de tribunaux du Cameroun. Reconnaissant qu'ils ont fait l'école. Ce n'est pas 100% bon, mais reconnaissant qu'ils sont des intellectuels. Donc, les intellectuels ferment, Maléba Perpétue, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est quand ça t'arrache que le gouvernement camerounais est corrompu. C'est quand ça t'arrache que le gouvernement camerounais, qu'un gant va commencer à dénoncer sur les réseaux sociaux. Tu peux dénoncer quoi? Ce qu'il faut commencer à dénoncer, tu as dénoncé. Dénonce l'état des routes de Cameroun, l'état des routes. Les routes tuent au pays. Commence à dénoncer ça. Le plateau technique, il n'y a pas de plateau technique dans nos hôpitaux. Dénonce ça. Les filles, le baccalauréat était néant dans certains, comment on dit ça, centre d'examen. Dénonce ça. C'est pour, regarde, tu as venu dénoncer. Regardez-moi ça. Dénonce ça. Il n'y a pas de route au Cameroun. On n'a que des nids. Dénonce. Il m'a dit dénonce ça. On va parler de ça. La honte, parce qu'ils ont vu le lot au Cameroun. La honte peut vous tuer. Ici en live, ici en live. La honte. Maman, je ne viens pas content m'arrêter ici sur les réseaux sociaux. Ta soeur, Bassa, pardon, elle criait ici, on m'a inaqué, on veut me tuer. Oh. Maman, je ne viens crier tout le monde, personne ne bougeait. L'eau s'est levée. Ça se passe maintenant, c'est que. L'eau s'est levée pour défendre, maman, je ne viens pas à son niveau. Maintenant, tu la vois au Cameroun, tu cries. Tu la vois à Monaco, tu cries. Tu as dénoncé quoi? Tu as aidé maman Geneviève? Tu as aidé maman Geneviève? Tu as même parlé d'elle un seul jour. Rien. Mais tu attends de l'argent. Pour vous, c'est d'abord de l'argent. Le ventre. On ne met jamais le cœur devant. C'est le ventre qui est devant. Tu me donnes, je parle de toi. Personne n'a dénoncé maman Geneviève. Vraiment une idiote. C'est que tu es la dernière des blogueuses compresseur. J'aime te le dire. Parce que c'est pas. Il faut souvent causer avec les gens avant de lancer les directs. Cultive-toi. Tu veux t'asseoir chez toi, tu parles des procureurs du Cameroun, tu parles des présidents, des commissaires, des hommes de loi du pays, tu es malade. Tu vas dire quoi? Tu vas parler des problèmes, des problèmes primitifs de la société camerounaise. Tu vas parler de ça un jour. Parle des néos qui coupent le courant tous les jours. Parle des néos. Parle des néos qui coupent tous les jours le courant au Cameroun. Tu ne parles pas de ça. Elle s'assoit, on va dénoncer le gouvernement. Dénonce, on voit. Dénonce, on voit. Jalouse va. Dès que d'autres personnes sont plus camerounais que les autres, quoi. Elle a perdu sa fille, oui. D'autres sont plus camerounais coucou, Brigitte. Que les autres camerounais. Mm-hmm. Voilà une jeune femme. Lolo Laurel, salut. Son mari a servi notre pays. Il a eu un accident là-bas. Sarah dit que qu'elle dénonce d'abord Thierry. Sa femme ne veut pas laisser son mari parce qu'elle peut refaire sa vie si elle décide de refaire sa vie. Oh, mais elle a choisi de rester avec son mari et ses enfants. Elle se débrouille avant de ses genoux. Les escrocs, les malhonnêtes de la diaspora l'ont escroqué. Elle vient se plaindre. Vous ne faites rien. Parce qu'il y a d'autres qui sortent avec les enfants de ceux qui travaillent à la présidence. Ils vont partir écarter, ils vont partir tuer les dossiers. Je ne connais pas ceci, non. Ça ne vous dit rien. L'autre là-bas, là, qui fait les chirurgies du matin au soir, va s'asseoir, elle publie les mamans des gens. Elle va dire carrément que oh, la première dame, c'est son amie. Elle associe son image à la première dame. On ne dit rien. N'est-ce pas? Oui. Où vous voulez que nous commence à régler nos comptes comme on a appris au quartier? Règle, comment on va se comporter comme au quartier? Règle. Vous dites. L'angassie a la force, elle a mal au poignet, elle a mal au dos, elle a mal au genou. Tu as mal partout, tu peux régler le compte avec qui? Nous on te voit, on te tape, compresseur. Et que tu es une épave. On te voit, on te tape correctement, sans dire qu'on casse tes os. Que quelle est la mal partout? La vieillesse de ça. Oh, je suis née en 1987. Je suis née en 1987. C'est toi qui as mal au poignet, c'est toi qui as mal au dos, c'est toi qui as mal au genou. On te voit, on te tape. Vous voulez qu'on règle? C'est le temps de Niam Chakal. Tu es terminé, tu es fini. Quand on te rencontre, on marche à l'aise. Hein. Ben, tu tapes, on se retourne un bon coup de poing dans les bras, tes prothèses. Donc, je calcule d'abord ta bouche, ta somme, ça est ma main gauche. Tes prothèses sautent. Ça m'énerve, je tombe sur tes seins, je finis avec.
Je m'accroche sur ta poitrine, maman. Il ne quitte pas sans que ça ne se pèse. Quand il marche, toi, il marche à l'aise. Je suis sûr de moi. Tandis que je marche au calme. Ben, tu es fini. Tu es fini. Je me retourne en temps de calcule ta bouche. Je ne cherche pas une autre place. Ça tombe d'abord. Des prothèses. Vous voulez qu'on le tire? Eh ben quoi tout qu'elle a niam chacal ou bagarre avec les bandits là. L'époque est révolue. Tu es vieille. L'époque est révolue. Thierry, t'as fini. L'époque où tu bagarres avec les bandits là, c'est mort. Tu es refaite partout. On casse seulement. Tu imagines que même du Campino, quand il marche, on n'a pas peur de lui. Combien de fois toi? Hein? Elle n'a pas peur. Que vous voulez qu'on le tue là, tu peux faire quoi, qui? On a vu la veuve droguée te tourner sur le pum. Elle a même déjà bu. La courte, pas j'ai vu la femme là, elle courte, 1m50. J'étais choquée. J'ai dit, waouh, la femme c'est petite comme ça. Elle t'a tourné. Mais la femme, ça fait comment pour retourner? Mais comment? Nous, on te tape, on te casse. Vous voulez qu'on reprenne l'époque? L'époque, on va croire. Tu peux croire, je fais quoi? Tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien. Tu as mal au poignet. Mes poignets me font mal. Mon dos me fait mal. Mon dos me fait mal. Mes genoux. Après, tu vas voir la soirée. Comme mes nez. Ce n'est pas le poignet, c'est le dos. Et ce n'est pas le dos, c'est le genou. Et ce n'est pas le genou, c'est les nerfs. Ouais, Thierry, elle dit que quoi? Rêve, c'est pas la peine, rêve, c'est une parole. Après, elle dit les nerfs. Mieux que quand on dit les deux moments, on casse le pied de quelqu'un, on le casse notre pied. Tu suis. Comme celle qui a publié ma mère là, elle. Tu suis. Elle dit que mieux elle envoie les dos, on casse les pieds de tel, on casse notre pied. On casse le pied de Guilaine au Cameroun, on casse tes pieds ici. Donc tu crois que tu es trop caché. Donc on va casser le pied de Guilaine. Elle ne cherchera même pas à savoir qui envoie, elle casse seulement tes pieds ici. Donc tu crois que tu es trop caché. On casse les pieds, on casse tes pieds. Donc on casse les pieds de quelqu'un, de réfléchir, même pas, il m'accroche à toi. Il te cherche. Il m'accroche à toi. Oh, mes pieds me font mal. Oh, les nerfs. Les nerfs. La famille, ça va très, ils vont bien, non, maman. Je ne peux pas laver. Elle dit les nerfs. Après, elle dit le poignet. Pourtant, ça ne m'aidait pas, le poignet. Le poignet me fait mal. Et puis, t'entends, elle dit que le dos. Et puis, elle dit que la tension. Tout ça pour toi seul. Et toi qui envoyais les gens pour qu'on casse les pieds. Tu as dit ça. On casse les pieds de Guylaine un jour. Même si ce n'est pas toi. Tu lis le. C'est rien. C'est plus risqué en quoi, ben. Parce qu'en ben, il fait ce que j'ai fait. Il sait qu'il aura fait 6 mois en prison, il sortira. Il prend tes protéines, il met ça, tu avales. Il prend tes protéines, il met dans ta bouche, tu avales. Les nerfs me font mal, les nerfs. Après demain c'est le coude. Ouais Seigneur, ouais. Les épaves qu'on a ici dehors. Elle veut la voir. Elle dit qu'elle a fait le judo. Et elle continue à faire le judo. Moi j'ai fait le karaté. Ok. Écoutez. Mais j'ai fait mes derniers kata. Hein? Pardon, Nika. Elle a fait le karaté là. Elle porte le karaté, elle dit que mes pieds, mes coudes. À la soirée. Mais. Après, c'est la tension. Après, tu attends qu'elle a mal au dos. Ouais, Seigneur, non. J'ai l'attention. Jacqueline, ouais, c'est ça, Brigitte. L'attention, les nerfs, Rosé, les nerfs, le bon François.
femme est malheureuse dans le couple, la première maladie qui toque à ta porte, c'est le nerf. Je vais vous donner une anecdote. Si vous observez bien, quand Lolo est en couple, elle se plaignait de quoi? Quand Lolo est en couple, elle se plaignait de quoi? Je savais que c'est parce que tu n'es pas heureuse dans ton couple. Quand tu es dans un mauvais ménage, la première maladie qui toque à ta porte, le nerf, le coude, ça ne m'a pas porté. Le dos, attention. Les femmes souffrent le foyer ici dehors. Quand tu es malheureux dans ton couple, la première maladie qui s'invite chez toi, c'est le mal de nerf. La plupart des femmes malheureuses dans le mariage, elles te diront toujours que j'ai mal au nerf. J'ai la tension. Observez Lolo quand elle était en couple, elle avait quoi? Le nerf. Vous savez pourquoi je connais ça? Je ne veux pas citer, mais j'ai vécu chez quelqu'un qui avait le même problème. Elle prenait les médicaments tous les jours. Le jour où elle a divorcé, elle n'a plus jamais trouvé du nerf jusqu'à aujourd'hui. Donc quand Lolo parlait du nerf, je riais. Je savais que c'était ça, que c'était ça. Vous savez quand Lolo parlait du nerf, des nerfs. Vous avez encore entendu Lolo vous parler des nerfs, vous êtes sûr que j'ai mal au nerf. J'ai mal au nerf, les nerfs. Les hommes qui donnent ça. Les hommes qui vous donnent les problèmes de nerfs, les nerfs. Après. Quand tu es malheureux dans ton couple, les nerfs. Quand tu commences à voir les nerfs, quitte le foyer là. Vous avez encore entendu Lolo parler des nerfs. J'ai vécu ça. Chez quelqu'un chez qui j'ai vécu. Je ne cite pas son nom. Ma famille sait. Le nerf, tous les jours, le nerf, comprimé. L'eau, le nerf. C'est ce que vous savez. Quand tu es malheureuse dans ton couple, tu réfléchis trop. Tu ne dors pas. Ta tête cogite. Tu es persécutée. Oh Dieu, on t'aime. Demande, on te chauffe. Oh Dieu, on t'aime. Le comportement des vrais pervers. Le nez, ça commence par le nez. Vous avez dit que j'ai mal au nez. Vous m'avez entendu parler de nez, c'est vous. Jamais. Le nez. Elle dit qu'elle appelle à la force. Je te calcule d'abord, comme si tu es à l'aide. C'est là où on te donne le bon coup. Toi-même qui veux me donner tes maladies, c'est en direct. Vous avez encore entendu l'autre parler de nez. Plus jamais vous avez fait le jour au nez. Parce qu'elle est panique maintenant. Plusieurs femmes meurent dans le mariage. À cause de la persécution. Il y a les persécutions malignes. Il y a les cancers malins. Il y a les persécutions malignes. Il te boum, il caresse. Boum, il caresse. Boum, il caresse. Tu commences à développer le mal de nez. Il te voit te détruire. Il te regarde. Tu te détruis devant lui, il te regarde. Il prend plaisir à te voir souffrir. Quand tu es dans un couple heureux, tu ne peux pas avoir problème de nez. Même quand tu as des problèmes professionnels, ton gars à la maison soigne ça. Dès que tu parles avec lui, tu guéris. C'est pour ça qu'Agnès Anzoua dit que le meilleur médecin, c'est ton mari. Il n'y a que mon mari qui sait me soigner. C'est le mari qui soigne. Le meilleur médecin, c'est d'abord dans ta maison. Avant d'aller consulter le bon médecin à la maison. Elle est malheureuse. Les nerfs. Après les nerfs, c'est le coude. Elle m'a porté les coudes. Après le coude, c'est que les pieds, les genoux. Les genoux font mal. Les escaliers, troisième étage. Tu vas arriver. Que tu veux taper. Composant, croise-moi. Tu essaies des conneries là. Essaye de me croiser un jour. Quand je vais arriver au Cameroun, hein? Dis-moi seulement où tu es. Ok. Si tu es une femme, tu vas me montrer tes judo que tu as fait. Ok. Parce que moi, tu peux me publier du matin jusqu'au soir. Hein. Mais tu as publié ma mère. Et tu vas me dire pourquoi est-ce que tu as. Guigui, comme ça fait mal, envoie le message, c'est à Guilain Chapuis, la Guigui de la République. La bubu de la République, comme ça fait mal, insiste dessus. Insiste. Nelly Ngona n'est pas bien moralement. Elle n'est pas bien. Insiste, Guigui. Quand tu suis le moment des gens, ça fait pas mal. Donc tu as mal. Quand on publie ta mère, ils vont le saluer. Tu as mal quand on publie ta mère. Donc ça fait trop mal. Quand c'est pour nos mamans, on n'a pas mal. Guigui, la Guigui de la République, triple encore. Tu ne peux rien faire, Guilaine. C'est d'abord une femme bamouna, c'est d'abord forte. Insiste. Coucou Vanel.
Insiste, bébé. Insiste, la Guigui. Guigui a donné sa localisation, tu as vu. Tu ne peux rien faire, Guylaine. Mais c'est vous qui avez commencé. Quand vous commencez à supporter, toi-même, tu as appuyé le mari de Guigui, coucou Léo. Quand tu n'es pas heureuse dans un couple, ma soeur, je vous dis, quand tu es dans un couple et que tu constates déjà que tu as le problème de nerfs, prends-toi en main. Le travail ne peut pas te donner le nerf quand tu es un bon mari à la maison. Le problème de nerfs commence dans ton foyer, pas ailleurs. Si je me mets en couple avec un homme, je constate que j'ai mal au nerf, je pars. Ma vie d'abord. Soit il essaie de corriger ses erreurs, soit je pars. Et si j'avais quelqu'un qui a un sommeil très fragile, si j'ai un problème qui me dérange vraiment, je ne dors pas. C'est ça que je filtre ce qui entre dans ma tête. Je refuse que les problèmes contrôlent mon état d'esprit. C'est moi qui contrôle le problème. Même si tu me poses n'importe quel problème devant moi, c'est moi qui juge si ça doit m'affecter ou pas. Parce que j'ai un sommeil très très fragile. Si je constate que j'ai mal au nez, je pars. Donc, c'est toi qui as commencé à provoquer Guylaine. Toi, avec tes gens. Elle t'a dit, arrête tes gens. Tu n'as pas fait de pause pour dire à ton soi-disant neveu de stopper le massacre. Guylaine s'est attaquée à toi. Tu as publié son mari, elle a publié ta mère. Tu ne peux, même physiquement, tu ne peux pas. Mystiquement, tu ne peux pas. Donc, oublie le côté là. Voilà. Est-ce qu'elle va me changer maintenant? Elle va me changer maintenant, non? Ça, c'est une promesse que je te fais. Coucou, Rosie. Comme vous dites que vous avez le pouvoir, vous me changer à la présidence, là. Quand je vais t'arrêter, je juge sur tout ce que j'ai le plus cher. Tu ne veux pas me reconnaître. Tu vas me dire que tout le temps qu'elle est malade, là. Quand je vais t'arrêter... Le bruit. Un bon coup de main. Tu es une clasheuse internationale. Alors tu es une clasheuse qui s'associe, qui associe son image à la présidence. Et que c'est arrivé là-bas. Désormais. Et pleure de ça. Tu es une clasheuse internationale. Tu as pris le pouvoir, le brassard du clash. C'est ça, Guylaine. C'est ça, Guigui. Dans la paye handicapée là. C'est ça, Guigui. C'est ça, Guylaine. Jeune femme qui pleure, vous avez dit que nous on ne tra- allait travailler. C'est elle qui a commencé à publier. Qui veut se battre pour nourrir ses enfants, ses pauvres enfants. Vous prenez, vous mangez. Merci Léo, merci Panel, merci Léo. Vous dites que vous êtes. Elle ne peut rien faire, Kaudré. Elle est dépassée. Guylaine a pio, ça fait mal. Donc, parce que moi j'étais faire un tour un jour à la présidence, je veux me permettre de venir manquer de respect aux gens. Qui te connaît? Parce que j'étais à la présidence. Qui te connaît? Ça me donne le droit de venir manquer de respect à quelqu'un qui m'a rien fait. Guylaine a touché, ça fait ça mal. Ça me donne le droit de venir publier une vieille femme qui m'a rien fait. Ouais, Guylaine, depuis la Guigui de la République, Guigui, rêve bien, te demande appui fort. Il paraît que ça fait mal. Elle a insulté ma mère. Elle a caricaturé ma mère. Oh, coucou. Bad joke ici. Mon américaine. Elle a caricaturé ma mère Kissy. La mère de Kissy, elle a insulté ma mère. Guigui a plus fort. Insiste, bébé. Insiste, Guylaine. Appuie où ça fait mal. Ne laisse pas. C'est de bonne guerre. Appuie. Guylaine, on ne savait pas que tu avais fait fort. Tu as fait fort. Elle est devenue rouge. Ça t'énerve même. Tu tombes sur la mère de Thierry. Elle ne chauffe pas. Oui. Si elle continue, tu tombes sur la mère de Thierry. Tu poum, 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 poum. Tu balances ce que tu as balancé. Pourquoi tu crois que Guylaine Chapeau se rêve bien et qu'il ne touche pas les mamans? Non. Guylaine Chapeau, ce n'est pas rêve bien qu'il ne touche pas les mamans. Tu touches ton mari, touche ta mère. Maintenant, tu parles de bagarre. Si ça t'énerve, Guigui, tu tombes sur la mère de Thierry. C'est tout. Chloé, insiste bébé, insiste, insiste Guylaine, appuie fort, appuie se déranger. Tu as le cardio, tu as pris le brassard du clash. Ngueu, tu avais la première dame, pardon, ça quoi y voir.
Donc on va te mépriser, t'insulter. Tu vas te... Parce que tu as la première dame. Mais la première dame, elle-même, c'est pas une... Elle est facile. Elle n'est pas facile, hein. Oui. Donc, Guylaine, tu as notre soutien. C'est elle qui a commencé. Nous sommes tous témoins. Nous sommes témoins. Donc, ça te... si elle continue, tu appuies sur la main de Thierry. Elle va recevoir les baffles. Mais le gars, elle est violent. Il va la gifler toute la soirée, là. S'il voit sa mère sur ton mur, elle est morte. La bagarre, ça. Il va la piler comme le coin. Il va la piler comme le coin. Piler. Dans ses tentes, tu as pris fort. Et tout. Elle est en colère. Ouais. C'est ça. Appuie, Guylaine, appuie. Voilà une femme qui est en train de pleurer. Vous ne faites rien. Ça ne vous intéresse pas. Ah, dis donc, reste tranquille. Non, c'est Julie. Voilà une femme qui pleure. Pourquoi, Amalia? Elle crie à l'aide. Je te dis qu'elle est Nelly. On ne la laisse pas. Coucou, père. Allô? Salut. Allô, bonjour. Bonjour, c'est comment, Miss? Ouais, ça va un peu. J'ai fui l'hôpital. J'ai fui l'hôpital. Hey, pourquoi tu es dans l'hôpital? Hey, pardon. Hey, ils ne font que me piquer, même piquer, même piquer. Ils me mettent le sang, ils me piquent encore. Ils prennent encore le sang, là, ils me piquent encore. J'ai fui. Ah, il fait chaud. Ah, il fait chaud. Donc, je suis venue me reposer dehors. Je prends de l'air dehors. Donc, je disais... je suis anémie, j'ai l'anémie, j'ai une anémie sévère. Voilà. Donc, on m'a transfusé, et puis voilà. Je vais sortir la semaine prochaine. Oui, mais tu devais rester au calme. Tu viens encore faire quoi dans les clashs, ma soeur, quand tu es malade? Non, je ne suis pas dans les clashs, ma soeur. Non, moi, je suis dans les clashs, tu comprends? Je voulais juste préciser que Guylaine, j'avais parlé à cette maman-là, à cette dame-là, quand elle partait, parce qu'elle avait des problèmes de kendo, tu vois. Quand je faisais la pub de la femme de Rouen, là, que je faisais sa pub et tout, bon, j'envoyais Guylaine là-bas. Ça traitait un peu ses doigts, là. Ça traitait ses doigts. Et puis, bon, elles sont devenues amies derrière moi. Et puis, Guylaine a commencé à me casser le sucre sur le dos, tu vois. Moi, je me suis retirée. J'avais dit, tu ne connais pas la fille avec qui tu parles là. Tu ne la connais pas. Donc, comme maintenant là, elles sont en train de faire ça. Cette fille de Rouen là, elle n'est jamais reconnaissante. Elle ne pourra jamais être reconnaissante dans sa vie, en aucun cas, jamais. En aucun jour. Jamais, mais jamais de la vie. C'est une personne qui est comment on peut dire ça, elle est née pour détruire, c'est-à-dire tout ce qu'elle touche, c'est destruction, c'est mauvais. Et puis elle lance les sorts aux gens. Elle, c'est une sorcière, c'est une malchanceuse, je n'ai même pas de mots. Mais j'avais prévenu Madame Guylaine Chapuis. J'avais dit à Madame Guylaine Chapuis que te voilà qui parle déjà avec compresseur. Hein? Je ne veux pas être là-haut. Je ne veux pas. Non, je me mets de côté. Moi, j'ai mon problème avec elle personnellement. Ce qui est sûr, c'est que je vais la croiser un jour. Je vais la croiser, même si ça va mettre longtemps. Elle va me dire pourquoi elle a tué ma grande sœur à Rouen. Pourquoi elle a tué ma grande sœur à Rouen? Elle va me dire ça. Elle va me dire ça. Tu es ta grande sœur. Oui, oui, oui. Elle va me dire ça. Elle va me dire ça. Parce que je n'ai pas oublié. Je n'ai même pas oublié. La personne, le jour du deuil de ma grande sœur à l'église, j'ai vu Tatiana Corny avec une autre dame. J'entends seulement la fortune, la fortune, la fortune. Je dis waouh. J'étais avec ma grande sœur qui est aux États-Unis. J'étais avec ma grande sœur qui est à Montpellier. J'étais avec mes tantes. Mais oh, j'étais bien entourée, tu vois. Même Waris, était là. Soeur, attends, tu es ta grande soeur comment? Je comprends pas. Pardon? Tu es ta grande soeur comment? Ma grande soeur, tellement elle voulait ressembler à compresseur. Pourtant, c'est elle qui me disait que non, ne marche plus. Ne,
Bon, parce que moi, je ne marchais pas avec mon professeur, je ne marchais pas avec elle, c'est pas mon amie, je ne marche pas avec elle. Hein. Je faisais juste sa publicité de Janssen et tout sur les Facebook. J'étais Issa Chiroma, on m'appelait Issa Chiroma, d'accord? Je m'appelais Issa Chiroma. Voilà, c'était moi qui étais, qu'on envoie les gens prendre les balles perdues, que oui, je m'en vais, je fais ton palabre, et puis ça retombe sur moi, je prends toutes les malchances, parle, toutes les mauvaises choses là sur moi. Oui, je te posais la question par rapport à ta grande soeur, pas toi, quoi. Bon, ma grande soeur a commencé à marcher avec elle. J'ai dit à ma grande soeur que ma grande soeur, c'est toi qui m'avais dit de ne pas marcher avec compresseur, de ne pas parler avec compresseur. Te voilà, tu invites compresseur chez toi. Tu prépares à manger avec tes enfants. Tu donnes à manger à compresseur. Compresseur invite ma grande soeur, elle lui donne à manger. Le même soir, ma grande soeur meurt. Elle meurt, elle est partie manger chez compresseur, elle meurt. Elle meurt sur la route, elle meurt. Elle meurt. Mais comment vous avez... Il faut que le compresseur m'explique ça. Hein? Hein? C'est elle qui vous a dit qu'elle était mangée chez elle. Ma grande sœur m'avait dit, elle avait fait les vidéos parce que à ce moment-là, compresseur avait les cheveux de feu, comme Raon. Tu connais le dessin animé Raon, le fils de l'enfant, les cheveux jaunes là. Ma grande sœur aussi a fait les mêmes cheveux jaunes. Elles étaient habillées en rouge. Elles sont parties à la soirée. Compresseur, avant qu'elles ne partent à la soirée, compresseur a préparé. Ma sœur est venue, elle a mangé. Maintenant, quand ma soeur doit aller se changer pour aller à la soirée parce que elles ont parce que c'était l'ordination d'un prêtre, tu vois, c'est l'ordination d'un prêtre qui venait d'arriver, un prêtre noir camerounais qui venait d'arriver à Rouen. Donc l'ordination du prêtre, ma grande soeur dit, elle est d'abord partie manger chez compresseur, et quand elle a fini de manger chez compresseur, elle dit bon, on la dépose chez elle. Elle va se changer pour repartir à la soirée. Mais maintenant, elle se change, elle est dans la voiture, elle dit qu'elle a envie de vomir, elle a envie de vomir, elle veut vomir, elle veut vomir, que arrêtez la voiture, je veux vomir, je veux vomir, je veux vomir. Ma grande sœur, sur le pont, j'ai vu le pont là, à Rouen, le pont. Quand tu quittes Petit Quevilly, tu pars à Grand Quevilly, le pont là. Ma grande sœur, la voiture s'est arrêtée. Ma grande sœur, elle est sur la route, elle est morte comme ça. Même pas dit au revoir à ses enfants. Même pas dit au revoir à ses enfants parce qu'elle venait de finir de manger la nourriture de compresseur. Elle venait de finir de manger la nourriture de compresseur. Ok. Elle va me dire pourquoi elle a tué. Moi, j'avais dit à maman Dylaine Chapuis. La voiture, mais il faut que tu rentres à l'hôpital parce que là, tu es malade, non? Non, je suis pas malade. Non, je ne suis pas malade. C'est-à-dire que j'ai seulement fui parce que je suis venue prendre l'air. Il fait trop chaud là-bas dedans. Ouais. Mais tu es à l'hôpital quand même. Oui, je suis à l'hôpital. Je vais sortir la semaine prochaine, mais il fait chaud. Mmh. Il fait chaud. Donc, je suis un peu sortie au parc de l'hôpital là pour prendre un peu d'air. Tu as quoi? Tu as anémie, c'est tout? Je suis anémie, c'est juste l'anémie. C'est juste l'anémie parce que je fais des gros bébés, donc c'est juste l'anémie en fait. C'est juste l'anémie et puis un manque de fer. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Okay. C'est tout. Voilà. Okay. C'est tout. Donc, je vais te laisser. Tu évites de trop boire, tu t'alimentes bien, c'est tout. Non, je bois de l'eau, je bois beaucoup d'eau. Je ne peux pas boire beaucoup de jus parce que avant j'étais diabétique. C'est pour ça que j'ai fait le bypass parce que j'étais diabétique. C'est pour ça que j'ai fait le bypass. Bon, le bypass a fini mon diabète. Voilà. J'ai fait le bypass parce que j'étais diabétique. Non, je fume la cigarette simple. Hein. Voici ma soeur, je fume la cigarette simple. Hein. Simple, hein. Moi, je ne fume pas la drogue ou bien les machins. Non. Voici mon paquet de cigarettes là. Voici mon paquet de cigarettes. Je ne fume pas autre chose. Je ne mélange pas avec autre chose. Non. Bon, je ne mélange pas. Je ne mélange pas autre chose. Non, mais vraiment, merci de m'avoir pris dans ton direct. Et moi, sache que moi, les personnes que moi, j'ai toujours aimées sur Facebook, sans même demander, sans même savoir qui elles sont, c'est-à-dire une personne tellement claire. Toi, tu es comme ta grande sœur, ta Lolo. Franchement,
la crème de la crème. Vraiment, la crème de la crème. Et je vous dis merci. Moi, j'ai mon problème, une seule place avec une seule personne. Le jour que je vais la croiser, elle va me tuer. Tu dois peut-être arrêter de fumer pour prendre un peu plus soin de toi. Non, je vais prendre soin de moi. Ne t'inquiète pas. Ok. 1m80. Hein. C'est-à-dire que même si tu es, même si c'est, même si, comme David avait battu Goliath, non. Comme David avait battu Goliath, si ton pression est David. Non, je parle de toi. Tu sais, tu la prends sur lui. Parce que j'ai l'impression que tu es un peu changé par rapport à avant. Tu prends soin de toi. Non, c'est le manque de sang, en fait. C'est le manque de sang, en fait. T'inquiète pas, ça va revenir. T'inquiète pas. Parce que comme ils sont aussi chauds, je peux me maquiller. Je ne veux pas les filtres. Je peux me maquiller. Je ne veux pas. Non. Là, je viens même d'enlever la perruque. Voilà, parce qu'il fait chaud. Je viens d'enlever la perruque. Tu sais, il y a aussi une astuce pour les fumeurs. Il faut lécher souvent. Il faut souvent boire de l'huile rouge. 2 cuillères. Ben, c'est bien pour les fumeurs. L'huile rouge. Il faut boire l'huile quoi? L'huile rouge. Les cuillères d'huile rouge. Tu lèches. D'accord. Ok, d'accord. Ok, ben, je vais prendre note. Je vais prendre note. Ça aide beaucoup les fumeurs, l'huile rouge. D'accord. Ok, okay, ben, je vais prendre note. Je vais prendre note. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre note, merci. Je vais prendre note. Prends soin de toi, la fortune. Ok, merci. Bisous à toi aussi, merci. Okay. Attends, vous avez fait l'autopsie pour ta soeur, attends un peu. Oui, oui. Elle est, c'était empoisonnement. 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 Merde. Empoisonnement. Ouais. Empoisonnement. Et la seule personne qui est partait chez elle, si elle n'invite pas Compresseur à manger, c'est Compresseur qui l'invite à manger. J'ai toujours dit à ma sœur que c'est toi qui ne veux pas que je parle avec la fille ici. Mais toi, tu parles encore maintenant parler avec la fille. Tu parles avec la fille, c'est pourquoi tu ne connais pas que la fille, c'est une sorcière. Que la fille, c'est. Ma grande sœur me dit que, ouais, laisse-moi. Hein? Elle voulait déjà être son modèle. J'ai dit que, okay. Vous avez même déjà les mêmes cheveux. Vous avez, ok, moi, je vous laisse alors partir, faire. Jusqu'à ma sœur est morte, comme ça. Elle est au deuil. Elle n'était jamais au deuil. Jamais. Demande à Waris. Je te promets. Demande à Waris. C'est interdit de jurer dans la Bible. Demande à Waris. Il y avait Waris à l'église. Ouais. Il y avait Tatiana Corny. Tatiana Corny à l'église. Il y avait les femmes de Rouen à l'église. Mais elle, grosse pute, grosse mandiata, elle de poulet, elle de voleuse de mari des gens. Elle n'était jamais à l'église quelque part. Même à la veillée, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. C'était comme si elle n'avait même jamais connu ma grande sœur. Jamais. Tout le temps, ma grande sœur avait les photos avec elle. Ma grande sœur avait les photos avec elle. Elle n'était jamais là. Jamais. Il n'y a personne qui envoie vos demandes, les filles. Ok, la fortune, on va continuer. Ok. Non. D'accord, ok. Toi, écoute. Tu dois essayer de lécher de l'huile rouge. Manger beaucoup de betterave. Oui. On a dit quoi? Le citron et... J'ai dit quelque chose ici. L'huile rouge, la betterave, le citron. Le miel et le citron. Oui. D'accord. Et beaucoup de betteraves. Pour que tu aies beaucoup de betteraves. Ok. D'accord. Ok. Fais la salade. Je vais faire ça. Oui. D'accord. D'accord. Je vais faire ça. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bisous. Merci. Cœur. Ciao. Bisous merci. À tout le monde. Ciao. Merci. Merci. Ok. Bye. Merci. On descend comment? Pardon. Descends-moi, s'il te plaît. C'est chaud. Mais pourquoi pourquoi elle n'assiste pas aux deuils des gens qui l'ont. Bref, ses amis, pourquoi elle n'assiste pas? C'est bizarre. Quelqu'un avec qui tu parlais? Qui peut m'assister? Toutes les quoi de la toile. Okay. Vous ne voyez pas ça. Vous ne parlez pas. Maman, la bêtise de Gondia dit qu'elle est. La bêtise de Maléba dit que quand on veut museler les quoi de la toile, pasteur supérieur et quoi, non? C'est le
autochtone, non, c'est un homme, il est quoi? Il est boulou, je crois. Est-ce qu'on veut muser les quoi de la toile? Maléba, tu manques d'arguments. Tu manques d'arguments. Qui veut muser les quoi de la toile? C'est qui les quoi de la toile? Si vous teniez les pantalons. Vous ne dites rien. Rose, l'Africaine n'est pas. Vous n'en voyez pas le tribaliste quand il s'installe fort fort. Oh, yo, 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 le topsy de qui rêve, le topsy. La fortune dit que Composso a empoisonné sa grande soeur. Vandel Nelly Panza. On demande que tu n'as pas fait le topsy. Elle dit que Composso n'est pas au deuil de sa grande soeur, la vraie jugeote. Et Baba, Bloya Louise, comment vas-tu, ma sœur? Même si ce n'était pas son ami, même si c'était une connaissance, elle allait chez elle, elle mangeait chez elle, elle se partageait la nourriture, elle se fréquentait. Tu parlais à son deuil. Bref, c'était le passage. Elle dit qu'on veut museler l'incroix de la toile. C'est qui l'incroix de la toile? Quand tu étais avec Fleur de Lille, on ne voulait pas museler les Américains de la toile. Quand tu étais avec Fleur de Lille, on ne voulait pas muser les quoi de la toile. Le pasteur supérieur n'est pas Bamileke. Marc Larose n'est pas Bamileke. Pourquoi vous parlez de tribalisme? Oh, merci Gloria, ça va, merci Jésus, merci. Coucou Léontine, bonsoir. Bonsoir Léontine. Pourquoi vous parlez de tribalisme? C'est parce que vous manquez d'arguments. Parce que vous ne captivez pas le public. Parce que vous êtes des manipulatrices. Vous êtes des manipulatrices. Qui veut muser les quoi de la toile? Il y a certains quoi de la toile, ils font plus de direct que moi, la Bamileke. Même Fleur de Lille ne font pas plus de direct que certains quoi de la toile. Du Camé Bamileke, qui veut le museler? Tout simplement dit qu'ils ne sont plus avec lui. Ils ont le droit de couper les ponts avec lui. Personne ne l'a muselé. Coucou Léontine, merci beaucoup. Personne ne l'a muselé. Comme Nana dit, ils ont fermé le robinet. Marc Larose fait les directs tous les jours. Elle n'est pas Bamileke. Vous parlez de tribalisme, pourquoi? Ceux qui me suivent là ne sont pas Bamileke. Il y a beaucoup qui ne sont pas Bamileke. Nelly Gono n'est pas Bamileke. Le tribalisme, c'est l'argument des faibles. Montrez-nous vos compétences. Tu excelles à quel niveau, compresseur? Tu excelles à quel niveau? Tu fais quoi sur la toile? Quel est ton rôle sur la toile? L'handicap, ton combat est où? Pourquoi tu parles de tribalisme? Quand tu es là, la présidente, on a parlé de tribalisme. Tu as parlé de tribalisme. Vous avez dit qu'elle était jamais à la présidence. Elle a parlé de tribalisme. L'âme des faibles, c'est le tribalisme. Il n'y a aucun tribalisme sur les réseaux sociaux. Je parle avec Marine Yarou. Elle est quoi? Un quoi me dit autochtone, hein? Ce n'est pas une insulte. Marine Yarou est quoi? Mais je suis avec elle au téléphone presque tous les jours. Yael Poncelet, elle est femme. C'est tous les mêmes gens là-bas. Le même côté du sud, on est les mêmes gens du côté de l'ouest. Ce n'est pas une histoire tribaliste. Je parle privé au privé avec plus de quoi que de Bamileke. Dans ma vie privée, je parle avec plus de quoi que de Bamileke. Les gens qui sont proches de moi sont plus des gens quoi? Belin, belin. Vous êtes des manipulatrices. Quand vous étiez ensemble, vous ne parlez pas de tribalisme. Pourquoi? Maintenant que les deux sont fait la paix, vous parlez de tribalisme à quel niveau? Hein? Talita Cortez, quand tu étais avec Flor, c'était bon à toi, non? Comme Talita dit. On vous servit le tribalisme que vous avez dans vos esprits, dans vos têtes. Nous, on va continuer. Ce n'est pas en criant tribalisme que tu nous arrêteras. Non. Non. Ce n'est pas en criant tribalisme que tu nous arrêteras. Parce que les Camerounais savent que tu es une manipulatrice. Tu es avec Fleur de Lille. Elle t'a tout donné. Ta type t'a abandonné. C'est eux les tribales. Oui. Parce qu'ils avaient dit que tu as fait la paix avec Bamileke. Ils se sont retirés de toi. Dès que tu t'es cata avec la Bamileke, ils sont revenus. Tu as les
700 partages. Les 700 partages. Mais tu fais les salles vides. Tu as même les 1000 partages, mais tu fais les salles vides. Oh, Patrick Fanda, mon frère, là. Coucou, Patrick, ma petite soeur Léa. Vous parlez de tribalisme, pourquoi? Les gens qui me suivent, les gens avec qui je partage mon intimité, ma vie quotidienne, sont plus les gens quoi? Comme du Ghana parlait de tribalisme, tu vas aussi parler de tribalisme. C'est voué à l'échec. Sortez-nous les concepts. Captivez le public. Soyez reconnaissants avec ceux qui vous ont dit. Donc, tu t'es entendu avec un mec, avec du camer, que parlons du tribalisme. Vous allez parler, mais on va continuer. Rien à foutre de tout ce que vous pensez. Le tribalisme n'amène nulle part. Il n'y a aucun tribalisme. Flore a fait la paix avec Lolo. Vous allez supporter ça comme ça. Vous avez voulu tuer monsieur et me Sam ici. Il n'y avait aucun Bamileke dans votre team. Merci beaucoup. Merci Rachel. Vous avez voulu tuer Rachel Ngontonien, lui Rachel. Vous avez voulu tuer monsieur Messan. Il n'y avait aucun Bamileke dans votre team. Je me suis levé en tant que Bamileke. J'ai dit non. J'ai dit non. Je n'avais jamais causé avec monsieur Messan auparavant. Arrêtez votre manipulation des affamés. Parce que les Bamileke, les abeilles, les sympathisants et les Bamileke sont dans la team des abeilles, on dit que on ne tombera plus dans le piège du compresseur. Vous étiez au téléphone que l'objectif, c'est de séparer Flore et Lolo. C'est la nature qui a voulu qu'elles soient deux Bamileke. C'est la nature. Mais il y a un pasteur supérieur qu'on apprécie tous. Il s'appelle Amour. C'est un vrai écam. Parce que la drogue de sirène dit qu'elle est écam. Elle est demi-écam. Lui, il est 100% écam. Il s'appelle Amour. Voilà Marine Yarou. Et quand 100%, je suis au téléphone avec elle tous les jours. Marine Yarou est là. Mon anglaise. Mais elle ne parle pas de tribalisme. Personne ne tombera dans ton piège, compresseur. Tu es une malheureuse. Tu es une ingrate. Tu es une ingrate. En lui, passant dans mon direct, elle est pas ça. Tu es une ingrate. Tu as de tuer monsieur Messan, tuer sa femme, dire du n'importe quoi sur elle. Merci Sandy La Force. Nous sommes levés pour dire non. Il a perdu son grand frère. Tu as dit qu'il a tué son grand frère. Il n'était pas une Bamileke. Tu as dit que ce n'était pas son grand frère, c'était son petit frère. Ce n'était pas une Bamileke. C'est toi la soeur de monsieur Messan qui le dit. Soit disant, tu es de Bicoque. Tu n'es pas de Bicoque. Tu n'es pas de Kikoque. Tu es Bakoko. Tu ne parles même pas bien Bassa. Tu ne t'exprime pas bien Bassa. Tu n'es pas Bassa. Tu es Bakoko. Les 100% Bassa, on les connaît. C'est Nadège Mbapa, les Ngombapa, les filles de Bapa. Voilà les vrais Bassa. Quand on dit que mon veut Yomi 2, on sent que c'est une vraie Bamileke. Les Ngombapa, voilà les vrais Bassa. Les Messang, on dit que lui, voilà un vrai Bicoque. Tu n'es pas Bassa. Bamileke qui a voulu mettre son frère sous terre, c'est toi. C'est toi qui as dit à monsieur Messan que tu as mis Flore dans la poche. C'est pas une Bamileke qui l'a dit. Laissez le tribalisme. Oh, Karine, coucou Karine, j'espère que tu vas bien. Nana, laisse. Personne ne tombera dans ce piège. C'est la paix qui vous dérange. Que tu as quoi? Attendez, je vais lire le commentaire du gars assis. Il dit quoi? Attendez, je vais lire son commentaire. Je savais. Des manipulateurs. Clarisse et les gars, elle ou quoi? Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien du tout, vous ne parlez pas. Vous ne faites rien. Elle est quoi? T'as ah, on s'en fout, c'est une quoi, dis donc. Regardez-moi des petites personnes. Regardez-moi des petites personnes. Clarisse Eyenga est quoi? Vend ses gelules.
vends ces gélules. Oh, vous, les quoi, les, toutes les quoi, le petit groupe de femmes tribales, vendez les gélules de Clarisse Yenga. Tu as tapé pour tout pas de ta soirée. Vendez les gélules. Tu n'as même pas pu vendre les articles de ta patronne. Tu n'as pas pu porter le projet de ta gluta boss. Tu n'as pas pu. Tu es nul partout, compressant. Tu es nul de A à Z. Vends les gélules de Clarisse comme elle est quoi. Les Camerounais ne sont pas. Les Camerounais ont faim. Ils n'ont pas le temps du tribalisme. Les Camerounais ont faim. Ils n'ont pas le temps du tribalisme. Si on met Bamileko le corps au pouvoir, ça ne veut pas dire que Rêve Mbiaye sera forte, sera riche. Parce que c'est le président qui peut bien que au pouvoir, mais il y a beaucoup de bouffes qui sont pauvres jusqu'à. Il y a beaucoup de Rondo qui sont pauvres jusqu'à. C'est le papa Nyat qui est après Paul Biya. Il y a beaucoup de barantés comme moi qui n'ont rien. Le tribalisme ne mène nulle part. Donc laisse l'affaire de Clarisse Yenga. Tu t'accroches au tribalisme. C'est les deux Yamsehora. Tu es nul, compresseur. Et tout ce qui t'entoure sont nuls. À aucun moment, tu n'as fait la puissance de Clarisse Yenga. À aucun moment. Et je sais qu'elle m'écoute. À aucun moment, tu n'as fait la publicité de Clarisse Yenga. Aucun moment. Et tu oses dire que tu la soutiens dans le aide-moi à détester. Un aide-moi à détester non productif. Oh, quand elle fait le aide-moi à détester avec Flo, je sais que derrière, j'aurai quelque chose. Mieux encore, je veux dire qu'elle ait des amis bambiliqué. Même pas hypocrisie, ayez. Même pas hypocrisie et chacun de vous un ami bambiliqué. Vous avez compris quoi? Et un ami bambiliqué. Un ami bambiliqué que vous voyez bosseur et le comme ami. Même pas hypocrisie. Restez à côté de lui. C'est un conseil que je vous donne. Bon, moi, c'est pas bambiliqué. Je ne me cherche pas comme ami parce que moi, je ne connais pas. Et des vrais amis bambiliqué. Vos vies changeront. Moi, je suis une quoi? Si on va à l'Ouest, si pour autochtone à l'Ouest, je suis autochtone à Kribi. Il y a les Kribiens qui ne sont pas plus autochtones que moi. À Kribi. Il y a les Kribiens qui ne sont pas plus autochtones que moi. Qui ne sont pas plus autochtones que mon grand frère. Mon grand frère, c'est un Kribien dans l'âme. Je vais vous raconter une anecdote. Mon grand frère travaille à l'époque au bateau. Je voulais parler de ça une fois. Il est tombé dans l'eau. Vous imaginez, tu es loin au bateau. Tu tombes dans l'eau. Les maïs m'attendent, on dit que rentre. On a dit que tu rentres. On ne te veut pas ici. Les maïs m'attendent, dit à mon grand frère que rentre. J'ai dit, on l'a joué au bateau. Vous savez où les bateaux sont, non? Il est quitté en haut. Il voit ce qu'il cherchait là-bas. Il est tombé. But! L'eau l'envoie. Mais quand tu tombes, ça t'envoie jusqu'en bas. La profondeur de ça. Mon grand frère, m'a vu comme il est. Les maillots attendent, ils ont dit que tu viens chercher quoi ici? Rentre. On ne te veut pas. Mon grand frère, avec, il avait le torchon pendant un mois parce qu'il avait les nausées. Un mois de nausées. Il crachait un mois, un mois, un mois, un mois. Vous avez compris? Il est tombé dans l'eau. Les autochtones de Kribi ont dit à mon grand frère qu'on ne te veut pas ici. Rentre à la maison. Il est rentré. Il est remonté. Son ami Kribi est tombé dans l'eau pour le sauver. Mon grand frère l'a attrapé. Il dit, Biaï, calme-toi. Si tu me sais, si Biaï, on meurt nous deux. Oui, je suis là. Tu nages, je nage. Mais si tu me sais, on meurt. Mais qu'on veut te sauver, laisse-toi aller. Biaï, ne t'agis pas. C'est le gars qui nous racontait. Bien et doucement, mon grand frère était paniqué. Le gars a pris, il a arrêté. Ils sont remontés. Sain et sauf. De suite, plus autochtones. Et suite, plus quoi à Kribi. Un quoi à l'ouest. Tu n'as rien à dire. Oh, le tribalisme. Vous allez l'heure. On va vous compter. Je dis que c'est vous les gens, on va vous combattre. Nous et les Kang et les boules qui sont avec nous, et les Adrienne, on va vous combattre.
Vous ne pouvez pas. Vendre les genoux de Clarisse Yenga. Tous les gens qui crient le tribalisme là, vendez les genoux de Clarisse Yenga. Vendez les genoux. Vous criez au tribalisme. Vendez les genoux de Clarisse Yenga. Nous, on a vendu. On a fait pour nous. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des escrocs. Prouvez-nous aussi que vous êtes forts. Que vous êtes des bons commerçants. Montrez-moi votre capacité commerciale. Vendons-vous. Le blabla, blabla ne sert à rien. On a prouvé notre force de frappe. Elle a vendu les élus. Le monde entier a confirmé. Vendons-vous. Prouvez que vous êtes des gens forts. Regardez-moi ces connasses et ces connasses. La première connasse, c'est Ngondian. Maléba. Après, vous avez dit que vous n'êtes pas tribaliste. Nous sommes. Après, c'est ce que vous allez venir. Je suis fatigué de vous dire ça. Je suis tribaliste. Coupe la partie si tu amènes ça où tu veux. Compresseur, rêve bien, il est tribaliste. Bien, coupe ça, tu amènes ça où tu veux. On en a marre de se justifier. Rêve bien, je suis tribaliste. Bien, amène ce que tu veux. C'est quoi? Vous voulez fatiguer les gens sur les réseaux sociaux, le mot là tous les jours. Oh, le tribalisme est monté. Tu as proposé quoi sur les réseaux sociaux? On a rejeté. Elle a dit qu'elle sort du clash. Elle veut être gérie. Elle veut être dans l'événementiel. Elle clash de moins en moins. Lolo clash de moins en moins. On ne les voit pas. Je suis tribaliste. J'ai dit ça. Tu n'es pas contente de nous. Fais ce que tu veux. Vous êtes fatigués. Lolo a vendu les genoux. On a vu. Vends ta part. Vends. Prends les genoux de Clarisse Yenga, tu vas en voir. Personne ne veut. Dès que tu comptes ton image à quelqu'un, c'est taper poteau. Ah oui, Vonvon Smith, 30 personnes. Un samedi, tu as tapé poteau. Tu veux me parler de tribalisme. Entoure-toi des gens compétents qui vont t'aider dans ton blog. La plupart des gens qui achètent mes mèches, ils ne sont pas les bamiliqués. Les gens qui achète mes boubous, il n'y a pas que les bamiliki. On ne m'appelle pas que rêve, comme tu as dit que je suis. Les gens qui achètent mes. Il y a une dame qui a pris 3 boubous, elle n'est pas bamiliki. Comment ça s'appelle? Elle a pris 3 boubous, elle n'est pas bamiliki. Il y a plein comme ça. Elles ne sont pas des bamiliki. Elle a pris 3 boubous aujourd'hui, mais elle n'est pas bamiliki. Pourquoi vous dérangez les gens? Je suis bamiléqué, je suis tribaliste, va-t-y. On va s'expliquer tout le temps avec vous. Que non, on va s'expliquer. Flo, ta pied t'a aimé, non? Flo a laissé sa soeur. Elle t'a pris, non? Elle t'a tendu la main, non? Elle a aux États-Unis, elle revenait avec les cadeaux pour toi, oui ou non? Elle a invité ses abeilles à te lever, oui ou non? À te donner des étoiles, oui ou non? Elle a fait des directs pour lever des fonds pour toi. Oui ou non? Ce n'est pas le tribalisme, petite ingrate. Ce n'est pas le tribalisme. Pourquoi tu parles de tous les bamilékés? Flo était contre sa soeur bamiléké, vrai ou faux? Elle revenait avec des cadeaux pour toi, vrai ou faux? Elle t'a proposé un maquilleur. Elle a mis tout à ta disposition pour sa soirée. Elle t'a pris au petit soin. Ce n'est pas le tribalisme. Elle a demandé à ses amis de t'accompagner. Ils ont cotisé plus de 2 500 €. Et le tribalisme, tu ne parlais pas de tribalisme à ce moment-là. Elle est venue t'assister chez toi quand tu étais malade. Elle a fait le ménage. Tu as eu plus de 35 000 étoiles pour la toute première fois de ta vie grâce à Flo. Ce n'est pas le tribalisme. À ce moment-là, tu ne pensais pas au tribalisme, petite conne. Idiote. Va payer les gens, même m'insulter. Petite conne, idiote. Les gens qui veulent t'élever, c'est toujours eux que tu détruis. Tu as voulu détruire le couple Messang. Tu as voulu détruire le couple Messang. Ils t'ont tout donné. Si tu avais ta patronne, c'est grâce à Messang. Il a pris sa voiture, laissé ses enfants pour venir honorer la signature de ton contrat. Il a laissé sa femme, ses enfants à la maison. Il a conduit, la rouler jusqu'au lieu de la signature du contrat pour t'honorer. Il a voulu rehausser l'événement.
Karine Richaud fait l'endop, elle vend. Elle est bamileke. Elle nous soutient. Elle est bamileke. Parce qu'elle soutient la vérité. Karine ne va pas toujours être avec nous. Quand elle voit que tu as toi, elle ne parle pas. Et moi, je suis ce genre de personne. Karine a vu qu'on a eu des problèmes avec Mère Daloi. Elle a dit à Mère Daloi que l'homme ne t'a rien fait. Il ne peut pas te soutenir. Karine Richaud a dit à Mère Daloi que si j'ai vu le début de ce problème, attaque-toi à Reyes, mais parle. Tu ne peux pas te soutenir. Elle était juste. En retour, tu as dit à ton grand frère que tu as mis Flore dans la poche. Même t'excuser, tu n'as pas pu. Un but de ta personne. Même t'excuser, tu n'as pas pu. J'étais bloqué depuis. Les sujets, vous avez dit que vous avez des sujets. Les sujets qu'il faut en parler, vous n'en parlez pas. Vous cherchez à savoir si Maléba a mangé ou je peux, elle n'a pas mangé. Ah, tu vas qui parle de toi. Vous cherchez à savoir si le gars de Maléba est parti ou il n'est pas parti. Où il est reparti ou il est revenu. Non, on veut que tu restes avec le gars là. La tension là doit seulement augmenter. Oui. Quand tu es mal dans ton couple, c'est normal que tu es né. Non, on ne veut pas. Qui veut que tu. Qui veut qu'il go? Franchement, tu crois vraiment qu'on veut qu'il te laisse. Il va aller où? Tu as vu Tatiana comment elle est banni? Coucou Lili de Dieu. Tu as vu comment Tatiana Koni est épanouie. Qui veut qu'il te laisse? Franchement, tu crois vraiment qu'on a le temps à perdre de s'occuper hein? Si ton gars est parti ou pas? Si je parlais de ça, parce qu'à l'époque, tu parlais de mon soi-disant gars qui était mon cousin. Merci Alessandra, Aléandra, le fils de Flore et Bassa. Je suis rêve de Bicoque. Je suis rêve de Bassa. Je suis la femme de Bassa. Vous m'avez pas donné un mari sur Facebook. Je suis la femme de Bassa. Je suis rêve de Bicoque. Hein. Dans notre histoire de tribalisme, là, arrêtez ça. Tout ce qui vous intéresse, alors qu'il y a des sujets là sur la table que vous devez parler. Hein? Vous voyez une jeune Camerounaise qui est en détresse. Qui pleure, elle demande de l'aide. Sa façon de pleurer, ça veut dire vous demande de l'aide. Qu'est-ce que vous faites pour elle? Rien. J'ai vu ici, dernièrement, m'envoyer les vidéos. Un jeune Camerounais qui a été tué en Allemagne. Qu'on a ôté sa vie comme ça. Personne, les plus grandes influenceuses, personne n'a parlé de ça. Ça ne sait. Ouais, l'angassier est malade. Pourquoi on parle même d'elle? Ta bouche, rien. Pas parce qu'il ne gagne rien dedans. Personne n'a parlé. J'ai entendu voir longtemps. C'est que personne n'a parlé. Elle dit qu'il y a un Camerounais qui est décédé personnel. Elle attendait voir si on va parler. Tu travailles pour nous. Tu fais ton blog en fonction de nous. Nous, on a parlé de ça correctement et bien. Autorité allemande fera le travail. Ce n'est pas un Allemand qui l'a tué. C'est un Africain, il paraît. Non, c'est un Turc. La loi sera. Dites, nous sommes en Allemagne, man. Donc c'est nous qui devons parler de ça. C'est le nom et Flore, le plus grand blogueur. Toi, tu faisais quoi pour ne pas en parler? Elle dit qu'elle attendait, elle guettait. Elle dit qu'elle guettait pour voir. Ouais, la copine de Thierry, c'est bête. Elle dit qu'elle guettait pour voir si on en parle. Tu fais ton blog à fonction de Flore. Tourbillon, c'est qui ça, Tourbillon? Hey, c'est encore qui ça? Tourbillon, quoi là? Ça va vendre, hein, Mais elle ne peut pas parler, princesse. Toi-même, tu n'es pas influenceuse. Vous écoutez l'angassi, je suis dépassée. Ne lui pas ça. Elle dit qu'elle guettait pour voir qui va parler. Elle dit que je guettais. Ouais, Floyd, non, vous avez fait quelque chose, hein? Pendant la paix que vous avez créée sur nous, si. Non, ce n'est pas facile. La paix, si. J'ai entendu voir longtemps si quelqu'un allait parler. Moi, je voulais parler de ça, mon ACF. C'est vrai qu'elle est sous tutelle de Thierry. Elle dit qu'elle a entendu voir longtemps si quelqu'un allait parler. Elle dit qu'elle est engagée sous tutelle, vrai, vrai. Elle dit qu'elle a attendu voir longtemps ce qu'elle allait pas.
Donc, elle tape PDG Fleur de Lys, elle n'a pas parlé. Elle gauche, elle tape, elle ne parle pas. Elle revient le lendemain, elle tape, elle ne parle pas. Mais parle, non? Ou alors, tu attendais quoi? Tu attendais que tes impacteuses parlent d'abord pour que tu parles aussi. Tu attendais que t'impactes comme d'habitude. Tu attendais que Fleur de Lys t'impacte pour que tu en parles. Ou que Lolo t'impacte pour que tu en parles. Il fallait parler. Elle m'a donné la raison. Je me dis pourquoi il n'a pas en parlé. Là, je passe, je t'ai dit, je fais un concours pour arriver où je suis là. Elle dit qu'elle voulait en parler, mais sa page est bloquée. Ta page est bloquée, tu t'exprimes où maintenant là? Tu t'exprimes sur quelle page là maintenant? Je voulais en parler, ma page est bloquée. Tu t'exprimes où là maintenant? C'est sur une page. Je suis là. Personne n'a parlé. Personne, ça n'intéresse personne. Qui veut la perruque? On va s'intéresser seulement que oh, Maléba, le gars, il était avec Juliette, ils sont partis, ils ont dansé, où ils ont sauté, où ils sont allés dormir. Écris-moi une après, on baisse, vient non? choper l'autre. C'est tout ce qui les intéresse. Écris-moi une La vie baisse. de Maléba. La vie de Maléba, ça intéresse. Quand je vais dire que je suis votre star, vous allez dire que non. Tu es la star. Ce n'est que la vie de Maléba qui vous intéresse. Tu es la star de qui, ma soeur? Quand je te regarde, tu es la star de qui? Franchement. Compression. Quand tu te regardes, tu es la star de qui? Parce que tu as mis une robe hier. Écoute, ce sont les 500 euros de Tiama Fou qui t'ont aidé. Tu as mis une robe hier d'AliExpress. Tu mets une robe argentée. Tu mets une chaussure argentée. Et tu tiens un sac à main couleur or. C'était out. La robe argentée a sorti avec la chaussure. Le sac à main ne donnait pas. Mais tu as mis une robe argentée. Parce que le général Lolo nous a mis le prix sur AliExpress. Hein. Tu peux vraiment impacter la vie de qui? Quand tu mets une robe argentée, chaussure argentée, le sac à main doit être pareil. On ne met pas l'or et l'argent. On ne donne pas. J'ai mis une tenue jaune. Je vais mettre les boucles or. Ben ça tire un peu. Je fais le jaune. Je mets le bracelet, la montre qui tire un peu dans le jaune. Je ne peux pas mettre quelque chose d'argent ici, là. Ça ne donne pas. La robe de Shine, AliExpress, merci, Jane Mercedes. Tu peux être la star de qui? Tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas écrire. Tu n'as pas les formes d'une gars. On va dire que forme généreuse, tu seras la star. Tu peux être la star de qui? Tes seins sont refaits. Tu n'as pas les fesses. Tu n'as rien. Tu peux être la star. Tu peux bien me partir avec quoi? En quoi? Tu m'impactes. Tu ne m'impactes pas. J'étale juste tes insuffisances. J'étale tes insuffisances. Et si tu m'écoutais, tu allais beaucoup corriger certaines sorties. Ça entre ici, ça sort là. La robe de Shine, qui est sur notre star. Tu as passé tout un direct à parler de Lolo. C'est ta star. Ce direct, ce nom de Lolo dans ta bouche, au nom de Guylaine, tu m'impactes qui? Ou on te donne un moulinet, tu viens montrer. On ne sait pas les noms. On te met un mixeur, il y a un mixeur. Tu viens montrer, j'ai reçu le mixeur, tu montres, tu viens partir qui? C'est ce que nous on reçoit. Que quoi, Waris? Chez nous, les baratés, nous sommes à la noblesse, les gars. Tu viens baratés depuis quand? Hein, Waris? Tu viens partir quoi? Alors que Clarisse et Yéga pleurent. J'ai entendu ça hier. Ça m'a Oh, les fendu le cœur. Oh, Yvette. Elle n'importe avec quoi, Yvette, ma Ça m'a soeur. fendu le cœur. Elle n'importe pas. Quand je l'ai entendu pleurer. Elle va pleurer. J'ai appelé Nico et dit à Nico que pardon, tout le monde le numéro de Clarisse et Yéga, s'il te plaît. Même elle a sa page où elle peut se battre. Pour faire ses lives, vendre, mettre Ah, les son père témoignages, écouté. pour donner le pain, le payer à ses enfants le matin. Vous voulez seulement tuer ça. Que donc, le domaine. C'est-à-dire, vous, quand vous voulez seulement que la personne n'existe plus. Pourtant, vous avez mangé derrière elle. Pourtant, vous savez très bien que vous avez son argent dans le ventre. Il en fiche le camp. Fiche le camp, compresso. Vendez les genoux de Clarisse. Et tu veux que ces enfants ont quelque chose dans leur plat, vend ces genoux. Tu es une petite jalouse incompétente, incapable.
tu es incapable. Vends ses genoux. Montre-lui que tu l'aimes en vendant ses genoux. Tu es incapable. Tout ce que tu touches, c'est l'échec. C'est ça qu'elle a peur de te proposer. Elle sait que si tu vends ses genoux, ça sera échec total. On a vu ça avec ta patronne. Même si elle ne le dit pas, on peut ressentir le malaise. Ta patronne est mal parce qu'elle roule en perte. Être une ambassadrice, c'est porter un produit. Être une ambassadrice, c'est porter un produit. C'est respirer le produit. C'est vivre le produit. Tu fais les lives, tu ne parles pas de tes produits, de ta patronne. C'est ce qui t'intéresse beaucoup, ça. Même si on ne clash plus comme toi, Lolo ne clash plus. Aide Clarisse, montre-lui que tu l'aimes, franchement. C'est ça, t'as dit, ok. Montre-lui que tu l'aimes. Vends ses genoux, elle a besoin d'argent. Oui, parce qu'elle aura besoin d'argent pour les avocats. Elle aura besoin d'argent pour le système. Elle aura besoin d'argent pour les frais, les avocats, tout ce que ça comporte pour la procédure. Ce n'est pas ton blablabla qui l'aidera. Montre-lui que tu l'aimes en vendant ses genoux. Donc, dès demain, vends les genoux de Clarisse. On veut tout son bien. Je ne la déteste pas. C'est une Camerounaise comme moi. Mais c'est une petite malheureuse menteuse. Elle a menti sur moi. Elle m'a appelée, elle a commencé à saboter sa tante. Sa tante activiste. Celle qui est costaud, on l'appelle c'est qui là. Elle est costaud comme ça. J'ai tout ça dans mon téléphone, mais je ne mettrai pas. Ce n'est pas comme toi, Clarisse. Ta tante activiste là, qui soutenait le RDPC, c'est qui là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Tu as tout dit sur elle. Mais jamais je ne jouerai ça. Parce que c'est toute une famille. Je peux créer le trouble dans toute une famille. Elle ne te ressemble pas. Tout le monde connaît ta tante dont je parle. Elle était très active sur les réseaux sociaux. Elle fait aussi la couture. Je crois qu'elle fait la couture. Elle fait dans la couture comme Karine. Elle est styliste. Tu l'as saboté. Tu vas raconter toute sa vie. Mais je n'ai jamais fait ça. Parce que j'ai une éducation. Merci beaucoup, Berceau l'Afrique. Tu es une manipulatrice. Tu as saboté ta tante Berceau l'Afrique chez moi. Tu m'as tout dit sur elle. Tout dit. Comment ils n'ont jamais voulu t'aider? Ce sont les familles qui t'aident. C'est là, dans mon téléphone. Tous tes voix sont dans mon téléphone. Je te demande que c'est qui? Tu me dis que Berceau l'Afrique. Je dis, c'est ta tante. Tu m'as dit oui. Mais je ne te ressemble pas. Mais c'est toute une famille qui peut prendre feu. Ce n'est pas mon rôle. Tu es une petite manipulatrice. Donc, va voir Ngossa qu'elle va aller tes genoux. Vous fichez le camp aux gens. Ils sont fatigués de vous. Les mêmes problèmes tous les jours. Ta patronne, elle ne va que de perte en perte. On a vu à Aqua Palace ce que tu as servi à ta patronne. Échec total. Awa arrivé là-bas, elle n'a pas pu acheter les produits, même de 40 000, 50 000, rien. Échec total. Elle revient, elle va encore louer un gros Georges, quoi là, à Paris. Échec total. Elle ne va que d'échec en échec avec toi. J'aurais conseillé à ta patronne, mieux encore de travailler avec sa mère que de travailler avec toi. Elle a fait une erreur. Sa mère est encore mieux comme partenaire que toi. Tu es nul partout, compresseur. Tu es nul partout. Ta patronne, on peut ressentir le malaise. Elle en a marre de tes clashs. Tu l'as traîné dans la boue. Tu as traîné Amélie dans la boue. Elle dit que tu as traîné Amélie dans la boue. J'aurais conseillé, moi, Amélie, de travailler avec sa mère que toi. Parce qu'il est mieux concentré que toi. Sa mère est mieux concentrée que toi. Il fait plus de pub d'Amélie que toi. Elle aurait dû chercher un autre partenaire de crime, pas toi. Amélie paie avec toi. Même si elle ne le dit pas, on voit. Même si elle ne le dit pas, on voit qu'elle paie. La fréquence,
Amélie de parler de ses produits, et maintenant, on sent qu'il y a une grosse, un gros décalage. À cause de toi, Amélie est en train de peindre. Et je vais lui dire, Amélie, le business, vous êtes vraiment des business women. Je me demande si vous êtes vraiment des business women. Je me demande si vous êtes vraiment des business women. Amélie, excuse-moi, mais tu n'es pas une business woman. Tu n'es pas une businesswoman. Tu parles seulement. Les businesswoman ne se comportent pas comme tu fais là. L'ambassadrice d'une marque fait attention à sa réputation. Tu veux choisir ambassadrice, le sort de clash. C'est juste ça paye bien. Peut-être elle joue avec ta marque parce que tu ne payes pas aussi bien. Ça dépend. Peut-être tu ne payes pas bien. Vous savez, ton gars te méprise. Tu peux venir voir que ta ambassadrice, tu dois peut-être au moins 150 euros. C'est de la moquerie. Si tu vois Ngozi en tant qu'ambassadrice, tu vas commencer à partir de 1500 euros le mois. Ouais. Tu n'es pas une commerçante, Amélie. Ce n'est pas une injure. C'est une observation. Tu n'es pas une businesswoman. Parce qu'une businesswoman ne nomme pas une dame qui a une réputation aussi sale comme ambassadrice. Si vous voulez, on va sur Google, on essaie de comprendre c'est quoi une ambassadrice d'un produit. L'ambassadrice respire le produit, elle porte le produit, elle vit le produit, elle fait attention à sa réputation. La réputation de compresseur est souillée. Tu ne peux pas la prendre en tant qu'ambassadrice. Supposons que tu as voulu la sortir de là. On a vu une fois dans son direct, tu as appelé en plein live pour lui dire de partager le direct sur sa page principale. Tu l'attendais à quoi? Tu lui as dit de partager le clash contre monsieur Messan sur sa page. Compression, partage sur ta page principale. Comme elle est bête, elle obéit de baisser le volume. On t'a entendu. Tu as compris. Tu n'es pas une ambassadrice, Amélie. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi de faire demi-tour. Ne mettez pas la tête de mon mari. Vous avez fait sa publicité, je lis. Je ne suis pas en vous, ça j'ai lu depuis. Vous ne faites pas les filles, je lis. Tu vois, non. Tu n'es pas une businesswoman. Si tu donnais peut-être 1500 euros, elle allait passer son temps à parler de tes produits. J'ai compris pourquoi son gars te méprise. Le montant du contrat est insignifiant. J'ai compris pourquoi il te méprise. Parce que le montant du contrat est insignifiant. Soit tu augmentes, ou alors je te conseille de résilier ce contrat. Tu vas de pète en pète, ça se voit. Trop de dépenses. Trop de sorties que d'entrées. Ton bilan est négatif. Ton bilan est négatif. C'est d'un trop de sorties que d'entrées. Tu ne peux pas faire le commerce avec une clasheuse. Une clasheuse illettrée. On peut être illettré et vendre. Mais tu viens ajouter à ça le clash. C'est pas possible. C'est pas possible, Amélie. La femme que j'appelle businesswoman, c'est Karimo. Regarde les ambassadrices de Karimo. Amélie, regarde les ambassadrices de Karimo. Tu essaies de flop. Vous avez vu Minga, ma jeune soeur Minga, la chavane, reporter l'expliquer. Depuis que Minga avait Karimo, elle s'est rangée. Parce qu'elle respecte les clauses du contrat de Karimo. C'est ça où ça casse. C'est ça une businesswoman. Ce n'est pas le sentiment. Ce n'est pas le aide-moi à détester. Non. La businesswoman doit toquer à toutes les portes. C'est son porte-monnaie qui parle. Ce n'est pas tout le monde comme Vonvon qui peut faire le commerce. Regarde Karimo, ce qu'on appelle businesswoman. Regarde les ambassadrices de Karimo. Fais un tour sur le mur. Avant, la petite classe est terminée. Même MK Secret. Je dis MK Secret. MK, voilà. Elle est en train de se ranger.
Tu ne vois pas. Un cas signé un contrat. L'ambassadrice fait attention à sa réputation. On me prend ambassadrice, je fais attention à ma réputation. On m'insulte, je ferme les oreilles. Ça dépend de combien on te donne. Je ferme les oreilles. Donc, entre toi et Karim, il n'y a pas de match. Copie. Donc, quand je t'entends dire que tu es une business, je suis dépassée. Je me dis, mais est-ce que Amélie, c'est ce qu'il veut dire, être une business woman? Est-ce qu'Amélie connaît la portée de ce mot, business woman? Tu n'es pas une business woman. Sors des clashs, Amélie, et vends tes produits. Tout ce que tu racontes là, que oui, je suis la boue, fait que tu es dans la boue. Non, te piétine. Tu as voulu qu'on te piétine, on te piétine. Tu sors, on t'esquive. Tu nous esquives, on t'esquive. Mais tu veux que tu me piétines, on te piétine propre. On patauge avec toi. Tu ne peux pas prendre une illettrée. Parce qu'elle est illettrée, c'est le mot. Elle n'est pas envoyée. Je ne vais pas demander de refuser l'école pour aller traiter avec les bandits de Mokolo. Tu ne peux pas prendre une illettrée et une clasheuse pour faire le commerce, Amélie. Amélie, tu ne peux pas faire le commerce avec une illettrée et une clasheuse. Tu peux dire, bon, elle est illettrée. Elle retient tout le Congo sur le Facebook. C'est comme ça qu'elle pouvait aussi retenir. Qu'est-ce que c'est le produit que tu vends? C'est quoi la composante? Qu'est-ce que c'est ce produit? Tout le Congo sur le Facebook qu'elle retient. Donc, si elle prenait le temps d'étudier ton produit, elle pouvait nous le présenter sans problème. Elle connaît en quelle année ma fille est née, hein, comment son père est béninois buveur. Elle connaît comment Lolo, ma chère, elle connaît tout. Elle est au courant de tout, elle retient tout. En telle année, tu avais fait que tu as publié ma mère en telle année. Pareil, elle peut retenir tes produits. Mais elle ne veut pas. Tu as tout le fait faillite. Tu vas de perte en perte. Ça se voit. La gêne se lit sur ton visage. La gêne se lit quand tu fais les jeûnes, les directs. Tu n'es plus Amélie d'avant. La déception peut se lire. Tu es totalement déçue. Aie le courage de le dire. Parce que, figure-toi, parmi les blogueuses, il y a celles qui ont le cerveau, qui peuvent te comprendre. Ouais. Parmi les blogueuses, il y a celles qui ont le cerveau, qui pourront te comprendre. Il est temps pour toi de dire stop. C'est parce qu'on va te flatter en faisant la bosse. Il y a mes bosses ici. Hein. Je n'ai pas cité les noms là. J'ai des bosses. Même si je n'aime pas qu'ils les appellent les bosses. Il y a des bosses là. Qui ne veulent même pas qu'on dise. Ne sois pas flatté par ça. Sois flatté par le rouge. Ne sois pas flatté par les paroles éphémères. Ma bosse. Sois flatté par le rouge. Tu me donnes combien? Tu me rapportes quoi? Toi, compresseur, tu me rapportes quoi? C'est quoi le bilan? Qu'est-ce que j'ai gagné avec toi? Si tu n'as pas gagné avec elle, ferme la porte. Va toquer chez Flore, toque chez Moulou, ou alors tu retournes chez Messa. Le commerçant n'a pas honte. Non, maman, bam, c'est là. Tu l'insultes. Elle dit, ouais, ma fille, tu veux le macabre de combien? Oh, la mère, oh, ouais, ma fille, parle seulement, tu achètes mon macabre. C'est ça, la commerçant. C'est un peu comme moi, mais elle n'a pas honte. Si tu te caches ma fête, elle vend ma péora. Je ne gère pas les détails. Elle m'appellerait même bien avec ma péora. Ça coûte combien? Tu vas acheter. Tu me laves bien, me paye, c'est ma péora. Mon problème, c'est quoi? Insulte-moi comme tu veux. Mais si tu vas acheter ma péora, je veux vendre. Si tu te caches, je vais payer le boubou, je vends. Elle me lave pas, je rigole au téléphone avec elle. Rêve Bina, ton boubou là, c'est combien? Mon boubou, c'est tellement. Tu me fais mon transfert, je t'envoie ton boubou. Et je mets un petit cadeau à l'intérêt. Commerce. Vous avez fait la part des choses. Le commerce, c'est ça. Sors dans ça, Amélie. Sors. Tu es mal à l'aise. Coucou, Amalia. Coucou, Ghislaine. Qui va intervenir, les filles? On va. Sors dans ça. Tu vas de chèque en échec. Tu vas donner tes produit à mettre dans la loi, on n'en parle plus. Tu t'es retrouvé dans quoi, Amélie? Tu t'es retrouvé dans quoi? Même mettre dans la loi ne peut pas être ambassadrice. N'essaye pas.
N'essaye pas. Sur les réseaux sociaux, quand tu veux montrer que tu es en te suce, elles vont bien te sucer. Après, te... voilà pour que là, qui dépense, non. Hôtel, avion, hôtel, avion, hôtel, ceci, elle dépense. Qui te donne? Si tu veux montrer que tu donnes à prendre, sors dans ça. Tu es entouré de paresseux, d'oisifs. Maléba, c'est une oisive. Elle n'a jamais rien fait de sa vie. J'ai cru qu'avec toi, elle pouvait changer. Vraiment se lancer dans le monde de la vente. J'ai été très déçue. N'aie pas le courage, n'aie pas peur de dire que grand frère, mon frère, mais ça, faisons la paix. Même les frères, même ils font des problèmes. Mais le classe que tu fais à monsieur, mais ça, que tu dis que tu vas doubler là, on n'a pas peur de ça. On t'attaque. Nous sommes assis par terre. On te voit. Nous, les bicoques là, on t'attaque. Tu vois que tu vas tripler avec lui, non. On t'attend, nous sommes assis. Nous sommes avec monsieur, c'est à la gare. Si tu réveilles à de bons sentiments, nous sommes ouverts. Parce que nous ne sommes pas des ennemis. Mais le classe que tu veux faire avec lui, là, nous sommes préparés. La veille, c'est dans 2 semaines. Lance les hostilités. Nous sommes prêts à tout moment. Tu ne vas pas les toucher. Oui. Tu ne peux pas. Bon, Amélie, sors dans ça. Go, ça te fait perdre. N'aie pas honte de prendre une autre blogueuse comme ambassadrice. Tu es une connaissante. Quand Karim au choisir, tu n'appelles pas quelqu'un. Karim au s'assoit, il dit qu'il te prend l'ambassadrice. Il y a des conflits. Il n'y a pas le clash. Ne réponds pas aux clients qui m'insultent. Même si on dit que mes produits gâtent la peau, ce n'est pas ton problème. J'ai un service commercial pour ça. Ne bagarre avec un client. J'ai un service juridique pour ça. Ce que je te demande, c'est de porter mon produit. Ce que je te demande, c'est d'être la vitrine de mon produit. T'as dit quoi la vitrine? Quand on voit mon produit. Tu dois être belle, présentable, élégante, attirante. On a envie de te sucer. On n'a pas dit que viens pas avec bien parce qu'elle a dit que les produits, l'autre ne parle pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, Amélie, tu as écouté. Ne te déteste pas. Parce que vous savez, nous, on n'est pas la reine. Parce que nous avons la possibilité de faire ce que nous ne pouvons pas faire. J'ai la possibilité de faire ce qu'elle ne peut pas faire. Vous savez, je n'arrive pas à vous haïr. Sors dans ça. Triche le bon exemple de Karim. C'est la boss lady. Triche le bon exemple de Karim. Tu as entendu Karim aussi s'asseoir. Oh, vous avez dit que mes produits ne marchent pas. Vous avez dit que mes produits, et vous pouvez que mes produits, oh, le produit de tel ne marche pas. Voici l'huile ici. Je mets le papier, ça ne donne pas. Non. Il y a des techniques pour faire les gens aimer ton produit. Il y a des techniques. Tu vois mes petites vidéos TikTok et faire mes perruques là, ça fait les gens aiment beaucoup. Hein. Il y a des techniques pour faire les gens aimer ton produit. Tu ne parles pas beaucoup. Ne crie pas trop. Ne vais pas t'asseoir là, faire les manières. Les manières ne vendent pas. Amélie, les manières. Ah, monsieur, ça ne vend pas le produit. N'aie pas honte de prendre qui tu veux comme ambassadeur. Ne gère pas le retour. Mieux encore, ça met que Maléba. Mieux encore, ça met. Une commerçante ne gère pas le retour. N'aie pas honte de toquer à la porte de Flore de Lille. Que Flore, est-ce que je peux être ambassadrice de mes produits? N'aie pas honte de toquer chez Lolo. Lolo, c'est vrai qu'on a craché sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux être ambassadrice de mes produits? N'aie pas honte de toquer chez une Congolaise, une Ivoirienne. Tu cherches ton cap. Je te dois, je te déteste que tu m'as fait quoi? Tu m'as tué qui? Personne. Donne-moi les conseils. Tu n'es pas, tu as choisi une mauvaise ambassadrice. C'est ça, Adi. Tu n'es pas une bonne ambassadrice. Et là, comment faut faire la publicité de son événement? Tu as envie de go, de go. Tu as envie de go. La publicité de l'événement, tu as envie. Tu attends seulement le 2 novembre. Là. C'est tous les blogueurs, tous les ceci, tout va tout se retrouver. Tu as envie d'y être. Sors dans ça, Amélie. Qu'est-ce que tu vas dire
Bible me semble qu'on n'a pas encore entendu. Tu dis que tu vas triper le clash. Vends tes produits, ma. Vends tes produits. Et arrête de clasher les autres vendeuses. Tu n'as jamais vu Karim faire ça. Concentre-toi sur ton produit. Prends le temps pour ton produit. Investis pour ton produit. Mais le bon investissement. Le bon investissement. Sans conseil. Il y a une dame qui dit que tu veux qu'elle te prenne pour 500 euros. Elle le lève demain de plus de 500 euros. Il vend mes boubous, ma chérie. Il vend, il me fait un petit argent. Tu as compris? Amélie a fait un mauvais choix. Et ça se voit qu'elle est mal à l'aise. Ça m'a fait plus de publicité que Ngondiane. Elle, c'est le ventre, pas plus. Ça se voit qu'elle regrette. Von Von Smith. Victorine, ça se voit qu'elle regrette. Tu regrettes. On a vu les ambassadeurs de Guinness perdre le contrat pour un tout petit dérapage. Quand on commence petit, on imite les grands. Quand on commence petit, on n'imite pas les petits. On imite les grands. Non, Angélie dit qu'elle parte là-bas voir son frère, me semble. C'est le commerce, ma soeur. Pour voir Flo ou Lolo, elle part voir son frère, me semble. C'est le commerce. Ne mettez pas les émotions dans le commerce, ma soeur. Moi, je suis commerciale. Je ne peux pas m'entendre avec les gens qui ne sont pas commerciales. C'est le commerce. Quand c'est fort, même les gens, bien dit que même les frères, même, font les problèmes. Comment le font les amis? Ça s'arrange. Tu appelles ton frère, tu dis que mon frère, on s'est chamaillé. On s'est sali. Tu demandes pardon. Je suis allé chez l'Angalais, mais si ton don fait comment? J'ai envie de choisir une blogueuse là. Même si c'est une Ivoirienne. C'est le commerce. Dans le commerce, ne dis pas que non, pas cher. Non, c'est le commerce. Le monde, c'est-à-dire que Facebook est large, il y a la place de tout le monde pour vendre. Elle regrette. Ça se voit qu'elle paie, non? Vous ne voyez pas, elle paie depuis. Il faut aller au restaurant, vous vous ramassez, on dit salon, machin, il vient se verser, et il faut qu'elle paie la facture. Mais non, tu perds, c'est pas ça le commerce. Tu entres, tu vas, c'est une grosse paie. Pourquoi que les patrons s'en foutent de dire qu'il y a une seule fête de fin d'année? Hein? Les chefs d'entreprise qui a une seule fête de fin d'année. Il y a un seul douzième. On double le mois de décembre une seule fois l'année. Quand les patrons sont fous, ils vont regarder qui vous amène au restaurant tous les jours. Hein? Tu as vu un patron t'amène au restaurant tous les jours, tous les mois, restaurant sur restaurant. Une vendeuse ne clash pas. C'est juste celle qui a la marque. Moi, voir les petits, tu peux clasher. Quand tu es une marque, tu ne clashes pas. Flore représente Courage Cameroun, sont les blancs. Elle n'est pas clashée comme elle clashait avant. Regardez même Lolo, est-ce que Lolo clash encore? Parce qu'elle a entouré des gens qui veulent qu'elle sorte dans ça. C'est le commerce, maman. Si c'est fort, le clash a dit qu'elle veut refaire avec monsieur Messan, là, Amélie, nous on va te piéter dans la boue. Hein. Si c'est fort, elle a le courage de dire à ton frère. Ben, c'est ton beau-frère, il a épousé ta soeur de Babimbi. Et le courage de dire à ta soeur de Babimbi que ma petite soeur, j'ai fait avec ton mari, je suis allée loin, excusez-nous, excuse-moi. Tu sors dans la saleté là. Tu ne peux pas gagner ça, Amélie. Tu ne peux pas. Sors dans ça. Pourquoi que la peur pas faire la paix? Pourquoi sont les gens qui étaient ensemble? Ils sont dans une même association. Elle peut débarquer même au deuil de Messan là-bas, à Paris. Il va la chasser. Si elle débarque à la veille, il va la chasser. Messan va tuer qui Amélie. Elle est venue mentir depuis qu'elle a faim. Quand on a saboté mes produits, on a saboté ma pâte. Donc, comme tu fais le cosmétique, donc, ça va m'empêcher de vendre aussi le cosmétique.
Hein? Donc, quand tu vends les produits cosmétiques, je dois aussi vendre des produits. Bah, tu es qui? Quand tu vends les perruques, je dois vendre les perruques. Bah, tu es qui? Non, elle est en train de tourner en perte, mes soeurs. Hein? Le couple t'a fait quoi? Rêve dans ce point, c'est le couple qui a ouvert la porte. Il a ouvert la porte avec quoi? Il a ouvert la porte avec quoi? C'est elle qui est venue commencer à provoquer le couple de jumelles en direct devant tout le monde. Que le couple de jumelles signale sa page parce qu'ils veulent faire dans le cosmétique comme elle. Dans les cosmétiques, pardon. C'est elle qui a commencé sur Meta. C'est toi, Aminata. Nous, elle est bon. Merci, Carole Bouen. Moi, je suis comme ça, hein, Carole. Je ne changeais pas ma personnalité. Je suis comme ça. Je ne suis pas en hypocrisie des gens, là. Ça se voit que cette femme perd. Si c'est mauvais. Par exemple, tu vois, tu fais des petites caresses à Fleur de Lille. Tu fais des petits mots à Fleur de Lolo. Tu veux lancer les mots gentils. N'aie pas peur, Amélie. Personne ne... n'aie pas peur. On voit ton mal-être. On lit la déception. C'est toi qui es venu commencer le couple médecin. Le couple médecin est au restaurant. Tu es dans tes clashs. On est témoin, non? Deuxième clash, tu as clashé Madame Messin. Clashé sa mère. On n'avait jamais su que sa mère avait mis son pied en bain. Tu avais lavé sa mère correctement et bien. Il ne répondait pas. C'est toi qui as commencé. N'aie pas honte, merci beaucoup la Gobio. N'aie pas honte de dire que j'ai misé sur la mauvaise personne. Même les présidents de la République font le remaniement ministériel parce qu'ils ont misé sur les mauvais ministres. D'accord? D'accord? Il y a les patrons qui résilient les contrats parce qu'ils ont misé sur le mauvais employé. Si tu n'étais pas mal à l'aise, tu n'allais pas effacer ton direct. Parmi ceux qui t'écoutent, il y a ceux qui ont le cerveau, hein. La jugeote, l'honnêteté morale, qui diront qu'ici, là, elle n'a pas tort. Je suis sincère de dire que ça m'est fait ta pub plus que mondiale, que ça m'est porté tes produits mieux que mondiale. Ils peuvent ni mentir, ni que les deux sont des cons. Même Pororo ne pourra pas vendre comme eux. Parce qu'au Canada, elle ne peut pas. Elle essaie la vue. La grâce à José lui avait dit que tu ne peux pas vendre les produits ici. Et elle ne mentait pas. C'est où? Vous êtes à quel niveau? Sortez des émotions quand vous voulez vendre, quand vous voulez faire le commerce. Sortez des émotions. Moi, je fais le commerce avec toi. Tu me trompes une seule fois, je te bats. Je te bats. Que tu sois mon frère, ma soeur. Mon cousin, ma cousine, je te bats, je pas quelqu'un d'autre. Je n'essaye pas que non, on va encore réessayer. Non, une seule fois, tu sais. Sans faire le boucan, je pars. Parce que tu commences à mettre les émotions, tu vas échouer, tu ne vas pas évoluer, maman. Bon, voilà, c'est ça, les filles. Qui va intervenir? Les filles vont partir 20h. Moi, je pense que un peu mieux gagner en clash. Depuis qu'elle a clashé, elle a gagné quoi? Gloria lui, elle a clashé quoi? Ma, vous me dire quelque chose. On ne fait pas le commerce dans le proving. Vous avez vu les vrais commerçants faire le proving? Vous avez vu madame sans faire le proving? Elle a porté toute la team la mettre sur sa tête. C'est elle qui paye les restaurants. C'est elle qui paye les tickets de train. C'est elle qui paye les ceci. Dis donc, on ne fait pas le commerce dans le proving. Ils vont te sucer, ça sera fatigué. Moi, mais tu me donnes, je prends. Tu donnes, je prends. Tu donnes, je prends. Tu donnes, je peux te redonner quoi. Moi, c'est à leur place. Je parlais de tes produits matin, midi, soir, juste pour te faire plaisir. C'est à leur place. Quand quelqu'un me visite mon restaurant une seule fois, je parle de tes produits. Il y a des trucs que je vends qui ne m'appartiennent pas. Juste pour aider, pour faire plaisir. Je vais dire non. On me fait quoi?
Je veux dire que je ne vends pas. Mais parce que cette personne a posé des actes qui m'ont touché. Parce qu'ils ont posé. Moi, comme tu les as invités au restaurant une, deux fois, ils parlent de tes produits. Continuellement. Constamment. Mais ça ne les intéresse pas. Merci la menace. Non, ce n'est pas une question de moi, ma soeur. Ce n'est pas une question de moi. Je lui donne juste les conseils, ma. J'ai mes produits. Je ne vends pas les produits des gens. Hein. Je fais mon commerce moi-même, ma soeur. Mon commerce n'avait pas recommencé. Hein. Je vais faire que mon commerce m'éteint. Voilà. Quand je ne calcule plus que ma bique, tu m'as pu écrire ma bique. Qui va intervenir avec les filles? On part, on finit, non. J'espère qu'Amélie a écouté nos conseils. J'espère qu'Amélie a écouté nos conseils. Je suis un peu... Monsieur a perdu son grand frère. On dit souvent que la mort réunit. La mort réconcilie. Monsieur Mesanta, tu dis Amélie. Au propre, son grand frère, tu entres avec Gondia, l'illettré. Tu te mélanges avec une illettrée pour l'insulter. Coucou Patricia. Tu vas être... Moi, j'ai vu des blogueuses qui ont évité de parler du problème de ma soeur quand elle était au Cameroun. Elles ont refusé de parler de ça. C'est une... Je n'étais pas au courant. Hein. Moi, on m'a dit qu'il y a des blogueuses qui ne parlaient pas de ça. Le problème de Lolo, elles ont dit qu'elles ne parlent pas du problème de Lolo quand elle est au Cameroun. Elle a bon, on m'a dit oui. J'ai compris que dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Pas de choses. C'est pour ça que je n'ai pas dit ça, mais je laisse. Monsieur Mesanta avait tué personne. Son grand frère, même est mort, Amélie. Tu pouvais laisser Mesanta faire son deuil. Essaye que tu dis que tu te lèves si Mesanta après le deuil. Si on va te faire du sale. Essaye. On va te faire. C'est-à-dire qu'on va retomber dans le clash. Mains et pieds liés. On va se verser dans le clash. Essaye. Parce que les gens sont calmes, vous ne voulez pas. Vous ne mettez pas le calme. Vous voyez que le calme des gens, c'est la peur. Essaye. Tu as porté peur à tout le monde. On va déchirer tes convocations. On te jette son visage. Essaye. Respectez la période des deuils des gens. Moi, je ne les appelle pas trop. Parce qu'ils sont en période de deuil. Respecter ça. Non seulement tu l'insultes pendant le deuil et tu dis que tu attends le clash. Amélie, essaye, maman. Essaye. On va se faire ça. Dieu. Essaye. Non. Nous sommes là. On attend. Voilà, les filles, je m'en vais. Je vous laisse. J'ai tellement peur du retour de monsieur. Eh, mais ça sera chaud. D'accord, Patricia. Regardez comment la pilule vous pond, maman. Hey, hey. Oh, 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 oh. Qui veut la pilule à faux que j'ai portée, là? Bon, les filles, je vous laisse, non? Même comme l'homme de truie est touché ou pas son deuil, les aînés ne veulent pas. Je te dis que, Von Smith. Ah! On fait ça, mais pendant la période de deuil, il ne voulait pas le laisser. Merci, Amalia. Même pendant la période de deux, vous ne pas laisser monsieur me sang. Nous vous attendons. Gardez papa et moi. On a dit que essayez. 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 Rêve de Bicot vous dit que essayez. Essayez un peu de vous approcher des me sang. Essayez. Merci Larissa. Tu vois mon boubou. Eh, et pour si tu n'as pas commandé. Et mon âme, souviens-toi, les bontés étaient ne sont pas épuisées. Je suis arrivée à la fin. Hein. Oui, c'était trop long, ma soeur. Le rêve est long. Rêve est long direct, c'est un problème. Hein.
J'ai un problème avec les longs directs, ma soeur. Ça ne fait pas trop le direct. Les longs directs. Bon, les filles, on commence. Je vous dis, hey, n'oubliez pas mon conseil. Je vous ai dit que les mères seules, les mères célibataires de la diaspora, on va vous mettre en lumière. Donc, vendredi, je vais commencer avec une mère seule. Ça se passe comment? Tu m'envoies ton message si tu es intéressé. Tu m'écris. Oh, je n'ai pas de... Pourquoi n'efface le commentaire? Je n'ai pas une grosse langue, ma chérie. J'ai une très belle bouche, ma chérie. N'efface pas ton commentaire. Ça ne sert à rien de parler de ma bouche. Parle de tout sauf ma bouche. Parle de tout sauf ma langue. Je n'ai pas une grosse langue dans ma bouche. Mais non, d'accord. Oui, c'est le pain et le haut exactement, maman, c'est ça. Donc, quand tu, toi, la main seule, parce qu'on va mettre les mains seules en lumière, tu m'écris, je commence vendredi avec une mère seule, et le meet and love vendredi aussi. Gringa. Je t'ai dit l'élu de Dieu, je t'ai su. Si c'était moi, c'est que je débarquais là-bas à la veille, je t'assure. Et tu as vu comment mon gars? Elle a bouffé. Pourquoi la foutre s'est passée? Si tu veux qu'on te débloque, fais-moi un message privé, je lui envoie. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rêve quand le président se chauffe. J'ai fini à quoi il rêve, je suis mère seule. Je peux me mettre un love. Karine. Oh Seigneur, Karine, pardon. Pardon, tu dis qu'on a fait quoi, je tiens ma forme. Quel est le clan média quand on a que le tête. Quel est le clan média. Et qui est bon, bon. Ok. Quel est le clan média comment? Ok. Tu as dit ça à Karine? C'est la copine de Karine. Dis... Ouais, Seigneur. Elle avait Maureen. Elle avait Maureen. Maureen lui a fait quoi, non? Dis-moi. Ok. Qu'est-ce que Maureen a fait? Ah ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Coucou Angie Biha! Et qui? Maureen a fait quoi? J'ai bien là, n'est-ce pas Maureen l'a supporté? Maureen l'a supporté. Ouais, Seigneur, Kao, pour elle ne rit pas. Le clamédia, il dit que Maureen a le clamédia, maman. Dieu de One, c'est vrai ça. Maureen a parlé de Marlène. Elle a dit d'aller enlever le pistache. Non, je vais couper la partie là. Je vais couper la partie. Je vais parler. Hey! Elle était grossière comme ça. On a une jeune soeur qui ne veut pas aller. Merci, Angie. Je veux me débrouiller en vendant mes petites chenilles. Aïe! Qu'elle va enlever le pistache. Non, je vais regarder la partie là. Vous ne m'avez pas laissé. Je vais aller écouter. Personne ne bouge pour ça. De la laver. Oh, Carole, c'est mauvais. Ah non, c'est parce que Maureen soutient en Angou. Les
Mais elle a dit Maureen pourquoi? Maureen est libre de supporter qui est. Bref, je ne parle pas d'elle ici. Je ne parle pas d'elle ici, pardon. Ok. Elle pleure là. Il se touche là-bas qu'elle dit non. Elle dérange les gens. L'autre vient s'asseoir. Je vais t'en donner tous les. Elle dit que moi, je t'avais la couleur de ton bain. Tu dis violet. Les couleurs vont pas dans tout. Ils vont quitter un jour. Un jour, les couleurs vont quitter. Quand vous venez de la porte, vous couchez avec les boules. Un jour, ils vont quitter. Et il. Que le mari de Maureen passe le temps à binder avec les filles dans le Maryland, que Maureen dort seule. Seigneur, c'était fort comme ça. Et après, on va vous demander encore que venez encore faire ce que vous étiez en train de faire là. Parce que maintenant, là-bas, là, une jeune soeur qui pleure. Moi, j'ai dit à Clarisse Yenga la dernière fois. C'était fort comme ça. La conseillère. J'ai dit que porte ton mari. Je ne vois pas s'il n'y a pas le social, s'il n'y a pas. Si tu as dit la noix du Cameroun, là, vraiment, comme on dit, si j'entends les gens. Maman, les filles, je m'en vais, non. Hein? Bon, je n'ai encore les mains seules. Quand si tu es mère seule en Europe, tu te contentes. Tu parles dans le direct, je lance l'appel comme cela. Tu parles dans le direct, on te pose des questions. On va poser des questions. Tu ministres la défense, on va pas la peine. Ah, dis donc, ferme la bouche. On va poser des questions sur ta vie privée, on va pas trop entrer dans ton intimité. Je vais t'envoyer des questions avant pour que tu te prépares. Donc, tu es dans le direct. Vous allez voir comment ça va se passer vendredi. Je vais prendre la première mère seule vendredi. On fera ça vendredi. Donc, vous allez voir comment ça va se passer. Donc, je remercie à toutes celles qui m'ont envoyé les messages pour faire partie de ce nouveau concept, pour faire partie de ce nouveau concept, pour inaugurer, pour, bref, comment je veux dire, pour faire partie de ce nouveau concept, pour embarquer dans ce nouveau bateau. Donc, on va commencer lundi. Elle a fini avec Maureen. Maman, je vais aller couper la partie là. Ma soeur est libre de soutenir qui elle veut. Maman, c'est mon amie, maman. C'est bon, elle est libre de soutenir qui elle veut. Maureen est libre de soutenir qui elle veut. C'est pas mon amie, je m'en fous. Donc, on va commencer vendredi après le boulot, ma soeur. Mettons 17h, c'est bon, non? Pour ne pas finir trop tard. 17h, comme nous n'est pas là. On met 17h, on va prendre la première mère célibataire qui va montrer dans le direct. Elle va se présenter, elle va vous expliquer comment ça se passe son quotidien, qu'est-ce qu'elle rencontre comme difficulté, qu'est-ce qu'on s'est peur, et tout, et tout. Et ça sera comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour le Meet and Love, beaucoup de femmes ont peur de montrer leur visage. Plusieurs femmes ont peur de montrer leur visage. Il n'y a que peut-être 5 qui ont été d'accord de montrer leur visage. Moi, j'ai ma base, comment on va dire ça? J'ai des gens qui veulent des femmes qui se montrent en direct. J'ai déjà mes contacts, mais qui veulent des femmes qui se montrent en direct. Vous avez le Cameroun avec les préjugés, elles ont peur de se montrer, elles ont peur de montrer leur visage. Je ne sais pas comment on va faire. Parce que la plupart, 80% de femmes ne veulent pas passer en direct. Elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas. On est en train de réfléchir comment essayer de contourner ça. Nous sommes en train de réfléchir comment essayer de contourner ça. D'ailleurs, juste qu'on fasse des annonces, c'est-à-dire qu'on poste la photo, on cache le visage, et après on essaie de les décrire. Mais passer en direct comme ça, se montrer, elles n'ont pas ce courage. Elles n'ont pas encore atteint le niveau de la solution, c'est ce qu'elles me disent. Donc, nous sommes en train de réfléchir comment faire pour contourner ça. Je dis que Talita, moi même ça me dépasse. Il y a des gens qui ne font même pas ça, il ne faut même pas approcher. C'est ça, quand je vais voir, moi ça ne me gêne pas, ma soeur. Si avec vous, ça me suffit. J'ai toujours été avec vous. Dans le reste là, je les gêne. Ils peuvent aller où ils veulent. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon ami. Donc je ne sais pas comment on va continuer. Les gens ne veulent pas se montrer. Elles ont honte de montrer dans les lives pour se présenter en tant que femme seule qui cherche un partenaire. Donc je ne sais pas comment on va continuer. Voilà, voilà, c'est ça, Charlotte. C'est toujours mieux de se montrer en direct, en tout cas, comme ça, les détenus. Voilà, c'est ça, Vanelle. C'est exactement ça. Elles ne veulent pas venir en direct. Il n'y a que 5 qui sont prêtes à venir parler. Le reste, elles me disent qu'il
Non, on a peur des préjugés. Nos photos vont aller partout. Les femmes, la famille va parler. Les voisins vont parler. Les collègues, elles ont peur. Elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas. Donc, donnez-moi aussi vos idées comment on pourra faire. Elles ne veulent pas. Elles veulent juste que je mette une photo, je floute le visage et voilà. Elles ne veulent pas. Beaucoup ne veulent pas beaucoup. Donc, on commence vendredi. Vovon, pardon, laisse-les là-bas, ma soeur. Laisse-les. Ah oui, Vanel, exactement. 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 Elles ne veulent pas, Vanel, elles ne veulent pas monter. C'est ça. Elles me supplient. Rêve, s'il te plaît, est-ce que tu peux contourner ça? Je reçois les messages, elles veulent faire partenaire, mais elles ne veulent pas. La grande soeur Valérie, Valérie rêve, ne contourne rien. Ouais, ma bique, on va leur faire comme un rêve, ne contourne rien. Une femme qui vient, Marie, ne se cache pas. Dans ta rêve, j'ai 24 ans, mère d'une fille. Je suis seule, je ne peux pas. Merci, Lolo, Lorette, tu peux passer, ma chérie. Fais-moi un message. C'est mon message, Lolo, Lorette. Je t'écris, tu peux. Oui, c'est ce que je vais faire, Vanelle. FM Bombi, oui, elle a toutes les bonnes idées, toujours, toujours. On en a parlé. Voilà, pourquoi elle refuse de monter ici. Je ne sais pas. C'est mieux de voir. Franchement, si j'étais seule, je commençais par moi-même. C'est parce que je ne suis pas seule. Si j'étais seule, je commençais par moi-même. N'aie pas honte. Il dit qu'elle me supplie, ouais, rêve, s'il te plaît, trouve un autre moyen. On va montrer votre visage comment. C'est honteux, c'est honteux. Hey! Comment honteux? Rêve, oh, j'ai bac plus 2. Rêve, j'ai bac plus 3. Je vais monter mes visages. Mes collègues vont dire quoi? Mais tu te fous de tes collègues, ma soeur. Tu es seule ou pas? Tu es seule ou pas? Prends. Oh. C'est chaud, hein? Je ne sais pas pourquoi elles ont honte. Je ne sais pas pourquoi les femmes ont honte. Elles me supplient. Elles rêvent, trouver un autre truc pour moi. Rêve, trouver. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas. On va commencer. Peut-être les autres vous donneront le courage. Bon, les filles, je vous laisse. Demain, on bosse. Vendredi, je lance le truc des mères seules. J'espère que vous serez nombreuses pour écouter les difficultés des mères seules, les défis des mères seules, les craintes des mères seules. J'espère que vous serez nombreuses. En tout cas, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ah oui, c'est ça, Alice. Les mœurs, nos mœurs nous suivent. Nos mœurs, la famille, le Congo, ça, des cousines. Nos mœurs nous suivre. Si après mes cousines, la cousine des célibataires, venez vous présenter, c'est de honte. Et la plupart des gars cachés. Ouais, elles ont des gars que non aussi. Elles ont des gars, mais elles savent que la relation là n'a aucun avenir. Mais elles ont honte. Elles n'ont pas honte. Ces femmes ont les hommes en couple. Et Olivier, ça peut être pareil. C'est peut-être ça, Olivier. Olivier Longchamp. On va dire qu'Olivier Longchamp, c'est Black Beauty. C'est toi, Black Beauty. Elles ont des gars, la plupart ont des gars, elles ont honte. Elles ont honte. Ben, le gars peut te dire, ah, donc tu cherches un partenaire. Pourtant, tu sais très bien que le monsieur avec qui tu es ne t'amènera nulle part. Si j'étais sérieux, commencer par moi-même. Je vous jure sur la tombe de ma mère. Ma connaît madame bien, moi, je n'ai pas honte. Si j'étais seule, de commencer par moi-même. Je vous jure, ben, je ne suis pas seule. Vous avez honte de quoi? Je connais Olivier. Ah, d'accord, Véro. Elles ont plusieurs mecs. C'est vraiment que j'ai pensé à ça. Il paye sa chose du côté de la présidence. On va là-bas. Donc, qui est en direct, Véro? La présidence est en direct. La présidence, c'est son nom. Elle va pouvoir se faire.
Le président Sobonne. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà, moi-même, je suis célibataire et bien seule, mais je n'ai pas le courage, ne tue. Alice, on va le faire comment? On va parler comment, Alice? Donnez-moi les idées. Bon, je vous laisse, non, les filles, on va chez le président des blogueurs et la PDG là-bas. Oui, nous, nous, en vacances, Noël, nous, nous, en vacances. Mais elle n'est même pas en vacances en tant que telle. Je vais la chercher d'ici la semaine prochaine. Je vais la chercher. Parce que moi, je suis en vacances en fin août. Fin août, je suis en vacances 2 semaines. Après, je prends encore en décembre 2 semaines. Voilà. 2 semaines en décembre, 2 semaines en fin août. Oh là, Loulou. Non, Loulou ne me manque pas. Oh, Loulou ne me manque pas. Là, là, laisse-la là-bas, pardon. Elle ne me manque pas encore. Mais hier, j'avais l'impression qu'elle était sur le lit. Hein. J'ai guetté comme ça, j'ai vu que je croyais la voir sur mon lit. Mais ce n'était pas elle. La grâce Valérie Promax. La grâce Valérie dit que si ton grand frère ne me montrait pas l'amour, je venais chercher mon papy de 60 ans. Il venait chez. Ah, ma bite, mon grand frère te garde trop bien, pardon. Il te garde trop bien, pardon. Rêve vendredi, mon dernier garçon a 18 ans. Oh, ma joie de ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les filles, on vous laisse, non? Je vous laisse, non? Personne ne veut. Il n'y a que 5. Attends, il y a combien de femmes qui sont prêtes à montrer le visage? 5 ou 4. Je ne sais pas, c'est pas beaucoup. La plupart ne veulent pas. Hein. Donc, c'est ça. Si j'étais seule, j'allais commencer. En tout cas, on va commencer avec d'abord les messes. Il y a tellement de messes en Europe. Bon, merci d'avoir suivi mon direct. Merci d'avoir été toutes nombreuses. Merci de m'encourager dans mon petit commerce. Je vends les boubous, je vends les perruques. Je vendrai autre chose, mais très bientôt. Je ne parle pas. Parce que j'ai peur de parler. Je ne parle pas. Donc, je vendrai autre chose dans les mains. Et mes boubous sont de bonne qualité. Ce n'est pas la qualité suprême, mais c'est bon. Donc, je vends les boubous, je vends les gants, je vends les perruques. Merci de m'encourager. Voilà, merci à tous ceux qui font des achats. Merci beaucoup. Vendredi, on fait. Vendredi, on commence à 18h, ma soeur. Mettons 18h. Mettons 18h. Mettons 18h, vendredi. Mettons, comme c'est le vendredi, on va aller un peu plus, ça sera un peu plus long. Donc, mettons 18h. On va commencer avec celles qui sont là, celles qui sont prêtes. Comprenez-vous? Mettons 18h. Bon, merci à tout le monde. Ciao, ciao. Il y a le président des blogueurs qui est en direct. Donc, si vous voulez suivre notre direct, allez chez le président des blogueurs. Ciao.